Salut tous! Salut, salut! Dites-moi si vous m'entendez. Normalement, c'est bon. Par contre, je vais pas avoir la bonne scène, vous allez voir. Enfin, on va voir cette scène, mais vous allez pas avoir la scène avec le nom de l'invité et tout. Parce que d'habitude, c'est Alex qui le met au montage, mais du coup, il est en vacances. Bon, attendez, je regarde un truc rapide. Ah, vous avez pas l'audio bureau, par contre. Il bug encore celui-là. Non, c'est pas ici. Alors, je crois qu'il faut mettre ça. Propriété. Je ne sais plus ce qu'il faut mettre. Sais plus ce qu'il faut mettre pour l'audio. Bon, pire, c'est pas bien grave. Normalement, vous entendez pas la musique, ah, il est pas là, Alex. Vous avez vu au niveau de la vidéo YouTube? Le montage, j'ai été éclaté. Parce que c'est moi qui l'ai fait. À l'ancienne, hein. Parce que c'est vrai que là, ça fait au moins 2 mois. Non, ça fait plus d'un mois. Un mois et demi que Alex, il fait le montage et tout sur la chaîne. Mais avant, faut dire, les gars, les vidéos, elles étaient toutes comme ça, genre sans montage. Je crois qu'il faut mettre ça. Ah! Normalement, vous entendez la musique, mais je suis pas sûr. Normalement, c'est bon. Bon, on va faire un petit récap là du marché là jusqu'à 21h30, puis après on accueillera notre abonné. Vous allez voir qu'il est chaud au niveau de la blockchain, la Binance Smart Chain, je veux dire. Du coup, c'est hyper intéressant, c'est un truc qui est en train d'exploser. Ouais, j'étais sur le stream de Hacher tout à l'heure. Je sais pas si vous avez vu, je vais vous faire quelques subs, c'était cool. C'était cool, c'est cool. Merci du coup pour tous les subs, vous pouvez le voir ici, il y a eu Gerwan 12, les morgues, il y en a eu plein. Il y a déjà plein de personnes qui sub alors qu'on n'est même pas en live. C'est cool, merci. Du coup, on va direct aller sur le cours. Ouais, c'est bon au niveau du son et tout. Musique pas trop fort. Dites-moi si ça gêne. Ouais, tac. Regardez ça en délit. Finalement, on va faire une bougie rouge. Je pensais qu'on allait partir dans le vert aujourd'hui, mais. Je sais pas, ça va être chaud. Mais en tout cas, le scénario que je vous ai parlé hier, où voilà, on risquait, pour moi, c'était la baisse n'était pas finie. C'est plutôt bien déroulé. Et c'est vrai que ce qu'on est en train de faire là, le contexte qu'on est en train de faire, il me fait vraiment penser à celui-là, avec un double bottom. Alors c'est pas un double bottom parfait, parce qu'en général, un double bottom, c'est quand c'est bien droit, et on fait comme ça. Et là, c'est un peu penché, mais c'est quand même un double bottom, mais juste penché. Mais bon, c'est quand même intéressant. Et ça peut être un point bas du marché. Mais attention quand même, regardez par exemple, ici, on aurait pu se dire pareil, on a un double bottom. Au niveau du RSI, vous voyez, ça montait, donc on aurait pu avoir aussi une divergence haussière. Et finalement, par suite, on se fait ramasser, donc à voir. Ce qui me fait un peu peur, c'est aussi en daily. Parce que là, on peut avoir une sorte de remontée, finalement, paf, on se fait planter. Et là, on a pour encore un mois de baisse facile. Comme on l'a eu ici, en fait, tout simplement. C'est exactement ce qu'on a fait, donc attention. Là, on est baissé quand même 1, 2, 3, 4 jours. Là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, ouais. Donc on pourrait remonter assez fort, finalement, faire un bull trap. À voir, à voir. Après, vu qu'il y a énormément de monde qui veulent attendre la zone des 40 000, 42 000 dollars pour recharger, c'est possible que le marché n'y aille pas, juste pour que les gens ne puissent pas recharger en fait. Pour piéger. Le marché est très très piégeur. Regardez ici, j'en ai parlé dans la vidéo, mais vous voyez que beaucoup de personnes allaient prendre leur profit à 60 000 dollars, dont moi, et finalement le cours est s'arrêté pile aux 58 000. Pour pas que les gens prennent leur profit. Ça, c'est vous. Alors, attendez, je vais ouvrir le chat. Hop. Faut que ça charge. Je vois pas vos réponses à vos questions. Ça va arriver. Ça va arriver, ça va arriver. Du coup, à 21h30, normalement, il y aura l'abonné qui va arriver. J'espère qu'on n'a pas de problème au niveau du micro, parce que j'ai pas eu le temps de l'appeler. Donc on verra bien ce que ça donne. J'ai bégayé beaucoup aujourd'hui. J'ai galéré à faire la vidéo, je faisais que me répéter, c'est un truc de fou. Il y a des jours comme ça où je mâche mes mots encore pire que d'habitude. C'est horrible. Ce matin où il fallait recharger. Le moment où il fallait recharger, c'était ce matin à 45 dollars. 45. 45. Ah non, à 45K, tu veux dire. Oui, mais en réalité, tu t'en fous. Hein. Je te jure, de recharger à 40K ou à 50K, ça ne change rien, vraiment. Ça change rien du tout. Regarde, t'as 10% de différence, tu vois. Si tu recharges par exemple à 44 ou à 50 ou à 45, ça change que dalle. C'est impossible, je te jure, c'est impossible d'acheter le bottom, d'acheter le plus bas à 44, personne ne va réussir. C'est juste pas possible.
Donc, tant que tu achètes dans la zone, tu vois, dans cette zone, t'es bon. Tu peux acheter ici au 35, c'est pas grave, même si le cours est descendu en dessous des 30. Pas grave, parce que personne n'achète un bottom. C'est impossible d'acheter au plus bas. Faut juste pas acheter au top, tu vois, et essayer d'acheter pas loin du bottom, en fait. Tu vois, si le cours fait ça, bah essayer d'acheter dans cette zone. Et même si tu achetais à 51K, bah c'est déjà bien, tu vois. Et inversement, si tu vois le cours fait ça, et bah même si tu as acheté ici au 51, bah en vrai, en réalité ça va parce que, ok, il est plus bas, mais tu as acheté en cette zone, donc c'est plutôt bien par la suite. Donc c'est pour ça que je vous ai dit en vidéo, j'ai un peu mis le point pour dire c'est le moment de recharger. Enfin, j'aime pas donner des conseils comme ça et dire faut acheter ou faut vendre, mais pour moi c'est vraiment un bon point pour recharger là. C'est pris à moins 25% de baisse. Oh, c'est ça, moins 25. Franchement, si vous voulez rentrer par palier, rentrez maintenant. C'est un bon point. La différence entre les courbes MACD et EMA, bah MACD c'est ça, c'est cet indicateur. Il te permet de savoir si. Alors comment il marche lui déjà? En fait, il fait la différence entre les acheteurs, la puissance acheteuse et la puissance vendeuse. Et quand tu vois le marché passe. Alors il a un temps de latence, hein, tu vois que regardez la cross bullish, la cross bearish, tu vois, c'est-à-dire la croisée au niveau de la baisse, alors qu'on avait déjà bien entamé la baisse. Mais au moins ça nous permet de savoir dans quelle tendance on est au niveau du moyen terme. Ça c'est utile. Et le EMA. EMA ça veut rien dire en fait. Le EMA je crois que tu parles de ça parce que ça s'appelle le EMA Ribbon ça. EMA je sais pas ce que ça veut dire en anglais. Mais ça veut dire EMA ça doit être... Je sais pas ce que c'est. Ribbon c'est le ruban. EMA ça doit être le ruban de moyenne mobile à mon avis, un truc comme ça. EMA Ribbon. Et ça en fait si tu veux c'est moyenne mobile. Les moyennes mobiles c'est ce qui suit le cours avec... ça dépend comment c'est paramétré. Mais là c'est les moyennes mobiles qui vont 30 à 55. Ça fait 30, 35, 40, 45, 50, 55, etc. Mais tu peux avoir les moyennes mobiles sur bien plus aussi. Mobile average, ouais, c'est ça. Mobile average, ouais. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que vous voyez que le bas du ruban de moyenne mobile, il est pile aux 40 000 dollars. Et regardez ici, on était venu chercher deux fois. Deux fois, on est venu chercher le bas, le dernier ruban. Et donc là, si on revient tester le dernier ruban qu'on a pu faire dans la dernière baisse, ce serait vraiment très pertinent. Ça nous emmènerait pile aux 41 000. Ouah, j'ai du mal aujourd'hui à parler. Je sais pas pourquoi, c'est horrible. Je mange mes mots. Tu as vu la news Grayscale? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit quoi, Grayscale? Ils ont dit quoi? Ils vont rester leur propre token? Comment ça? Sais pas ce qu'ils ont mis, de toute façon, juste à regarder. Là, ils sont à 40 milliards. Ils sont à 40 milliards. C'est n'importe quoi. Juste à regarder crypto, c'est à mon avis, c'est une grosse nouvelle. Ah bah regardez. Grayscale confirme qu'ils explorent la création de nouveaux fonds pour 23 cryptos. What? C'est énorme. Il y a un truc. Là, Grayscale, ils sont. Ils sont à 40 milliards, les gars. Et en termes de crypto, ils ont Bitcoin, ETH. Ils ont quoi d'autre? Bitcoin Cash, Litecoin. Il y a Bitcoin, Bitcoin Cash, ETH, Ethereum Classic. Alors je sais pas ce qu'ils foutent avec de l'Ethereum Classic vraiment. Horizon, là aussi hein, je comprends pas. Horizon, Bitcoin Cash, je comprends pas trop. Litecoin, ok. Stellar, là aussi je comprends pas trop. Zcash, incompréhensible. Et ça, je sais pas ce que c'est le dernier. Et ils veulent rajouter 27 nouvelles cryptos. 23, à mon avis, ils vont s'intéresser un peu à la DeFi. Ça m'étonnerait pas du tout. Mais ouais, ETC, Bitcoin Cash, mais qu'est-ce qu'ils foutent avec ça? Sérieux. Ah, RSR! Incroyable! Ils veulent acheter du RSR, les gars. Du RSR. Et je l'avais mis dans mon top 5 Alcon DeFi. Je l'avais même mis dans les premières places, il me semble. C'est vraiment un bon token, hein. Je vous conseille de vous renseigner. Ah oui, il était pertinent aussi parce que vous voyez, il était en train de faire son pullback. Alors, il est passé en dessous, malheureusement. Mais c'est toujours d'actualité, hein. C'est toujours bon. Ouais, c'est toujours bon. Surtout en weekly. Donc, c'est vrai que c'est intéressant. Oh, s'ils font ça, c'est très bon pour ce token. Il y a aussi NMR. C'est quoi déjà? Numéraire, je sais plus ce que c'est comme token. J'ai déjà vu, mais j'en souviens plus.
Ouais, RSR à long terme, franchement, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Voici la liste des crypto-monnaies concernées. Oh! Je me frotte les mains. C'est que des tokens que j'ai au portefeuille pratiquement. Ah non, pas tous, pas tous. Mais Avalanche, j'en ai. Le BAT, j'en ai aussi un petit peu. Alors Cardano, j'en ai pas et je suis pas fan de Cardano. Hein. C'est incroyable. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien, mais vraiment, moi, j'arrive pas. Hein. J'arrive pas à accrocher. Je vois pas ce qu'il apporte. Chainlink, oh, je suis tellement bullish. Compound aussi, j'en ai. Cosmos, j'en ai pas. Decentraland, j'en ai pas. EOS, j'en ai pas. Filecoin, faut que j'en prenne, mais j'en ai pas. Ça aussi, j'en ai pas. Ça, je connais même pas. Liverpeer, je sais même pas ce que c'est. Maker, bien sûr, j'en ai. Monero, j'en ai pas. Dudot, bien sûr que j'en ai. Ça, j'en ai pas. Sushi, alors j'en ai plus, mais j'en avais à l'époque. Synthetix, j'en ai pas. Il est intéressant, Synthetix. Tezos, j'en ai, mais j'aime pas trop. Ah, Avegraaf, GRT, ça, c'est bien. Uni, ça, c'est super. Et Yearl Finance, la pépite. Je savais qu'ils avaient mis des tokens de DeFi. C'était sûr et certain. Et en vrai, eux, ils vont se mettre tellement bien. Et ils vont mettre en plus le flow. Alors ça, je connais pas. J'en ai déjà entendu parler, mais je ne connais pas. RSR et NMR. En tout cas, ça va être très très bon pour les tokens de DeFi, là. Tout ce qui est AVE, Link, Compound, Maker, le DOT aussi, ouais, le DOT, la rigueur. Surtout dans le finance, ouais, Uni, GRT, ça va être très très bon. Ouais, c'est positif alors. Et surtout, le fait que Grayscale investisse sur ses cryptos, ça veut dire que ouais, les projets, c'est peut-être pas de la merde, quoi. Et que eux, en général, ils font des bonnes analyses, donc c'est pas trop mal. Ils ont pas pris CHSD. C'est dommage, ouais, j'avoue, j'avoue. Ah, ils font une grosse erreur. Il manque un gros truc. Ils auraient dû prendre du Omisego et du CHSB. Omisego, je sais pas, parce que tu vois, elle est bien au niveau de sa configuration graphique, mais au niveau du projet, je connais pas trop. Mais c'est vrai que CHSB, le projet est bien, le token est bien. Allez, ça, on a combien là? 23 jours de consolidation. Ça commence à mijoter. Dommage qu'il y ait eu ce gros pump là. C'est vraiment dommage. Ce serait bien qu'il fasse une news, mais une vraie news, pas comme celle-là, pardon. Une vraie bonne news. Moi, ça va faire repartir le cours direct. C'est vrai que là, CHSB, il est pas mal. Hein. 4 jours qu'il consolide, là, en plus. Assez propre, où il descend légèrement. Mais voir ce que ça donne au niveau des bandes de Bollinger. Oh, c'est très resserré. C'est parfait. C'est comme ici. Après, ce qu'il veut dire, c'est que regardez les bandes de Bollinger, là. À partir du moment... Voilà, quand ils se sont aplatis, on va dire par ici. Ça a duré quand même 18 jours. Hein. C'est vraiment long. 18 jours. Ouais, ça nous emmènerait vers mi-mars environ. Après, c'est impossible de comparer le passé au futur, mais bon, toujours bien. Avec CHSB, il est vraiment, vraiment pas mal. Vraiment, vraiment pas mal. Il y a aussi lui là. Ah, lui, il est top. Petit Omisego. Le Ben aussi, toujours d'actualité. Je crois en plus, il a bien poussé aujourd'hui. Ah, elle a dû corriger. Ah, dommage. Mais je vois que le Ben est aussi pas mal. Il revient sur sa zone de support. Ouais, on a pas mal de... Les coins sont pas trop mal. Ce qui est bien au niveau de Bitcoin, c'est que... Je sais pas si vous avez entendu, mais la dernière fois, je vous ai dit que quand le Bitcoin chute, tous les altcoins chutent. On a très bien vu avec cette bougie. Mais quand il descend comme ça, là, tranquillement, avec 5-10% de baisse, ça reste correct au niveau des altcoins. C'est pas la cata. Mais c'est quand on a une bougie de moins 20%, moins 15% sur Bitcoin... Ça commence à vraiment à chauffer sur les altcoins. Mais quand ça descend progressivement comme ça, c'est vraiment pas mal. Par contre, attendez-vous. Peut-être pas qu'on ait une altcoin season, mais une sorte de mini altcoin season, je pense. Surtout quand Bitcoin va trouver son bottom et repartir. Ah là, faut vous préparer, ça va faire comme ici. On va avoir un joli truc qui va se mettre en place. Le seul problème, c'est qu'on est déjà à 59, quoi. Donc, on peut. Là, vous voyez, on fait une petite partie de stabilisation, on bouge pas trop. Puis après, si on a une altcoin season, on devrait repartir au-dessus des 75. Ah, par contre, après, on risque de se taper une grosse Bitcoin season. Ouais. C'est dommage qu'on n'ait pas plus d'historique, qu'on n'ait pas l'historique de 2017. Mais de toute façon, je vous l'avais montré avec la Bitcoin dominance, et en général, c'est souvent ça swing, ça. Comment je pourrais dire? Ça swing, j'ai dit. Ça bouge entre les altcoins et Bitcoin, ça change. C'est comme sur les actions, vous avez des rotations de marché. Oula, CHSB à 300$, je pense que tu peux attendre quand même. Fois 300. Pas de Bitcoin à 33K ni fin du bull run MDR, calmez-vous. Bitcoin à 33K, les gars, ça va être vraiment vraiment tendu. Il y a aucune raison qu'on aille chercher 33K en fait. Ça nous ferait combien?
43% de baisse, c'est possible, hein, bien sûr. Hein. Quand on a des corrections, c'est en général entre moins 20 et moins 40%. On peut aller chercher moins 40%, mais c'est quand même assez rare. Mais il n'y a aucune raison quand on est au 33 quarts. Hein. C'est toujours possible, mais il n'y a aucune raison. C'est comme si je vous dis, demain, on est au 75, au 60K. C'est possible, mais c'est tellement pas du tout à privilégier que... Tu penses quoi de GRT? Bah, depuis la sortie du projet, GRT, je suis bullish, donc j'en accumule un peu dès qu'il est intéressant au niveau graphique. Et je le garde pour le long terme. Voilà. C'est un token que je hold. Parce que je trouve le projet vraiment bien. Enfin, il a surtout une vraie utilité, GRT. Au niveau de l'utilité de son token, en fait. Ça, c'est important. CHSB. Mais t'as dit 1999K. Non, épaule, tête, épaule. Mais t'es fou. BTC, on risque de descendre sur la zone des 30K. Alors ça, déjà, j'y crois, mais alors pas du tout. Ça ferait à moins 40%, c'est pas du tout à privilégier. Épaule, tête, épaule, mais où est-ce que tu vois une épaule, tête, épaule? Ah, attends. Épaule, tête, épaule, mais en daily. Épaule. Non, mais je vois pas, hein, vraiment. Mais non, c'est pas ça. Une épaule, tête, épaule, c'est un truc comme ça. Ah, une épaule, tête, épaule inversée? Non. Je sais pas, je vois pas une épaule, tête, épaule. Ah, avec ça! Tu parlais de ça? Ouais, non, moi personnellement, j'y crois pas, pas du tout. Peut-être, hein, mais si on fait ça, à mon avis, ce sera pour revenir sur cette zone des 40K et pas vers les 30. Et Beer Market, t'as dit? Tu penses Beer Market derrière? Mais non. Regarde, faut que je te montre. Regarde dans le passé. Faut pas s'affoler. C'est moins, les gars, c'est moins 25%. Pas de panique. Tranquille. Même si demain on a moins 50, moins 60%, on sera toujours en bull run. Regardez, durant bull run, c'est pas tout rose. Mais on fait des corrections de moins 40, moins 40, moins 40. Là, c'est pareil, moins 40, moins 40, moins 40. Donc, tout à fait normal que tout simplement on descende. Là, on descend et on repart. Tout à fait logique. On est toujours en bull run. Pour moi, tant que j'ai mes indicateurs de long terme me disent pas qu'on passe en bear market. Reste en bullrun. Et logiquement, le bullrun, on devrait le finir vers les 150K, 200K. En théorie. Divergence baissière? Non, pour l'instant, on est plutôt en divergence haussière. Sur là, dans H4. Tu vois, ça monte au niveau du cours, alors que ça descend au niveau du récit. L'inverse, ça descend au niveau du cours, alors que ça monte au niveau du récit. Donc, plutôt une divergence haussière. Épaule à 40 000, ensuite tête, et ensuite épaule à 40 000. Ouais, c'est ce que du coup j'ai monté. Si je me trompe pas. C'est-à-dire que t'as l'épaule ici, la tête et l'épaule ici. C'est vrai que c'est pertinent, hein. C'est pour ça que la zone des 40K est très très pertinente. Sauf que ce que j'ai remarqué dans le passé, c'est que quand quelque chose est ultra pertinent et que tout le monde s'attend genre que ça revienne dans cette zone ou que ça fasse ça, et ben en général le cours est fait tout l'inverse pour piéger tout le monde. Ça, je l'ai vu tellement de fois. Vous pouvez même pas vous imaginer. Je sais pas si vous vous souvenez pour ceux qui étaient là, mais sur la chaîne, on avait beaucoup parlé du gap qui était ici aux 9 600 $. Et en fait, le cours corrige, c'est parfait. On était à même pas 200 $ d'aller chercher le gap. Et truc de fou, il l'a jamais comblé le gap, alors qu'il était juste là. Et on n'est jamais allé. Et tout le monde pensait qu'on allait y aller, dont moi. Et finalement, on est monté. Alors que les gaps, on les avait comblés depuis 3 ans à chaque fois. Et ça, c'est le Bitcoin, tout craché. C'est que parfois, vous pouvez avoir tous les signaux au monde qui vont dire, bah, on va aller ici. Et finalement, il va s'arrêter juste avant pour piéger tout le monde. Donc moi, de toute façon, là, comme je l'ai dit en vidéo, pour moi, c'est 50-50. Soit on pourra repartir, soit on pourra revenir au 40K puis repartir. Mais ce qui est un peu qui tout double, parce que le plus logique, en fait, ce serait simplement qu'on retourne au 40K. Mais vu que le Bitcoin est très piégeur, et il essaye de piéger du monde sur le marché, il ne va pas essayer de faire gagner tout le monde, donc il risque de ne pas y aller. Parce que beaucoup de gens vont attendre les 40K pour recharger, et finalement... Je serais bien que dans le chat il y en a qui vont faire ça. Je serais bien qu'il y ait des personnes qui ne vont pas rentrer par palier et qui vont dire bah je suis all-in au 40K, au moins j'achète le bottom. Mais ce n'est pas possible. Ok, peut-être y aller au 40K, vous allez faire all-in et ce sera bon. Mais il y a niveau chance et par rapport au ratio que vous pouvez gagner, c'est pas rentable. Il faut mieux rentrer en plusieurs fois, par exemple ici, ici et ici si ça descend. Au moins si le cours fait ça, bah ok, vous avez acheté sur plusieurs fois, vous avez un truc d'achat qui est par ici en moyenne. Et si jamais le cours bah, il fait ça, bah, au moins vous avez déjà acheté ici. Et je vous conseille vraiment de faire ça. C'est hyper important. De toute façon, si vous le faites pas maintenant et vous faites avoir, bah vous allez le refaire plus tard. Enfin, je veux dire, vous allez le faire plus tard par palier. Parce que, en général, la première fois que tu rentres sur le marché, tu le fais pas par palier parce que tu te dis ça sert à rien. Mais après, quand tu te plantes une fois au niveau de l'achat, au niveau de la vente, après tu le fais par palier. Si on descend à 41-42 K, ce sera plutôt ce week-end ou semaine prochaine. J'ai pas de boule de cristal, j'en sais rien. C'est impossible à savoir.
Comment tu veux que je sache? Comment tu veux que je sache? C'est un marché hyper volatile, très 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 sensible à l'actualité, à plein de choses. C'est impossible à savoir. Vraiment, faut avoir une boule de cristal pour savoir. Moi, à mon avis, je sais pas, je pense que d'ici la fin de la semaine, ça va être assez calme. En général, les fins de semaine, c'est assez calme. Et peut-être, début de semaine prochaine, on ira chercher les 42K. Mais c'est un scénario parmi plein d'autres. Et voilà, quoi, c'est pas une obligation, donc on verra. C'est qui est invité ce soir? C'est un abonné qui est spécialisé dans la blockchain. Dans la. Que je raconte? Dans la Binance Smart Chain. Et du coup, il va nous parler de tout ça. Binance Smart Chain, très très prometteur. Il y a pas mal de choses à voir là-dessus. Pas mal de. Cake ou Omisego, je dirais Omisego vu la configuration. Après Cake, il suffit que ça reparte au niveau de l'engouement là, pour lequel on risque d'avoir un beau truc. Je sais pas. Je dirais Omisego au niveau ratio risque. À mon avis, c'est là où tu as plus de chances d'avoir le moins de risque pour plus de ratio. Après Cake, tu peux avoir plus de ratio en termes de performance, mais plus de risque par contre. Connais-tu Hermès? Projet Layer 2 pour ETH. Ça me dit un truc, je connais de nom, mais alors je connais pas de. Le token. Ah, merci d'ailleurs pour tes 1000 bits. Je sais pas du tout combien ça fait 1000 bits. Merci en tout cas. Bon, on va aller voir Hermès. HEZ, tu m'as dit. On va prendre le dollar, on va prendre l'USDT aussi. Connais pas le projet, du coup, c'est assez compliqué. Ok. Oh, mais il est récent, 14 novembre. Ah, il a bien pété durant la saison. Ouais, 80%, c'est pas non plus la folie. Mais c'est vrai que s'il y a les Layer 2, il peut être très intéressant parce que Layer 2, si ça arrive. Alors, je sais pas du tout à quoi c'est dû le Layer 2 là, ce projet. C'est vrai que ça peut être intéressant. À voir. Mais graphique là, je sais pas trop quoi te dire. Il est assez bizarre quand même. Hein. Ça monte, ça descend, ça stabilise. Là, logiquement, on est sur une bonne zone, hein, parce qu'à mon avis, il y a pas mal de volume. Ouais, c'est ça. On a pas mal de volume, parce que tu vois, on a pas mal travaillé dans le passé, ici, cette zone. Après, là, on est pile où faut pas, quoi. Faut absolument qu'on remonte. Ouais, je sais pas, je sais pas. Je connais pas le projet, c'est ça le problème. W en H4. W en H4, sur quoi? Sur Bitcoin? Lit, je crois que je l'ai. Je vais voir. Où est-ce qu'il est? Ah non, c'est pas Lit. Si, il est là. Ah, j'avais déjà vu, oui. Ah, c'est un token de la Binance Smart Chain, lui, il me semble. Intéressant, il nous forme une de ta séance et finalement, il avait fait un range, il a pullback, puis il a été reparti et finalement, il a bien dégringolé. Alors, bien sûr, c'est à cause du Bitcoin. Comme Bitcoin descend, tout le monde descend. Mais c'est vrai que là, il est sur une bonne zone, hein, parce que sa zone qu'on a travaillé dans le passé, là aussi, il doit avoir des volumes. Donc, c'est intéressant. Là, de toute façon, tous les altcoins sont intéressants parce qu'ils ont corrigé, ils sont en bonne configuration. Donc, préparez vos liquidités pour les altcoins. Peut-être pas maintenant, mais dès qu'on va trouver notre bottom et qu'on va repartir au niveau du Bitcoin, je pense qu'il va y avoir une rotation du marché sur les altcoins. C'est très intéressant. Très, très intéressant. Il y a Inch qui est monté, mais ça cause des actus. Et sinon, ouais, ça c'est mitigé. Hein. Regardez, si je mets les grands gagnants, on a des 15%. Et au niveau des grands perdants, on a aussi des moins 12 et tout. Donc. Ça c'est stable. On n'a pas vraiment de tendance pour l'instant. Mais préparez-vous, préparez-vous. Parce qu'en général, quand le Bitcoin, si Bitcoin nous fait ça, il trouve son bottom ici, puis là il commence à repartir. Là on va avoir une belle que season durant toute cette phase. Mais ce qu'il veut faire aussi, c'est simplement un deuxième scénario, il monte et. Oh, attends, je vais me déplacer. Et il chute. Ah non, qu'est-ce que ça me fout? Attends, je reprends mon pinceau. Hop, il nous fait ça. Et bah. On va voir, là les altcoins ils vont prendre très très cher. Mais là par contre on va avoir une belle alt season. Dans tous les cas on aura une petite alt season. Sache qu'il faut pareil. Quand le Bitcoin corrige, une fois qu'il a corrigé, qu'il stabilise, une fois qu'il a trouvé son bottom et qu'il commence à stabiliser pour repartir, ah, les altcoins ils prennent plein de pots. Quelle crypto te saoule le plus? Moi perso c'est Litecoin. Je te comprends parce que c'est vrai que Litecoin il y a beaucoup beaucoup de personnes qui en parlent et qui le mettent en avant, mais au final Litecoin il fait pas grand chose. Hein. Le début du bull run, la Litecoin a vraiment fait pas grand chose, donc je pense qu'il y a quand même pouvoir se réveiller d'ici la fin du bull run. Mais depuis le début, c'est vraiment calme. Hein. Et je suis assez content parce que j'en ai pas énormément en portefeuille, donc ça va. Mais c'est vrai que c'est pas la folie.
Ah oui, GLD, bah ouais, pour moi c'est toujours baissier. Hein. J'ai pas vu son graphe, mais je sais d'avance que c'est baissier. Ah, pas mettre ici. Pas sur Arcadebox, faut que je mette sur Aoufi. Je sais d'avance que c'est baissier. Enfin, je sais, comme si j'avais ma boule de cristal. Pour moi, c'est baissier, je veux dire. Parce qu'on est toujours dans ce gros canal aussi. Après, bien sûr, si tu vois, on a une like season, on peut rebondir, repartir. En fait, ça dépend aussi du contexte du marché. Que fait le Bitcoin, etc. Mais c'est vrai que ce serait tellement pertinent qu'on revienne ici, en bas, pour repartir. Et faire comme ça. Là, il faudra vraiment acheter, parce que tout le monde sera désespéré. On aura pris un moins 80, mais ce sera vraiment le moment d'entrée. À voir. Mais c'est vrai que même là, en vrai, il peut rebondir, hein, malgré que moi j'ai toujours un billet assez pessimiste là sur EGLD du court terme. Il nous a quand même fait un moins 60%. Donc, si vous voulez rentrer sur EGLD par palier, c'est vrai que c'est un bon endroit. Putain, c'est quand même passé de 250 à 100$. Incroyable. Mais à voir. Hein, regardez, pendant cette phase, on était en bull run. Août-septembre, on était déjà en bull run. Après, c'était vraiment le début du bull run, donc c'était assez différent. Et on s'est tapé à moins 78%. Ça, personne s'y attendait. C'était assez chaud quand même. C'était assez chaud. Bon, quelle heure est-il? 28. Aïe, 30, on va appeler notre ami. Ouais, pour la question sur BNB, Binance Smart Chain, ne vous inquiétez pas, les gars, ça va arriver. Le CHSB, alors CHSB, j'en ai déjà parlé en début de live. Tu parlerais d'ailleurs Rediff si tu veux. En tout cas, il est très prometteur. Il continue à consolider, c'est parfait. On est à 23 jours, je crois, de consolidation, donc c'est très bien. Très très bien. Les gars, le VET à combien à la fin de Bullrun? Mais je ne peux pas savoir. Comment tu veux que je sache combien avait ce token à la fin de Bullrun? C'est pas possible. Le Bitcoin, je le dis à chaque live, mais le Bitcoin, on sait à peu près, avec les indicateurs long terme, avec les cycles, etc., avec l'historique qu'il a. Le TH, c'est quasi impossible. On peut dire entre 10 et 50 000, mais c'est tellement large. Mais alors les altcoins, mais les altcoins, c'est impossible, je vous promets. Le VET, comment tu veux que je sache à combien il va finir? Pareil pour CHSB, pour EGLD, pour ce que tu veux, c'est impossible à savoir. Les altcoins, c'est impossible. On n'a pas d'indicateur long terme sur les altcoins, on n'a pas d'assez de recul, on n'a pas assez d'historique, c'est juste impossible à savoir. Là, c'est celui qui dit à combien va être un altcoin à la fin de bullrun, c'est rendu. C'est vraiment complètement aléatoire. C'est un chiffre sorti de nulle part. C'est pas possible à savoir. Le premium sur CHSB, ça peut avoir le coup si t'as plus de 100 000 € de capital, je pense. Sinon, en tout, ça vaut pas le coup. Parce que là, actuellement, le premium, il coûte à peu près 50 000 balles, je crois, sur 50 000 euros sur CHSB, sur le sweetboard. Donc, c'est quand même assez cher. Hein. C'est même très cher. Si tu mets la moitié de ton capital, si t'as par exemple 100 000 euros et tu mets la moitié de ton capital pour le premium, je pense pas que ça vaut le coup. Donc, minimum 100 000 euros de capital si tu veux acheter le premium, sinon, ça vaut pas trop le coup. Mais ils vont bientôt sortir un premium plus adapté, je crois, moins cher. Le dot, c'est comme BNB. Je suis assez fan au niveau du court terme. Alors, BNB, non, c'est différent. Mais le dot, je suis pas mal fan, mais au niveau du court terme. Au niveau du moyen long terme, je pense que je le vois mal exploser, tu vois. Je vois bien faire sa petite place, mais pas exploser. Ah oui, la formation, on est en train de travailler dessus à fond, à fond, à fond. On devait les sortir lundi, mais finalement, c'est trop chaud, donc on fera lundi prochain, je pense. À mon avis. Premium, c'est 50 000 CHSB, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, c'est à peu près 50 000 euros. 5 000 ou 50 000? Ouais, c'est 50 000. Non, t'as mis 5 000. C'est 50 000, le premium. CHSB. À moins qu'ils ont changé. Non, non, c'est 50 000. Donc, ça fait 50 000 euros. Donc, c'est quand même pas donné. C'est pas donné. Mais après, ils vont le changer. Vous allez voir, ça va être mieux. Je suis dégoûté. Je pourrais pas avoir ça. Attends. Où est-ce que c'est? C'est ça. Avec l'invité et tout. Parce que on a l'invité de la semaine dernière, donc Anam, rappelez-vous, pour ceux qui étaient là. Sauf que d'habitude c'est Alex qui le change. Sauf que vu qu'il est en vacances, bah, j'arrive pas à le changer parce que moi j'arrive pas à gérer tout ça. Genre, je sais pas comment il fait. Nom de l'invité, ça doit être par ici. Mais j'ai déjà regardé, j'ai pas trouvé. Je sais pas où est-ce que ça peut être. À mon avis, c'est de son côté qu'il peut le changer. Mais bon, c'est pas grave.
On va rester. Oh, merci pour le sub. Deuxième mois en plus. Zarki. Et aussi Oscar pour tes 1000 bits, merci. Ouais, du coup, on va rester là-dessus. Ce sera pas mal. Bon, j'espère que ça a marché. On va essayer de l'appeler. Je suis là, je t'appelle. J'espère que ça a marché. Cette dernière fois, ça ne marchait pas. Ah, attendez. Allô. Tu m'entends? Je t'entends très bien. Ah, nickel. Ça va? Tu m'entends? Attends. Toi? Ouais, nickel, je t'entends super bien. J'ai juste peur que ça coupe parce que la dernière fois, ça a coupé. Avec Anam. Donc là, ça a l'air d'être bon. Si jamais ça marche pas, on passera sur téléphone, tu vois. Je pense. Ouais, pas de problème. Ok, mais pour l'instant, c'est good. Ok, nickel. Dites-nous dans le chat si vous l'entendez bien. Attends, je vais augmenter ton son du bureau. On entend très peu. Ouais. Il est pas là, assez fort. Assez fort, ok. Là, normalement, c'est bon. Ça devrait. Est-ce que bien. Vous m'entendez? Là, je pense qu'il t'a entendu. Ok. Son parfait, oui, là c'est mieux. Parfait, ok, nickel. C'est abusé. Là, normalement, c'est bon. C'est parfait. Ouais, parfait alors. Ok, nickel. Hop. Bon. Comment vas-tu? Très très bien. Bien. Toi, j'imagine nickel. Que ça va bien aussi. Ah oui, malgré cette baisse en ce moment. Oui, ça nous permet de recharger, donc c'est pas plus mal. Ça fait toujours du bien de recharger, c'est toujours cool. Il en faut des. Mais après, tu vois, quand t'as acheté des tokens à 50 centimes et que maintenant ils sont à 10$, c'est chaud, même s'ils ont pris moins 50% de recharger dessus, tu vois. C'est vrai. Ça fait jamais plaisir. Mais c'est vrai que quand tu les as connus au début du bullrun et qu'ils sont très très bas, et après tu les vois aussi haut, ça fait mal au cœur de les acheter aussi fort, mais bon. Ouais, ça fait très très mal. Après, si tu te dis qu'il peut refaire 1x10, c'est pas trop mal. En vrai, là, pour Cake, pour prendre le plus gros, je pense qu'il peut au mieux peut-être faire 1x5 sur le bullrun. Après, c'est ah avec ouais, mon avis. Je pense hein. Plus même. Mais genre, je sais pas. Parce qu'en fait, Cake, il a un petit problème qu'il hérite de SushiSwap. C'est que dans son code, ils ont laissé le truc qui permet de retirer tous les fonds d'un coup. Ah ouais? Sur un smart contract. Ouais. Ils ont laissé cette ligne de code. J'ai pas entendu. Les fonds de quoi? Quels fonds? Par exemple, quand il y a du staking. Tous les gens qui déposent des cakes pour gagner une nouvelle crypto, je sais pas si t'as été voir sur PancakeSwap. Ouais. Et ben sur ces smart contracts, il y a toujours le code qui permet aux développeurs de tout retirer, de tout mettre sur une adresse et en 6 heures, pouf, il n'y a plus rien. D'accord. Et donc, ce mécanisme ça s'appelle Rug Pull. Je sais pas si je le dis bien. Putain, mais je connais même pas ça. Et c'est le seul truc qui me chagrine en fait sur PancakeSwap, c'est qu'ils ont. Je sais pas pourquoi ils ont gardé cette. Alors je pense pas qu'ils vont le faire hein, parce que c'est quand même une des premières plateformes de la Binance Smart Chain et une des plus grosses, mais ça fait un peu peur qu'ils puissent retirer tous les fonds qu'il y a de déposés sur la plateforme, sachant qu'il y a plus d'1 milliard. Ça c'est énorme, mais t'imagines s'ils font un exit scam de 1 milliard avec PancakeSwap, mais là c'est la fin. C'est la fin des cryptos, c'est pas possible. Ça fait un dégox. Mais d'un côté aussi, c'est que c'est chaud de rentrer dans des nouveaux projets parce que il y a plein de. C'est forqué par plein de gens. Forquer, ça veut dire reprendre le code et... Ouais, bien sûr. Et c'est comme les taco swap, les taco swap et tout ça. Ouais, en fait, et ils coup, reprennent l'équivalent de la c'est plateforme. C'est facile de faire un exit scam à cause de ça. Ouais, c'est vrai. Et du coup, j'ai déjà mis des billes sur un projet comme ça. Ah ouais sur des projets forts. Il y avait un projet... Bah, te rappelles pour la DeFi, il y avait des projets... Ah ouais. Il y a des trucs qui explosaient. Ça s'appelait Minter. Sauf que les développeurs ils étaient mal intentionnés, mais j'ai eu de la chance, j'ai réussi à niquer tout le monde. Le matin, j'avais acheté pour 5$, vraiment que dalle, parce que quand je découvre un truc, je mets des toutes petites sommes et j'en prends un petit peu. Et le soir, j'avais fait x10, je me suis dit, ok, c'est bon, je vends tout. Je me suis pas renseigné sur le projet et tout. Et le lendemain, les développeurs ils ont fait exactement ce que je viens de dire. Rugpull, ils ont viré tous les sous des smart contracts. Non, exit scam. Ouais, et moi, d'attendant, j'ai fait x10. Voilà, orage. Oh, mais tu sais que ça, c'est chaud, parce que les mecs, ils peuvent créer un truc en 2 secondes, récupérer des millions sur la plateforme, et ensuite tout partir avec. Ça, c'est fou. Et ça, il y en a au moins un par semaine de projets comme ça. Ouais, il y a tellement de gens qui se font marcher facilement sur BCScan. Mais c'est du vol, quoi. Ouais, c'est du vol, clairement. Ça, c'est fou. Bon. Putain, c'est hyper intéressant ce que tu me dis. Mais juste avant, je vais te poser quelques questions pour que les gens ils sachent rapidement
qui tu es. Parce que même moi, au final, j'ai même pas eu le temps de t'appeler ou quoi avant, parce que j'étais pas le chargé aujourd'hui. Mais au moins, tu vas pas nous dire rapidement. Alors, du coup, au niveau de ton âge, quel âge as-tu déjà? J'ai 20 ans On a et pile le même toutes mes âge. dents. Parfait. Donc, t'es un 2000, du coup. Exactement. T'es un 2000, ok. Novembre. Cool. Novembre, ok. Alors, au niveau, du coup, de ta situation, t'es quoi? T'es étudiant, par exemple? Ouais, je suis étudiant, mais avec des gros guillemets, parce que c'est un peu comme toi, tu vois, Ouais. je me suis lancé dans les cryptos depuis quelques mois, et ça D'accord. marche tellement bien. Après, je sais qu'il y a le contexte du Après, on est en bullrun et bullrun, tout. tu vois. Ouais. Ouais, je sais très bien. Mais ça marche tellement bien pour moi pour l'instant que là, cette année, je suis parti sur un truc qui me plaît pas et tout, donc C'est j'ai vrai. vraiment mis mon année de côté, quoi. Ouais, je pense que tu fais bien, parce que tu vois, c'est mieux de passer, je pense. Et si tu vois, tu trouves un truc qui te plaît pas au niveau des études, et bah, il vaut mieux Ouais. mettre ton temps, tu vois, pour l'instant, sur par exemple toute cette année, sur le Bitcoin, tu vois, moi, t'apprends énormément sur la crypto et tout, et puis arriver à la fin de l'année, tu vois, tu reprends des études qui te plaisent. Tu vois, c'est Ouais. ce que fait par exemple le monteur Alex. Je pense que c'est un truc à faire, ça. Il fait ça, tu vois. Genre, il est à la fac et ça lui plaît pas. Du coup, tu vois, il est parti de la fac et au lieu d'y être à moitié, et bah, tu vois, il est complètement parti. Et maintenant, il est focus sur la chaîne. Et tu vois, si tu vois, l'année prochaine, tu vois, il prendra son BTS. Et en vrai, ça c'est pas mal. Parce qu'en Ouais. vrai, faire des études qui te plaît pas, c'est vraiment la pire chose, hein, je pense. Tellement. Mais après, j'ai de la chance parce que j'ai quand même déjà un BTS malgré ça. Ah ouais? Donc, T'as au fait quoi pire, comme j'ai quand étude? même ouais, un BTS dans l'audiovisuel montage. D'accord. Pendant 2 ans, du coup. Ouais, pendant 2 ans exactement. Après, Et du j'ai eu de la chance. Le confinement m'a beaucoup aidé pour l'obtenir. coup. Ah, tu On va m'étonnes. pas se mentir. Tout a été annulé au dernier moment. Du coup, il y a que la moyenne qui a compté. Boum. Et je suis sûr Oh. qu'il y a plein de gens. Si, je sais pas s'il y en a dans le chat, mais je suis sûr qu'il y a plein de gens qui étaient dans leurs études et que le confinement a aidé parce que ça a annulé plein de trucs. Ah oui, mais c'est sûr. Après, ça aurait été quand même mieux de pas avoir de confinement, mais c'est vrai Ouais, que c'est ça a dû sûr. aider au Mais niveau des d'un côté, il y a quand même eu des bons Ouais. points. Mais tu sais que moi Enfin, je pour suis moi. dégoûté parce que je suis rentré en BTS il y a 3 ans du coup, et sauf que j'ai Ouais. redoublé ma première année. Et du coup, Ah si merde. j'avais pas redoublé ma première année, bah, j'aurais eu mon BTS. Ouais, Tu sais, avec le Covid. exactement. Et du coup, Ouais. normalement, bah, le BTS, j'aurais dû le passer cette année, mais vu que j'ai arrêté il y a 3 mois, bah, au final, je vais même pas le passer. Mais bon, c'est la C'est vie. con ça. C'était un Ouais. BTS de quoi, si c'est C'était pas trop indiscret? Syrah. Alors, rien à Ok. voir. Un truc qui me plaisait, mais pas du tout. Vraiment, je ne me suis jamais intéressé à ça. Je faisais plus ce bordel que suivre les cours. Et au final, heureusement que j'ai trouvé les cryptos à côté. Et c'est vrai que les Important études, en vrai, d'avoir un c'est plan de secours. ça. Les études, c'est pas fait pour tout le monde. Et c'est compliqué, ouais. C'est compliqué. Surtout en France, t'es en France, toi. Ouais, je suis en France. C'est vrai qu'on a un Picardie. système. Un Picardie. J'arrive même pas à situer sur la map Picardie. C'est tout C'est de en quel haut. Enfin, côté? maintenant, c'est Hauts-de-France, mais pour moi, ce sera toujours Picardie dans mon cœur. Hein. D'accord, tu dois te cahier un peu là-haut, non? C'est côté gauche ou droite de Non, la en map? vrai, ça va. Je suis trop nul en géographique. En En géographie. haut, genre nord, le Ok, nord. vers Strasbourg. Non, Strasbourg c'est à droite. Moi je suis Ah, en haut. d'accord. Carrément au-dessus de Paris, quoi. Voilà, exactement. Ok. Amiens, exactement. Il y a quelqu'un qui a dit Amiens dans le Amiens. chat. Très très bien. Très très bien. Ah oui, je suis éclaté. Ok. Bah, intéressant, intéressant. C'est vrai que c'est hallucinant parce que j'ai l'impression de voir plein de jeunes de notre âge, tu vois, de 20, 21 ans, et qui sont tous, à cause du corona, tu vois, qui se plaient pas dans leurs études et qui trouvent des trucs à côté, et qui font, du coup, enfin, qui misent plus sur les projets à côté, en dehors de l'école, que sur l'école. Et Ouais, je pense mais qu'il y ça a un gros normal, hein, je décrochage aussi pense. avec le confinement au niveau scolaire. Ouais. C'est vrai que ça, Bah c'est moi, quand enfin, même toi aussi, chaud. t'as encore suivi des cours cette année, je sais pas si t'en as eu à distance, mais c'est. Ouais. Bah, l'année dernière, j'en ai eu à Ouais. distance, mais j'y allais même pas. Je faisais rien du tout. C'est Moi non impossible à plus, hein. suivre. Parce que t'as tellement de trucs à côté pour te distraire que c'est impossible de suivre. Exactement, tu finis toujours par faire autre chose. C'est ça, c'est ça. Et au final, tu peux Du décrocher coup, hyper j'ai facilement. beaucoup de respect pour ceux qui arrivent à suivre Ah les ouais. cours en distanciel. Hein. Et y en a, ils sont chauds. Ils C'est sont forts. incroyable. Ouais, franchement, Hein. bravo. Faut avoir le moral. Ah, surtout. Du coup, on va passer rapidement sur les cryptos. Depuis quand, toi, Les tu connais les cryptos. cryptos? Parce que tu m'as dit que ça faisait à peu près 1 mois, 2 mois, tu m'as dit à peu près. Mais c'est Un peu nouveau ou plus pas? même. Plus? Alors, ça fait en vrai, ça fait longtemps que je connais les cryptos. Ouais. Je crois que j'en ai acheté fin 2019 sur Skrill. Je sais pas si tu connais, si les gens ouais, connaissent ouais, Skrill. ouais. Skrill, c'est une banque? Non? Ouais. Sauf qu'à l'époque, enfin, c'est un peu comme PayPal, on va dire. D'accord.
Et il y avait quelques cryptos dessus. Sauf qu'à l'époque, on pouvait pas déposer et retirer des cryptos. C'était un peu galère. On pouvait D'accord. juste les acheter et les revendre et les convertir contre des euros. Du coup, j'avais acheté, je sais plus, je crois que j'avais acheté de l'Ethereum classique. J'ai acheté pile au bon moment. J'ai réussi à faire un truc comme x3 avec. Oh, l'Ethereum classique? Qu'est-ce qui est allé acheter ça? J'ai un. Ah non, ça bug. Attends. Tu m'entends? Mais sinon, j'avais commencé vite Ah fait mince, ça a bugué, ça a fin bugué. 2019, début 2020. Ah, ça a bugué? Ça a bugué à Ouais, t'as partir pas d'où? entendu. À partir de quand je t'ai dit pourquoi t'as acheté l'Ethereum classique? Ah, pourquoi j'ai acheté l'Ethereum classique? Bah, je sais pas. En fait, je trouvais l'Ethereum cher. Ah Du oui, du coup coup, de j'ai passer sur acheté l'Ethereum l'Ethereum classique. classique. Ouais, c'est Après, j'ai vrai. eu de la chance. Pourquoi? T'as fait Mais un bon truc? je sais pas, alors, je sais plus du tout quand est-ce que je l'ai acheté, mais je me souviens que d'un coup, il était passé de genre Ah 5 dollars à oui. 15 dollars. M'en 18 dollars souviens. même, je crois. Ouais. Il avait pump d'un coup. Ouais, il a pas d'un coup, mais je suivais pas du tout le cours des cryptos. Du coup, j'avais un peu investi, mais c'était histoire de. D'accord. Ah non, ça bug encore. Les Ça. crypto-monnaies, et à partir de septembre, j'ai commencé à revenir sur le truc, à m'inscrire sur Ouais. Binance et tout, à regarder plein Ouais. de vidéos, de tes vidéos entre autres, bien sûr, et à me documenter sur plein de projets qu'il y avait. Et un des premiers trucs que j'ai trouvé, c'était c'est sur la DeFi, c'était des. Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un projet sur la blockchain Ethereum. Et j'ai voulu investir. Ah, je sais pourquoi ça bug. Oui. Et en. Ah, attends, ça a bugué. 2 secondes. En fait, je sais pas pourquoi ça bug. C'est parce que je suis sur ma 4G. Faut que je me mette sur un outil. Ok, désolé, ça vient de mon côté. Hop, c'est bon. Ah, attends, reprends où t'en étais par rapport à. Tu nous as dit t'étais allé sur la DeFi au niveau d'Ethereum. C'est ça? Tu m'entends? Les gars, je vais péter un câble. Putain, mais cette wifi, qu'est-ce qu'elle fout? Non, mais c'est un truc de fou, regardez ça. Pourquoi elle se met sur un 4G box? C'est un truc de dingue. C'est la première fois que ça arrive. Casse-toi de la 4G box. C'est pas possible. Ah, je vais péter un câble. Ah, ça me saoule. Pourquoi j'ai pas la fibre? Regardez ça. Elle veut pas se connecter à la wifi. C'est un truc de fou. Regardez, pas d'internet sécurisé. Je crois qu'il va falloir que. Il y a tout le monde chez moi qui doit être connecté. Bah, la connexion automatique, mais je peux pas l'enlever en fait, tu veux. Parce que. Non, je peux pas l'enlever. Je peux le mettre sur la Wi-Fi. Ah, c'est bon. Là, je suis sur la Wi-Fi. Ok, faut juste pas que ça s'enlève. Allô? Ah, Ouais, bon. désolé. En fait, tu veux, je stream avec ma 4G box et la Wi-Fi. Et du coup. Quand ça se met sur la 4G box, ça bug. Mais du coup, c'est bon là, j'ai réglé. Normalement, ça D'accord. devrait marcher. Nickel. Ok, désolé du coup de t'avoir coupé. Aucun problème. Je sais plus du tout où j'en étais, Oui, par je crois que tu nous contre. parlais, t'étais allé sur au niveau de la DeFi, au niveau d'Ethereum, au niveau de cet été. Ouais. Je me renseignais un peu sur les projets qu'il y avait sur la DeFi. Je trouvais ça hyper intéressant. C'était surtout par rapport aux intérêts de folie qu'on pouvait faire dessus. Ouais. Mais le premier truc qui me freinait, c'était les frais d'Ethereum, quoi. Ils étaient déjà chers en C'est ça, novembre. c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, j'ai cherché un peu des alternatives. Alors, tout de suite, quand je dis j'ai cherché, c'était pas je me suis mis à fond et tout. Ouais. J'ai vite fait taper sur Internet et j'ai vu que Binance, ils avaient lancé leur Mais Binance Smart c'était Chain, quelle par date exemple. ça? À peu près. Ça, fin novembre. Fin novembre, d'accord. Ah oui, c'était quand même assez tôt. Fin novembre. Ouais, assez Ouais. tôt. La Binance Smart Chain a été lancée en septembre, je crois. Enfin, au Ouais. début, Ah il y avait ouais, genre d'accord. Il y avait quasiment Burger. rien. Non, pas Burger Swap. Il y avait Bakeswap au tout début, c'était le premier truc. D'accord. Il y a eu Burger Swap. Il y a Mais du quasiment coup, rien à faire sur tu l'as Burger pas Swap, ça connu, toi, existe encore. la DeFi du côté d'Ethereum, Uniswap, tout ça, au niveau de été 2020, tu l'as connu? Non. D'accord. Enfin, je l'ai connu, mais de loin, quoi. Ouais, J'avais c'est vu ça. quelques vidéos parce que je m'intéressais un peu aux crypto, mais pas utiliser Uniswap ou quoi. D'accord. Ok. Donc t'es direct tombé dans la Binance Smart Chain, en fait. Ouais, j'ai pas pris la case Ethereum, je suis passé directement par la case D'accord. Binance Smart Binance Chain. Smart Chain. Intéressant. Et du coup, bah j'ai acheté du BNB. J'ai dû en acheter une trentaine carrément. Ah ouais, mais attends, il était bas à cette époque. Ouais, je crois qu'en moyenne, je l'ai acheté vers 30 dollars.
Ah ouais, t'as fait un super bon call juste avant que ça pète. Exactement. Incroyable. Vendu là quand il était dans les 300 $ quoi, juste pour rembourser bah, tout ce que j'ai investi dedans. Ah, t'as bien fait. Et exactement, et maintenant je garde tout jusque fin 2021. Ouais, On jusqu'à fin verra où ça 2020. nous mène. Ouais. Ah, t'as très bien fait. Ouais, 30 BNB, en vrai, t'as géré. Parce que c'est vrai que maintenant, à 300 $, ça met bien. Ouais. C'est vrai que c'est cool. Ouais, surtout que depuis j'ai regagné des BNB, j'en parlerai sûrement après Ah oui, comment j'en ai parce que gagné. t'as mis sur les altcoins. Ouais, t'as géré. Et Mais du coup, dès novembre, t'étais déjà sur la Binance Smart Chain. Incroyable. fin novembre, ouais, je crois que j'avais commencé à acheter du cake. Ah Je ouais! j'ai plus la date exacte, mais Qui était. je peux te dire, le pire truc que j'ai fait, c'est que j'ai acheté du bake à 1 centime et je l'ai revendu à 2 centimes. Et je crois aujourd'hui j'ai passé les 2,50 $. Et ça m'a foutu Non! la peine. Il l'a Parce que passé j'avais tout revendu à 2 $2,50! centimes. Il avait fait 100 %. Mais tu sais que t'aurais pu faire. Et j'aurais pu faire T'aurais pu faire un fois tellement. Mais il y a. 250! Mais oui! Et j'avais mis genre 100 $. Moi j'avais 200 $, j'étais trop content. Je me suis dit, ouais! J'aurais pu avoir 25 000! Putain, incroyable. Mais c'est pas grave, j'en ai fait d'autres, des erreurs. C'est vrai que Enfin, ça rend je fou. dis erreur, mais au final, je suis quand même gagnant, donc c'est pas un problème. Ouais, oui, c'est sûr. Mais ça, de toute façon, c'est obligé de le faire. Vous allez voir, pareil dans le chat, il y a forcément entre des personnes dans le chat qui ont acheté des tokens très bas et au final, tu vois, qui les ont pas gardés. C'est pareil, Ouais. moi j'avais acheté du Link en dessous de 2 $, tu vois. Et aujourd'hui, il a. Ouais. Tu vois, c'est pas un fois 250, mais Ouais, aujourd'hui, tu il vois, a il est passé les monté à 30 $ à 30 $ un quand même. moment. Donc c'est quand même pas mal. Et au final, tu vois, genre, bah, je l'ai gardé quand même pour long terme, mais j'en ai pas mis beaucoup. Et je sais qu'il y a plein de gens Ouais. aussi comme ça qui ont acheté, par exemple, le nombre de personnes qui ont acheté du Bitcoin en dessous de 100 $ et qui ont revendu, tu vois, quand il était à 200, 300 $, tu vois. Et ça fout les boules. Ça, t'es dégoûté, par contre. Et ça, c'est le genre Mais. de truc qu'on fait quand on n'a pas vécu de bull run et tout. C'est ça, c'est T'as ça. investi sur des trucs et dès que tu vois que ça prend 100 % ou quoi, Tu revends tu te dis direct. ça a tellement Ouais. augmenté que tu revends. Ouais. Mais du coup, je commence à moins faire ça maintenant. Je Ouais, commence bah ça, c'est bien. à pas revendre tous mes tokens quand Ouais. j'investis sur des trucs. Ça, c'est très bien. Je me rembourse au moins. Des Parce que fois, je prends un c'est peu ça. d'intérêt. C'est bien de Après, prendre je des garde. profits, mais c'est bien aussi de savoir garder pour essayer de surfer une grande vague de haute. Ouais. Ça, c'est très important. Parce que du coup, Et. le cake, ça, pour le coup, je l'ai gardé. Et j'ai bien fait. Attends, mais Cake, t'es rentré quand? T'es rentré novembre ou décembre? Alors, cake, je sais. Je crois que je suis rentré fin décembre, pour le coup. Ah ouais, mais t'es mis ultra bien. Parce Et que. en moyenne, je l'ai. Attends, j'ai un tableur et tout où je note tous 4000%! mes mouvements, je suis un fou. Ouais, t'as Et bien je peux fait, te mais c'est dire ce en qu'il faut moyenne à faire. combien je l'ai acheté. 4000%, c'est Attends. x Je l'ai 40. acheté à 47 centimes, mon cake. Incroyable! Ah ouais, tu l'as vraiment acheté bas, quoi. Incroyable, ouais, t'as fait un Ouais. 4000%, quoi, et Mais tu les as encore. en plus, au moment où je l'ai acheté, il avait bien pump parce qu'il était descendu genre dans les 20 centimes et il a pump d'un coup D'accord. quand je l'ai acheté. T'as géré. Du coup, je me suis dit, bon, je prends, mais je suis quand même pas sûr. Sur le moment, j'étais Ouais. vraiment pas sûr. Et surtout que Parce que c'était tu très vois peu un truc connu, qui hein. fait. Je crois Comment? même. C'était très peu connu, hein. J'en avais pas du tout entendu parler. Moi, j'ai Non, entendu c'était parler très vers peu connu. janvier. Mais décembre, j'avoue Je qu'il n'y a crois pas qu'il y tout le monde avait qui sait. que genre un truc comme 10 millions de valeurs bloquées sur D'accord. Ah oui, c'est GameStop rien du quand j'ai tout. commencé. C'est rien du Ouais, tout. peut-être un peu plus quand même, mais Et il y avait vraiment pas beaucoup. Il y avait pourquoi même t'en pas avais 100 millions, acheté? ça j'en suis sûr. Pourquoi t'étais rentré sur Cake? Bah en fait, quand tu vas sur Trust Wallet, tu as une partie qui s'appelle Binance Smart Chain. Et Ouais. dedans, t'as PancakeSwap. D'accord. Du coup, ben, je l'ai découvert comme ça. Et j'ai navigué dedans et j'ai tout de suite compris l'intérêt en fait de cette plateforme. Enfin, j'ai tout de D'accord. suite vu aussi que fait le rapprochement avec Uniswap, évidemment. Ouais, bien sûr. Entre PancakeSwap et Uniswap. C'est vrai que c'est à peu près les mêmes, sauf Comme que. 300 $. Ah mince, ça a coupé. C'est vrai que c'est PancakeSwap et Uniswap, c'est les mêmes plateformes pratiquement. C'est juste que les deux sont sur Ouais. deux blockchains différentes. Exactement. Après, PancakeSwap, c'est un fork de SushiSwap. Pour être technique. Ah, c'est un fork de SushiSwap? Ouais. Et d'ailleurs, Ah! c'est de là qu'il vient le code pour pouvoir retirer les fonds. Ah, d'accord! Ah oui, je De comprends base, il mieux. était dans SushiSwap. Mais du coup, SushiSwap, ils peuvent aussi retirer les fonds de leur Alors, je sais côté. pas si depuis leur code, il a évolué, hein. Ça, je me suis D'accord. pas renseigné. Ok. Et. Ah oui. Et comment ça se fait qu'ils n'ont pas pris le code de Uniswap? Parce que tu vois, Uniswap, ça aurait été peut-être mieux que SushiSwap. Je Alors, sais tu vois. pas. Parce Peut-être que. qu'à ce moment-là, SushiSwap, ils venaient d'arriver, ils se sont dit ah, ça apporte un truc en plus. Je sais Ouais, pas.
Ouais, entre SushiSwap et Uniswap, je sais pas si vous avez un avis là-dessus dans le chat, mais moi personnellement, je vois pas trop de différence entre SushiSwap et Uniswap. Pareil. SushiSwap doit peut-être apporter un truc en plus. Il va y avoir une Sûrement. carte bleue. Mais ouais, mais c'est vrai que QuickSwap, il a pris énormément de valeur là. Toi, tu penses personnellement que ça va continuer à prendre de l'engouement là, Binance Smart Chain, ou genre ça va à peu près s'éteindre si tu vois, il y a ETH En qui fait, reprend un j'ai peu de la valeur plusieurs avec quoi. scénarios possibles. Ouais. Alors, le scénario que je privilégie un peu, c'est que là, tout l'engouement qui est autour de la Binance Smart Chain se baisse un peu, que PancakeSwap, tout ça, tous ces projets baissent, voire stabilisent pendant Ah, peut-être comme ils le un font, mois ou quoi. deux, ouais, Totalement. Il et a pris qu'à moins qu'ensuite il y ait une genre, 60%. seconde vague de hausse. Ouais. Mais Oui. à mon avis, ça ira pas plus loin. Ah ouais, tu penses? Au long terme, tu penses que Ouais. c'est pas Binance Smart Chain, c'est. Enfin, petit à petit, elle va diminuer par rapport à, par exemple, à ETH. Moi, je pense clairement que fin 2021, faudra repasser sur peut-être Ethereum ou Moi, je sur pense d'autres pareil. blockchains. À mon avis, je pense que tu vois, genre Après, il y a Binance Smart aussi. Chain, c'est très bien le temps que Ethereum ait des frais moins chers, tout ça, tu vois. Exactement. Ça fait un peu un truc de remplacement. Exactement. Bah, Ouais. moi, par exemple, c'est pour ça que je suis rentré dessus. Hein. Ouais, c'est ça. Bah, c'est bien pour le court terme, quoi. C'est vrai que tu peux faire Ouais. de bons gains, de bonnes découvertes. T'as trouvé des bons tokens comme ça, parce que c'est vrai que moi, au niveau des projets, je connais CakeSwap, Vénus, AutoFarm, et après, AutoFarm, ouais. j'en connais pas trop d'autres, tu vois. Je me suis pas si Il renseigné y que en a ça. un qui est excellent, c'est Pancake Bunny. J'ai vu Bunny passer dans le chat, c'est excellent. Par contre, il a corrigé salement, il est passé de genre 200$ à 50$. Je dis pas que c'est un point pour rentrer, mais il a corrigé salement. Il Mais il faut s'appelle savoir comment? un truc, Bunny. Alors, tu peux le trouver sur CoinGecko Ah oui, j'ai Pancake Bunny. ou D'accord. Et ça, c'est CoinMarketCap aussi. pourquoi? C'est comme PancakeSwap un peu, non? Ah oui, il l'a Non, pas bien du tout. corrigé. En fait, c'est un agrégateur de yield. C'est-à-dire que tu déposes des cryptos dessus et ça t'optimise tes intérêts, en Ah gros. ouais, et c'est un petit token parce que je vois qu'il est au classement, il est 2500. C'est parce qu'il n'y a pas de market cap. Il Ah oui, c'est n'y a vrai. pas les renseignements sur la market cap. C'est D'accord. pour Ah ça oui, c'est qu'il est vrai. aussi bas. Mais à mon avis, Mais là, en c'est fait, quand même un petit token, lui. Il y a un moyen, un fort potentiel de hausse, mais après, il est plus risqué. ce token, il a deux problèmes. Le premier, c'est que pour l'instant, le supply, il est illimité. C'est-à-dire qu'on pourra en avoir un nombre illimité au fil du temps, comme la plupart des tokens de la Binance Smart Chain. Ouais. Parce qu'à chaque bloc, on en ajoute tant. Alors, Oui. ils ont dit qu'ils changeraient peut-être ça. C'est D'accord. vraiment écrit comme ça dans leur documentation. D'accord, dans l'autre paper. Et l'autre problème aussi, c'est que, en gros, selon la manière dont ça marche pour les récompenses, un bunny, c'est censé valoir un dixième de BNB. Et du coup, un dixième de BNB, ça vaut genre 22$ et pas 50$. Oui. Du coup, à mon avis, c'est pour ça qu'il a corrigé beaucoup Pancake Bunny. C'est parce qu'il était monté à presque. Bah, un BNB, ça valait presque un bunny, quoi. D'accord. Du Ouais, coup, il y valait a un moment, 124 ça dollars. allait pas trop. Ouais. Et à un moment, il valait 200$. Wow. Et t'es rentré toi là-dessus? Mais bien sûr, je suis rentré à 5$. Non, t'es rentré à 5 dollars? Ah oui, mais t'es rentré au début quoi. C'est pas une blague. En février, ah Ouais, ouais, j'ai début rentré à février. 5$, j'en ai acheté 80. Comment tu les Et trouves voilà. ces tokens? Comment? Comment tu les trouves ces tokens? Comment t'arrives à Alors, il y a trouver ce plein de genre de tokens? façons de trouver des nouveaux tokens. Déjà, il y a BSC Scan, c'est comme Etherscan, c'est pour. Enfin, c'est Oui. un explorateur de blockchain. Ça, je connais. Et dessus, tu as une section qui s'appelle. C'est dans Ressources, tu as un truc qui s'appelle Yield Farm List. Donc, en gros, c'est des plateformes DeFi pour avoir des intérêts sur tes cryptos. Et Alors, dedans, ben, je crois que c'est dedans que j'ai trouvé Pancake Bunny. Hein. Et ça bug BSC un Scan, tu peu. m'as dit? BSC Scan, ouais. Ouais, je l'ai. Mais BSC ça, c'est pour Scan. mettre des adresses. J'ai déjà utilisé, mais pour mettre des Tu adresses, peux. tu peux Il y aussi a trouver des plein de tokens. choses que tu peux faire dessus, en vrai. D'accord. Il y a Ah, c'est plein de choses que intéressant. tu peux faire. C'est pas des tokens, en fait, c'est les plateformes que tu trouves. Et après, tu peux acheter les tokens Ah, sur la d'accord. plateforme. Et tu t'as dit quoi d'autre Enfin, après? ça dépend. Pour le bunny, c'est un peu chiant. Ouais. J'ai dit deux trucs en même temps, du coup, je me souviens plus. Je me Alors souviens là, plus du attends, tout. je viens de voir sur ton live, va dans ressources en haut. Alors, attends, où Et t'as un c'est? truc qui s'appelle Yield Farm List. Ok. C'est juste à côté ressources. Ouais.
j'y suis. Et du coup. Ah, t'as différents tokens pour faire du yield farming. Attends, il y a décalage sur ton live, du coup je sais pas Ah si t'as oui, été c'est dans le ça. bon truc. Il y a un Je pense décalage. que oui. Ouais. Il y a un décalage Mais oui, d'une dizaine t'as de différentes secondes. plateformes. Et sur le côté, t'as même des informations si elles ont été hackées ou s'il y a eu des problèmes dessus. Si tu descends un peu, je crois qu'il y en a récemment, ou alors sur la deuxième page, il y a Ouais, écrit genre attends, je fais une rug page. pull, c'est un exit scam, Ah c'est-à-dire que les développeurs, ouais! ils ont pris tous les sous. Incroyable! Attends, je vois qu'il y a market cap, donc le market cap, ok, de la plateforme. Il y a le prix. Et Ouais. à côté, à tout à droite, il y a DYOR, c'est quoi ça? Ça veut dire do your own research, faites vos propres recherches. Haha, je suis mort! Ils ont vraiment mis ça? Et. Ouais, un terme hyper utilisé dans Binance Smart Chain. Et ça veut dire quoi alors du coup quand par exemple il y a RegPol, ça veut dire c'est quoi déjà? C'est qu'ils ont fait C'est un exit scam, c'est est-ce qu'ils qu'ils ont vidé les pools non avec le code dont je t'ai parlé. Et ça arrive, incroyable. je t'ai dit, ça arrive assez souvent. Putain, c'est incroyable. Et c'est quoi Drained? Ça dépend, mais en général, c'est qu'ils sont fait hacker. D'accord. Et Là, ça je sais pas arrive sur quand même lequel tu vois Drained. Ah, sur Ice Cream Swap. Ouais, Ice Cream Swap, ouais. ils se sont fait hacker. J'avais investi dessus, j'ai tout perdu. Enfin, j'avais pas mis Non. beaucoup. Mais Après, en forcément, gros, dans le lot, ouais. j'avais mis genre 200 $ dessus. Et ils ont eu un problème. Je sais plus exactement comment c'est arrivé, mais en gros, il y a quelqu'un qui a pu changer le nombre, la récompense à chaque bloc. Normalement, ça devait être un ou deux ice cream. Et la personne, elle a mis un nombre hyper élevé. Du coup, ben, évidemment, le token, il valait plus rien. Ah oui, d'accord. Et En fait, tu peux avoir il des a réussi problèmes. aussi à vider une poule, je crois. Ouais, tu peux avoir des Où il y problèmes de avait du BNB. protocole, en fait. C'est pas forcément Ouais, que voilà. que ceux qui ont créé le truc. En fait, déjà, ce qu'il faut vous dire, c'est que quand vous investissez là-dessus, c'est que C'est tu très peux risqué. avoir un problème, ça. Tu peux avoir un problème de protocole, mais tu peux aussi avoir un problème au niveau des créateurs qui partent avec la caisse. Aussi. Et ça, c'est plus. Par contre, ça arrive plus souvent que les gens partent avec la caisse qu'un projet se fasse hacker. Ah ouais, d'accord. Enfin, en tout cas, moi, ça m'est arrivé plus souvent. D'accord. Mais j'ai deux projets sur lesquels j'ai investi et qui se sont fait hacker. L'autre, c'est Panda Yield. Pandaïde, attends, je vais aller si je l'ai. T'étais passé devant, je crois que c'était sur la page 3 ou Deux. 2. Vais voir. C'est vrai qu'il y en a quand même. Alors, il n'y en a pas tant que ça, tu vois. Genre, c'est pas la majorité, mais il y en a quand même pas mal, hein. Après, il y en a qui sont pas répertoriés parce que c'est hyper dur pour les trouver avant qu'ils soient répertoriés sur des Ah trucs oui, comme d'accord. ça. D'accord. Ouais, c'est vrai. Mais là, quand même, t'as quand même tous les principaux, là. Il y en a quand même pas mal, je trouve. Ouais, il y en a pas mal. Il y a tous les plus gros, évidemment, qui sont Ouais, tous les plus répertoriés. gros. Parce que c'est vrai que s'il y en a un par semaine qui est listé. Bon, je dis Panda, ça comme t'as ça, c'est dit? une moyenne, mais il y en a souvent. Panda Yield. Ah bah, il est là. Je le vois. Avec le Ah merde, token du coup, je t'ai dû BDOO. passer, vu qu'il y a un temps de décalage. Sinon, tu peux le chercher. Je crois qu'en haut, il y a un truc pour chercher. Je suis pas sûr. Si, ah oui, bien vu. Panda Yield, ouais, bien vu. Ah, ils disent Alors, pas qu'il s'est eux, fait ils hacker, se sont lui. fait hacker aussi. D'accord. Mais ces développeurs-là, ils ont bien fait leur truc. C'est-à-dire que dès qu'ils ont vu qu'il y avait un problème, ils ont coupé les pools et tout. Ils ont réussi à pas perdre les liquidités qu'il y avait dedans. Par contre, les gens, ils ont sorti, enfin, ils sont partis de la plateforme parce que ça craint un peu quand D'accord. il se passe des trucs comme ça. Ouais, c'est sûr. Ils ont perdu leur réputation, Et je pense. un peu, du coup, ils ont lancé une V2. Et quand ils ont lancé la V2, ils ont fait un airdrop. Donc, par rapport à leur ancien token, si tu avais 10 anciens tokens, ça te donnait 10 nouveaux tokens. D'accord. Et ce qui est cool, c'est que là, à l'heure actuelle, il est à peu près au prix de l'ancien token. Mais à un moment, il était à 20 $. C'était 3 fois le prix de l'ancien token. Ouais. Au final, Du c'est pas coup, mal. malgré qu'ils aient été hackés, moi, j'ai pu faire des intérêts dessus. D'accord. Et beaucoup Ah, de c'est gens en bien avion pour ça. faire des intérêts dessus. Et c'est pas une mauvaise plateforme. Sincèrement, elle est Mais pas mal. j'ai l'impression que c'est exactement la même que PancakeSwap. Ou que Ah bah c'est un AutoFarm. fork. Ouais, c'est un C'est un fork, c'est fork. ça. En fait, à chaque fois, c'est des forks des plateformes les plus Et connues, ça, quoi. t'en as plein. Tu m'étonnes. Mais ça, en vrai, n'importe qui peut le faire. C'est assez simple de faire un fork et après, tu sors ta plateforme. Alors sincèrement, j'en sais rien, j'ai jamais été du côté Ouais. développeur. Je pense que. Je pense que c'est pas non plus Pardon. hyper dur, tu Si tu t'y connais un peu, si tu sais ce que tu fais, ouais, vois. je pense que ça doit pas être si dur. Parce qu'il y en a, il y en a, il y en a tous les jours. C'est pas une blague en ce moment, il y en a tous les jours C'est des plateformes incroyable. comme ça.
Mais je peux te dire que. Mais Panda Yield, pour le coup, ça s'est bien passé. Ouais, c'est bien passé. Et. Ah, mais ça, c'est impressionnant. Faites gaffe, les gars, au niveau de toutes ces plateformes, parce qu'il y en a plein. Enfin, t'as peut-être une chance sur 10, c'est pas énorme, mais il y a toujours une chance, une possibilité que ça ferme, quoi. Et je vais vite fait Et. vous expliquer après, j'espère que je vais pas oublier, pourquoi faut pas investir beaucoup sur des plateformes qui sont récentes. Il y a Pourquoi? un truc à savoir là-dessus. Tu veux que je le dise maintenant? Vas-y, chouchou. Alors, en fait, c'est par rapport au système de récompense par bloc. À chaque bloc qui est ajouté, donc il y en a un toutes les 3 secondes sur la Binance Smart Chain, sur ces projets-là, va y avoir 1, 2, 4, 6 tokens créés. Ouais. Sauf que le problème, c'est quand le projet il est très récent, bah ça veut dire que tous les jours, tu ajoutes 30 000 tokens. Mais si tu commences avec 100 000 tokens, ça veut dire que le lendemain, tu as 30% en plus de tokens. Ah oui, c'est Enfin, n'importe le quoi. nombre augmente tellement vite. Du coup, si la market cap elle suit pas à côté, bah ça fait que le prix du token il descend. Il Alors c'est un descend. peu, j'ai peut-être un peu mal expliqué, Non, je comprends. mais Bah, en fait, en gros le... y a beaucoup de tokens en circulation Ouais, d'un c'est coup. ça. Et si la capitalisation elle augmente pas en même temps, et bah ça pose un problème, ça fait que ça descend. Et ça Ouais. arrive tout le temps, sur D'accord. quasiment tous les projets ça fait ça. Mais parce qu'en fait, Du l'offre, elle coup, augmente énormément, il y a énormément de tokens, alors que la ouais. demande, elle n'est pas forcément, elle ne suit pas forcément, donc forcément le prix chute. Exactement. Ouais. Moi, je vous conseille surtout pas d'acheter un token quand il vient d'être listé sur Binance Smart Chain Scan. BSC D'accord. Scan. Je sais pas pourquoi je l'ai dit aussi long comme ça. Mais Ouais, je vous ce conseille site, pas de quoi. faire ça. C'est dangereux. D'accord. Et, Et je ok. parle de. C'est du vécu. Ouais, l'expérience. Ça sent, ouais. Ça sent que tu t'es planté sur certains coins comme ça. D'accord, Après, je dis pas, intéressant. ça peut marcher sur certains projets, mais moi, sur la plupart du temps, ça n'a pas marché. Je vous conseille surtout pas de faire ça. Ouais. Maintenant, j'ai compris comment ça marche. Et mais est-ce que c'est possible que par exemple il crée un token et tu vois Ouais. il limite la supply, enfin il limite la demande et du coup la demande elle grandit pas. Alors, c'est possible. J'avais un exemple d'un token qui avait fait ça. Je sais plus si c'est pas Helmet, je crois, où ils ont un plafond. Et à partir de ce plafond-là, il n'y aura plus de. Ah ouais, Pas ils ont un de plafond. token Ça, créé. je trouve, c'est pas Après, mal. il y a des projets qui font des halvings tous les Ah X oui. jours. Ah ouais, tous les jours. Halving, tous les X jours. D'accord. Ah, c'est pas mal. Je crois sur Kebab Finance, il y a des halvings, Mais si tu je sais dis pas de que, bêtises. truc de fou, Kebab Finance, il m'avait contacté par mail. Sérieux? Genre, mais truc de fou. Attends, je vais te montrer sur Twitter, mais tu vas halluciner. Il m'avait contacté, mais En ultra plus, tôt. Kebab Finance, Et je m'étais j'en foutu avais de leur acheté gueule. avant que ce soit listé sur BSC Scan. Putain, c'est fou. En vrai, les gars, mais je suis passé à côté d'un truc. Du coup, je l'avais acheté à 40 centimes. Putain, c'est fou. Il est monté à combien? Il est monté où J'ai après? réussi à l'acheter et à le revendre avant qu'il soit listé sur BSC Scan. D'accord. Ah Et c'est ouais, pas une blague, carrément. hein. Si vous voulez, je peux vous retrouver la transaction Mais comment et t'as no fait? fake, hein. Comment tu as trouvé? Comment je l'ai trouvé? Je crois que Ouais. j'avais été sur Twitter et il y avait un projet de la Binance Smart Chain qui parlait de Kebab Finance. Du coup, ben, je l'ai trouvé comme ça. Des fois, c'est aussi bête D'accord. que ça. Hein. Tu les trouves facilement. Ouais. Ouais, sur Twitter, c'est vrai que t'as pas mal de trucs quand même. Je trouve souvent des bons trucs. Du coup, Kebab, j'en avais racheté vers 1$. J'en avais vendu la moitié quand il avait monté et j'ai revendu le reste quand il était à 18$, je crois. Ah ouais, mais monter aussi Mais haut. moi, je vous conseille pas de rentrer sur Kebab Finance. Hein. Il est En trop. fait, le problème de ces projets, c'est qu'ils sont hyper éphémères. Ouais, ça dure plein de temps. Mais c'est comme DeFi été 2020, t'avais plein de projets qui allaient dans tous les sens, et au final, t'en avais très peu qui arrivaient à rester. Sont pareils. J'ai Ah une bah regarde. question, il a combien son portefeuille? Ça ne se dit pas ça. Ouais, ça, il n'y a personne qui le dit, du coup moi aussi Il j'essaie de pas le dire. Par mesure de sécurité. Et là, il m'avait contacté le 3 février. Donc c'était quand même un peu tard, mais ça allait, 3 février. Ouais, ça. Je sais pas combien il était. Attends, je vais voir le prix du token à ce jour-là. Putain. Kebab. Et le pire, c'est j'ai reçu ce mail, je me suis dit, mais qu'est-ce Ah que c'est que ce ouais, truc? trop marrant. Kebab Finance. Et tout au début, j'ai cru que c'était un scam ou un truc comme ça, tu vois, un truc de merde. Et du coup, Non, en plus, c'est un projet sérieux. en vidéo, je sais pas si ils ont rappelé les gars, mais j'avais dit en vidéo, genre c'est n'importe quoi, ces projets et tout, ça a pas de sens. Et au final, je m'étais trompé. T'arrives à le trouver? Ouais, il était vers 18$ quand ils t'ont contacté. D'accord. Et il est monté à combien? Il est monté à 30, mais genre le lendemain, et après, il a corrigé de Ok. 66%. Oh ouais, au final, tu vois, j'ai bien fait de pas en parler. T'as peut-être bien fait de pas en parler. J'ai eu chaud. Surtout qu'en ce moment-là, il est à 9$, donc bon.
Ouais, putain. Non, même pas, il y a 8,60$. Et le projet est bien derrière, ce que je connais même pas. Le projet est pas si mal. Après, c'est comme PancakeSwap, c'est un Ouais, fork. c'est un Donc, fork, quoi. D'accord. pour résumer le projet, c'est la même chose. C'est t'as des Ouais, intérêts, c'est tout. c'est tout. Ok. C'est pour avoir des intérêts. Et il y a 36 000 plateformes comme ça T'en maintenant. penses quoi de... Ouais, c'est ça, il y en a plein. T'en penses quoi de Vénus au niveau du landing? Je trouve ça pas mal. Vénus, c'est excellent. Sauf Ouais. que Vénus, faut l'utiliser, mais pas en allant directement dessus. Genre en allant sur les trucs comme AutoFarm, quoi, qui utilisent Vénus. D'accord, ouais. Et Parce que Autofarm, t'en penses quoi? AutoFarm, il y a. Autofarm, je Comment? trouve vraiment pas mal. AutoFarm, c'est pas mal. Après, je pense que là, il a atteint peut-être pas son pic, son premier pic au moins, parce Ouais, que à il y a 10 000 $, plus d'un hein. milliard de bloqués dessus. Putain. Quand je suis rentré dessus, il y avait 20 millions. Ça C'est abusé. a eu tellement d'engouement d'un coup, j'ai rien Là, compris. Autofarm, je crois, il est redescendu à 5 000 $ à peu près. Alors qu'il est monté à 4 000 $ 10 000. même. 4 000, alors qu'il est Ouais. monté à 10 000, hein. Il est monté à 12 000 carrément. Pouah, incroyable. Mais à mon avis, il va refaire une vague et monter encore plus haut. Je pense, personnellement. Je sais pas. Tu penses? J'hésite. Ouais. Je sais pas. Sur ce genre de token, je sais pas. Le problème, c'est que le projet est très bien. Et pour le coup, ils veulent faire encore plus que juste du yield, que juste des Mais intérêts. ils sont un Il y a peu un comme projet Your de Finance, Texan. non? Un peu, ouais. En Ouais. gros, pour les comparer, c'est un Yearn Finance. C'est un Your Finance sur la Binance Smart Chain. Et en Exactement. plus de ça, ils ont un land de token limité à 15 000. C'est que dalle. C'est 2 fois moins que Your Finance. Et dites-vous Ouais, que le ça c'est pas gars, mal. avec 30 000 jetons, Your Finance est monté à 45 000 $. Du coup, là, avec 2 fois moins de jetons, s'il arrive à prendre la même ampleur que Your Finance, il pourrait monter à 90 000. Mais bon, avant d'arriver à la hauteur de Your Finance, il y a quand même un peu de chemin. Surtout qu'AutoFarm, ils vont lancer un DEX. Ah ouais, une plateforme Enfin, une décentralisée? plateforme de swap, mais un agrégateur de DEX. Voilà, plus, non, pas un DEX, un Un agrégateur de DEX. agrégateur de DEX, ok. Ah, intéressant. Et il y a moyen que le token pump au moment où ce sera lancé. Ouais, au Mais niveau de la ça, c'est news. pas sûr. D'accord. Ouais, juste pour la news, quoi. Du coup, si là, je peux pas dire que c'est le bottom, mais si on trouve le bottom, si vous pensez que c'est le bottom, Ah, ça s'il peut y a être un des bon point bonnes news qui d'entrée. arrivent après, ça peut être Ouais. bon. Ouais. Et tu vois là, je vois, je suis sur. Tu connais le site Defistation? Ouais, Ouais, tu Defistation. connais. C'est un peu comme la DeFi Pulse niveau de la DeFi d'Ethereum. Ouais. Et je vois que Pancake Bunny est quand même cinquième. C'est pas mal. Je pensais qu'il était UobiChain. beaucoup plus loin. Je sais pas si tu connais la UobiChain. UobiChain, ça me dirait. C'est C'est quoi? comme Binance Smart Chain, mais c'est de par rapport Ah, à Yobi! Huobi. C'est une autre plateforme Non! d'échange. Et tu penses qu'il y a moyen de faire quelque chose là-dessus? Bah moi j'ai pris un peu de Huobi Token et de MDX, donc c'est l'équivalent de PancakeSwap, du D'accord. token de PancakeSwap, mais sur Huobi. Mais Yobi, c'est plus Et j'attends de asiatique. voir ce que ça donne. Yobi, c'est plus asiatique. Ouais, c'est plus asiatique. Et ils ont lancé quand cette smart chain? Je crois que ça fait 3 mois. D'accord. C'est bizarre qu'ils ont ça parce que j'en ai pas du tout entendu parler. À mon avis, Bah après, c'est surtout parce que c'est beaucoup plus populaire en Chine, ouais, en Chine, c'est ça. un peu aux États-Unis aussi. Ouais, mais c'est pareil, tu vois, je pense qu'il va y avoir plein d'autres smart chains qui vont se lancer et tout, tu sais, Bah il y Binance a Smart Crypto.com Chain. qui vont lancer la leur aussi. Ah oui, putain, c'est fou, j'étais même pas au courant. Crypto.com qui vont le faire? Ils vont le Incroyable. faire, ils vont lancer la leur. Mais je pense que, tu vois, d'ici un an, ils vont tous se faire bouffer par Ethereum. À mon avis, Il y parce a que moyen. le Ah problème, ça, c'est c'est qu'ils ça le sont... scénario que je privilégie aussi. Ouais, Hein. c'est ça. Parce qu'ils sont très centralisés, tu sais, par Binance, par Crypto.com. Huobi, par contre, eux, ils sont beaucoup moins centralisés. Je crois même qu'ils sont Ah ouais? décentralisés totalement. D'accord. J'ai un doute, mais il me semble qu'ils sont beaucoup plus décentralisés que Binance. Ah, c'est intéressant ça. Ah, c'est intéressant parce que ça peut fonctionner. Mais Et à voir. Crypto.com, je sais juste qu'ils vont lancer leur truc, mais je sais pas si c'est très décentralisé, très centralisé. Ouais. Aucune idée. Et en t'as des projets là qui sont pas très connus, tu vois. Et qui. J'en ai un qui n'est pas du tout connu, Ouais, et qui est qui tu même penses pas sur genre. BSC Scan. D'accord. Mais comme j'ai dit, le problème c'est que le projet a une semaine, donc il y a très peu de tokens. Dans une Ouais. semaine, si la market cap elle n'a pas fait x2, ça veut Ouais. dire que le token il va baisser. Ouais, c'est sûr. Son prix va baisser. C'est tout à Mais fait. ça s'appelle DynoSwap avec un Y. DynoSwap.io, je crois, ou .org. Attends, Ah, j'ai mais plus. il est même pas sur .org. CoinMarketCap. .org. Non, il n'y est pas. Mais tu peux aller sur le site directement. Ouais. Et DynoSwap. eux, ils ont fait un fork, si je dis pas de bêtises, d'un truc qui s'appelle Goose DeFi. Swap.
C'est compliqué, c'est très compliqué. Il y en a partout. Et si, il y est sur BSSK. Goose DeFi, en gros, c'est comme PancakeSwap, je crois même que c'est un fork. Sauf qu'ils ont retiré le rug pool, ils ont retiré ce code-là. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui en avait parlé un moment dans le chat. Goose DeFi, c'est bien. Ah, mais oui. DinoSwap, c'est un fork. Et c'est très récent. Ça a une semaine, quoi. Ouais, ça a une semaine. Ouais, après, donc tu peux aller sur le site directement. Ouais. C'est très risqué quand même. Dinoswap.org. C'est très risqué. Moi, je vous conseille juste de le regarder éventuellement, de ce projet. Ouais. Mais je vous conseille pas d'investir dessus. Enfin, pas pour l'instant. Enfin, une petite somme si vous voulez y aller. Mais y aller... Ouais, ça se voit que c'est un art fork par contre. Enfin, c'est un fork. Oui, ça se voit très bien. C'est toujours pareil. Ouais. Mais du coup, si tu regardes en bas dans Total Value Locked, il y a 100 000 $, un peu plus de 100 000 $ maintenant. Hier, il y avait 50 000. Où est-ce que tu le vois ça? Dans. Total Value Lock, c'est sur Home, sur l'accueil, et c'est en bas. Et en dessous, t'as les informations aussi sur leur token, genre la market cap. Ah ouais. C'est à 50 000 $. Et, ah, ils ont. Attends, ils ont 111 millions ou 110? Non, c'est 110. 110 non, 000. 111 000. Ah oui, moi j'étais en millions. Et la market cap, elle est à 50 000. Donc, Attends, mais ils ont 111 voilà, 000 c'est $. C'est un projet que j'ai découvert récemment. Et mais découvert c'est que hier. Dalle. C'est rien du tout. Et il a quoi de différent ce projet par rapport aux autres? Bah, c'est juste que c'est un fork de Goose DeFi. Alors, il a juste l'avantage que, en théorie, les développeurs, ils peuvent pas retirer les fonds qu'il y a déposés dessus. D'accord. En théorie. Donc, ça, en théorie, ouais. Parce que du coup, ça évite les exits scams de la part des développeurs. Donc, ça, c'est pas mal, par contre. Exactement. Mais il peut toujours avoir un problème dans le protocole, par contre. Voilà. Ouais. Ils peuvent se faire hacker. Oui, aussi. En fait, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Par contre, il y a beaucoup. Ouais, c'est très risqué, mais. Si ça explose, alors là par contre c'est incroyable parce que tu rentres au tout début quoi, 111 000 de bloqué, c'est que dalle. Ah bah là c'est bon. Une pépite, hein. Sa market cap c'est 50 000 $, tu te rends compte ou pas? <C'est>... Ce genre de projet ils peuvent atteindre une market cap de 1 ou 2 millions de... assez vite et après baisser. C'est-à-dire qu'une personne il peut acheter le market cap total, 50 000 $, même un petit particulier il peut avec 50 000 $. Exactement. C'est incroyable. Après faut pas faire ça parce que oui. Enfin, tu peux pas faire ça. Ah ouais? Pourquoi? En fait, sur PancakeSwap, quand tu fais un swap, t'as un taux de glissement, je crois que c'est comme ça que ça d'accord. s'appelle. Et, oui, c'est par rapport à la quantité de crypto qu'il y a dans les pools de liquidité. S'il n'y en a pas assez dans les pools de liquidité, tu peux pas faire l'échange. Bah ouais, d'accord. Ok, ok. Ah, c'est pas mal ça. Et si tu veux, par exemple, imaginons il y a 1000 dinos dans une pool de liquidité. Si tu veux les obtenir, tu vas devoir payer beaucoup plus cher que ce qu'ils valent, en fait. D'accord. Ah oui, du coup, au final, c'est pas rentable. Voilà, c'est pas rentable. Tu peux pas, là, je crois, sur DinoSwap, tu peux pas en acheter plus de 50 $ sans avoir 2% de glissement. Mais... C'est-à-dire que oui. T'en achètes, mais t'en auras 2% de moins que ce que t'es censé avoir. D'accord. Et 2% c'est... de glissement, ça commence à être important. Ouais. Ah, ça je savais pas non plus. Mais si, par exemple, tu veux acheter du Dino... Et tu vois, faut passer directement par leur plateforme, DinoSwap, et tu... Alors, c'est compliqué. Là, normalement, quand tu fais exchange, ils vont t'emmener sur PancakeSwap. Ah, ça bug, c'est chiant. Attends, j'essaie de le retrouver. Ah, c'est bon. Dans exchange... Ah oui, mais... En fait, ah, oui. Ce qu'il faut faire, c'est récupérer... Soit tu récupères l'adresse, le contrat du token, et ensuite tu le mets sur PancakeSwap. Ah oui, mais là je l'ai. Pardon, je peux le switch avec des BNB. Voilà, ou des BUSD, ou ce que tu veux. D'accord. Mais tu sais quoi, que je pense que après le live, je vais en prendre un petit peu pour rigoler, mais genre vraiment que dalle, tu vois, peut-être 10 balles, 20 balles. Peu. Ouais, c'est ça. C'est pas beaucoup du tout. 50, même pas 100 balles, tu vois, juste pour tester. Et après, voilà. Ça peut être drôle, genre si ça explose. Mais les gars, ce qu'il ouais, faut vous dire, c'est que. Faut mettre assez. De quoi. C'est la roulette, chose, là. Prêt à perdre. C'est la roulette, exactement, genre. C'est casino. C'est un bon projet. Je présente un projet casino. Ouais, c'est ça, casino. Genre, vous pouvez mettre 10 euros et avoir 1000 euros, mais c'est peut-être une chance sur 100. Voilà. Vous avez c'est 99% de chance. C'est 3 x 2. Hein. C'est ça, c'est qui tout double. Vous avez 99% de chance que ça fasse 0, quoi. Donc, faut vraiment y aller avec de petites, petites sommes. Ouais. Mais c'est vrai que c'est marrant ce genre de projet parce que il y a plein de projets comme ça qui sont nés comme les Avalent, les Yearl Finance, tous les gros projets comme ça qui sont ouais. nés tu vois de cette façon en étant tout petit puis après exactement. Qui ont explosé. Et c'est vrai que le mec qui a acheté du Yearl Finance quand il était à 10 $ c'est un truc de fou. Et c'est vrai que c'est intéressant. Faites gaffe les gars hein, au niveau du
niveau Ah, du sinon, un projet. projet comme Autofarm, c'est Bifi Finance. C'est quoi, oui, Je t'invite finance? à aller voir bifi.finance, BEEFY point finance, comme ça se prononce. Et ça, c'est pour Autofarm? Ça te permet d'avoir de très bons intérêts sur tes cryptos. Ah ouais, Ils ont c'est un via le jeton farming. gouvernance qui s'appelle le Bifi aussi. Ah, je connais pas ça. Ouais, il y a énormément de Et projets, c'est fou. c'est très très bien. Et dessus, tu as même bah, les trucs d'autofarm. Ah mince, faut que Tu je peux connaisse mon rêve. utiliser le coffre d'autofarm, enfin le vault. Ah ouais. Et ça sert à quoi en fait, Bifi? Attends, Bifi Finance, tu m'as dit c'était pourquoi? C'est comme Autofarm. C'est D'accord, la même donc c'est chose. C'est tu pareil. déposes des cryptos et tu as des intérêts dessus. D'accord. Faut que tu Et. cliques sur Launch App. Ok. Mais. Ouais, c'est bon, ouais, du coup, je peux y aller. Ok. Ce qui est compliqué, c'est que tu vois, genre, des projets, tu vois, comme Autofarm, mais en fait, il va en avoir plein. Et il faut réussir à sélectionner Ouais. le bon, tu vois, qui va réussir à performer. Exactement. Et comment, toi, tu fais pour essayer de sélectionner les bons projets, tu vois, parmi tous ceux qui existent? Par exemple, tu vois, en termes de plateforme de lending, tu vas en avoir plein, tu vois. Et comment sélectionner la bonne, tu vois, comme par exemple Vénus, avant qu'elle explose? Bah en fait c'est déjà faut se renseigner par rapport aux développeurs, faut aller voir toutes les infos qu'ils mettent, que ce soit la documentation de leur projet, leur roadmap, ce qu'ils comptent faire sur l'année 2021 et dans le futur. Éventuellement voir ce qu'ils mettent sur leur Twitter, si jamais. Ouais. Toutes les infos en fait Ouais. par rapport Aux à développeurs. leur écosystème, ce qu'ils veulent faire. D'accord. Ah ouais. Ouais, faut creuser quoi, y a pas le choix. Ouais, faut vraiment creuser. Et Bifi Finance, en vrai, il n'a pas une TVL hyper élevée par rapport à d'autres projets. Il est dans les 200 millions, je crois. Alors que Autofarm, il y a plus d'un milliard depuis un moment. Ah ouais, c'est énorme. Ah ouais, c'est intéressant. Donc pour toi, genre c'est plutôt un. Ça peut être un projet qui peut être pas mal durant les prochains mois. Pense Enfin, que c'est qui peut. bien Ouais, d'avoir ça du un tout Bifi petit dans peu son quoi. portefeuille sur Ouais. cette année. Ouais. Après, C'est pas il vaut mal. quand même presque 1 000 $ le token. Et Oh, ah bon, ouais. je l'ai connu beaucoup plus bas, mais je ne l'ai pas acheté beaucoup plus bas celui-là. Après, ce qui est intéressant, c'est regarder à quel marché s'attaque. Ouais. C'est vrai qu'il y a de la place. Mais je trouve que dans tout ce qui est agrégateur de yield, donc optimisateur d'intérêt, on va dire en Ouais. français, je pense que c'est le meilleur du marché. Hein. Y a D'accord. pas Ah ouais, mieux. mieux que Autofarm? Quand même pas. Bah en fait, Autofarm, eux, ils donnent des intérêts dans la crypto que tu déposes et aussi en auto. Alors que sur Bifi Finance, ils donnent que des intérêts dans la crypto que tu déposes. D'accord. Et par Et exemple, si tu as des trucs où il y a écrit genre Use this Autofarm en dessous, genre sur l'USDC ou quoi. Je sais pas si tu vois. Attends, alors. Ah ouais, en plus il y a un temps de décalage, ça c'est chiant. Ouais, bah oui. Attends, où ça? Par rapport au token, à droite du token? Si tu vas tout en haut, Ouais, tout en haut. attends, je vais mettre Bifi Finance aussi en même temps sur mon Ouais, écran. parce que le problème c'est qu'il y a bien. T'as des petits onglets que tu peux sélectionner. T'as Ah un oui, bien onglet qui sûr. s'appelle Plateforme et dedans t'as Autofarm. D'accord, je vois. Voilà. Ouais, autofarm. Ok. Donc en gros, ça va les déposer sur Autofarm pour faire des intérêts. Et là, ça a à peu près les mêmes Oh. intérêts que sur Autofarm, sauf qu'au lieu de te donner des autos, ça te donne vraiment que ce que tu déposes. Ça, c'est D'accord. bien. Ça c'est pas mal. Ah ouais. Ah, c'est un sacré projet quand Moi, même. j'ai déposé des USDC perso, et là, je les garde un petit moment. Après, c'est comme tout, hein, c'est des smart contracts, c'est-à-dire qu'ils peuvent se faire hacker, Oui, et c'est vous ça. pouvez quand même Le perdre l'info. protocole. Sur tous les projets de la DeFi, il y a Ouais. des risques, Ouais. il faut en être conscient. C'est C'est pas ça, c'est magique. Enfin, si, sûr. c'est magique, mais... De toute façon, plus t'as de rendement, plus t'as de risques. Et il y a un truc qui est sympa aussi sur Bifi Finance, je sais pas pourquoi ça arrive sur cette plateforme, mais à chaque fois qu'il y a un nouveau projet qui est listé dessus, le projet, il pump. Le dernier qui a bien pump, c'est Brew, BREW. C'est le token de CafeSwap. Et dès qu'il a été listé sur Bifi Finance, il s'est pris un petit 50% là. Peut-être pas D'accord. 50%, peut-être genre 30%. Mais il a bien remonté. Et Et c'est H. le seul token de l'Evidence Smart Chain qui monte en ce moment. Tous les autres, ils Ah descendent. ouais, c'est celui qui va contre-courant. Lui, il est passé de genre de 12 $ à 18 $, alors que tous les autres, ils plongent. Mais c'est juste parce qu'il a été listé sur Bifi Finance. Ah ouais. Incroyable. Et là, t'en penses quoi, toi, un peu du contexte de la Binance Smart Chain actuellement? Parce que tu sais, il y a eu une grande euphorie là, fin février, enfin mi-février. Ouais. C'est retombé légèrement parce que tu vois, le Bitcoin a aussi bien corrigé. Et tu penses que ça pourra reprendre là durant fin Moi, février, j'espère début que ça va mars, reprendre. mars?
Ouais. Moi, personnellement, j'y Mais je crois. Hein. saurais pas dire quand. Ouais, parce que, tu vois, en général, ce qui se passe sur Bitcoin, c'est que dès qu'ils corrigent et qu'ils trouvent un bottom, et après, ils commencent à Ouais. consolider pour partir, en général, c'est très favorable pour les altcoins. Et à mon avis, tu sais, Oui. les altcoins de Binance Smart Chain, ils vont pouvoir aussi en profiter en même temps que les autres altcoins. Bah, je me dis que s'il y a une altcoin season, de toute façon, il n'y a pas de raison pour que la Binance Smart Chain ne se démarque pas. Oui, bien sûr. Sauf Ça que les frais dépend aussi d'Ethereum, ils vont encore d'Ethereum. plus exploser Ouais, et c'est ça. du coup, bah, les gens, ils vont encore se ruer sur la Binance Smart Chain. Je sais pas quand ça va arriver, les layers et tout, au niveau d'Ethereum, tout ça. Mais ça va mettre encore un Le peu de plus temps. tard, c'est le mieux par rapport à la Binance Smart Chain, j'ai Ouais, c'est envie de te ça. dire. Plus tard, mieux c'est Plus pour Binance Smart vite ils Chain. arrivent et plus vite Binance Smart Chain, c'est mort en fait. D'accord. Je crois que c'est une Ah, question j'ai de vu PizzaSwap quelques. dans le chat, c'est nul PizzaSwap. Nul. Je connais même pas. Pardon. Je crois que C'est pas c'est. à connaître. Je crois que c'est une question de quelques semaines, non, au niveau des layers, au niveau du TH, je crois. Quelques semaines ou Ouais, quelques mois. ça se développe de plus en plus vite. Et c'est D'accord. ça qui me fait peur par rapport à la Binance Smart Chain, c'est que Ouais. ça peut prendre le dessus, je pense, hein. Ah oui, large. C'est pour ça qu'il faut faire gaffe. Mais c'est vrai que tant que les layers n'arrivent pas et que TH est traité encombré, la Binance Smart Chain elle a tout pour exploser. Donc c'est ça, c'est compliqué. Mais c'est vrai qu'il faut y mettre une petite partie de son capital, je Ouais, pense. garder une Faire petite gaffe. partie, même quand il y aura Ethereum, Binance Smart Chain, il continuera d'exister, il pourra Oui. peut-être quand même y avoir des projets intéressants, mais ce Mais sera surtout, pas... ce que j'aime bien avec la Binance Smart Chain, alors elle est un peu centralisée, je trouve, mais ce que j'aime Ouais. bien, c'est que tu as Binance derrière, tu vois, et Binance, ils Ouais. sont tellement énormes que, tu vois, genre, ils peuvent clairement faire de grandes choses Ouais, au il y a niveau du long moyen. terme aussi. Parce que c'est vrai qu'eux, ils sont vraiment énormes en termes de plateforme, et même leur BNB, c'est incroyable comme il a explosé. Je pensais pas que ça allait prendre autant Moi non d'ampleur. plus. Moi C'est un non truc de fou. plus. Oh, j'étais pas prêt. Ouais, c'est Tous un les truc de jours, je fou. me levais, il faisait 1 x 2 là. Oh là C'est là. hallucinant. C'est un truc de fou. Mais tu sais que BNB, j'en avais acheté à 7 $ et 15 $. Et c'est la seule fois où j'en avais acheté. Mais tu sais, je les hold au niveau du long terme. Et je m'étais dit, Ouais. ouais, vu que Binance, tu vois, est énorme, ils risquent de faire de grandes choses plus tard. Mais j'étais à 1 000 Ouais. millions de m'imaginer que leur token est monté à fou 300 Pareil. dollars, tu vois. Mais moi, je l'ai C'est holdé parce que fou. c'est trop utile d'avoir du Ouais, c'est BNB. ça, c'est Que ça. ce soit pour Et Binance ou pour même, la Binance Smart ouais, Chain, c'est c'est ça, trop tu le laisses utile. sur Binance. Dans un épargne flexible ou en staking ou je sais pas Exactement. quoi, tu fais toujours du truc. J'ai vu là, j'ai fait un truc récemment et je l'ai mis en staking, il me semble, durant 14 jours, mes BNB long terme, que je hold, Ouais. pour avoir du dodo, il me semble. Je sais pas si tu connais. Ok. Ah oui, comment ça s'appelle? Binance. Launchpad, je crois, sur Launchpad, ouais, c'est un Binance. truc comme ça, ouais. Et c'est le token que tu Ouais. peux avoir avant qui sort, je crois. Tu Ouais. peux juste l'avoir en accumulant, en stackant tes BNB. Je sais pas si c'est intéressant ça. En fait, ce genre de projet, c'est pas tout le temps, mais j'ai l'impression que ça fait à peu près le même schéma à chaque fois. Ouais. Ça pump à fond dès que c'est listé. C'est ça. Ensuite, ça corrige bien, plus Et après, personne ça n'en parle, repart. et sans aucune raison, ça repart d'un coup. Ouais, Enfin, c'est j'imagine qu'il y a des exactement raisons, ça. mais en général, ça part n'importe quand. Ouais. C'est ce que Et j'ai la remarqué plupart des aussi. tokens font ça. Ouais. À chaque fois que t'as un token listé, de toute façon, il explose. Après, il corrige. Ouais, Plus putain. personne ne s'en. Tout le monde s'en fout. Puis après, il repart tranquillement. Tous Bah, les tokens, c'est ça. Hein. y a Alpha aussi qui était comme ça. C'est un des Ah premiers oui. tokens qui était sur Launchpad, je crois. Le launchpad de Binance. Ouais. Ouais. Sauf que j'avais tout revendu, bah, limite li au moment où j'avais tout converti en BNB au moment où je les avais minés, entre guillemets. Ah ouais. Mais ça peut être Et ouais, intéressant, quand tu tu sais, vois le prix. les vendre quelques jours après le listage. Tu sais quand ça peut être bien. Ça dépend. Ou alors tu les holds au long terme. Le mieux, c'est de holder au long terme. Ouais. Enfin, en En tout cas, vrai, c'est pour plus cette année. rentable. Après, je dis pas, quand Ouais. on sera en période de bear market, Ah peut-être oui. pas une bonne idée. Ça, ouais. Ça, c'est vrai que ça, c'est chaud. Mais en période de bull run, c'est bien de les garder. Oui, c'est sûr. Oui. Bah, je pense que moi, de toute façon, la plupart de mes tokens, dès que j'en achète, je le garde en long terme pour tout le bull run, quoi, pour la fin du bull run. Après, c'est compliqué de vendre à la Ouais. fin du bull run, mais normalement, ouais, ça devrait le faire. Mais c'est vrai que dans le chat, en vrai, je vous déconseille de garder les cryptos pendant le bear market parce que peu importe le secteur, vous pouvez être sûr et certain que ça a corrigé. Là, on le voit très bien en plus. Tu vois, le Bitcoin, il a à peine reculé de moins 20%. T'as tous les altcoins qui ont corrigé, peu importe le secteur. Ah oui, direct. Et en général, c'est pareil en bear market, quoi. Quand le Bitcoin nous fait un moins 80%, t'as tous les altcoins qui corrigent aussi. Donc, Exactement. c'est vrai que ça, c'est chaud. Je crois qu'on s'est fait host. Oh, on s'est fait host. Il y a eu un hébergement. Bah, Cool. merci à Cocteau, mais je sais même pas qui tu es. De 429 spectateurs, bah, c'est vraiment cool. Merci à toi, bienvenue à tous Ça ceux fait plaisir. qui arrivent. Je sais même pas qui c'est. Cocteau, Moi ça me non dit rien plus, du je connais tout. pas.
C'est peut-être un streamer qui est fan de crypto. Il y a moyen, hein. Ouais. Bienvenue à tous ceux qui J'ose arrivent. espérer. Ouais. Du Bienvenue. coup, on parle de Binance Smart Chain. Alors, je sais pas si vous connaissez la crypto et tout, mais Binance Smart Chain, c'est quand même assez niché. Mais Pour c'est quand l'instant, même. en tout cas. Ouais, pour l'instant, ça risque de bien péter. C'est vrai que la DeFi, tu parlais de la DeFi au niveau de été 2020, t'as personne qui connaissait. Enfin, si, ça commençait à Ouais. bien se démocratiser, tu vois. Août, genre, c'était l'apogée, tout le monde en parlait, tout le monde L'apogée. connaissait. Et au final, c'est là où ça retraçait, tu vois. Et c'est vrai que tu reviens en mai, avril 2020, t'as absolument personne qui connaissait la DeFi. Et c'est pareil pour la Binance Smart Chain. Toi, novembre, décembre, tu devais être l'un des. Vous devez être pas très Un nombreux à investir sur précurseur. Binance Smart Chain. Ouais, c'est ça. Bah, ça Ah paye, mais mais toi, j'investissais c'est risqué. sur des plateformes, bah Pancake Bunny par exemple, quand j'ai investi dessus, la valeur qu'il y avait sur la plateforme, c'était 4 millions, je crois. Maintenant tu vas dessus, c'est 200 millions. Oh, mais c'est abusé. Mais du coup, toi, t'as Après, ça pu veut pas faire dire que le des. token il a fait x50, mais Ah ouais. T'as pu ça faire veut des dire bons qu'il y avait pourcentages. 50 fois plus. C'est J'ai quoi bah oui, tes je plus t'ai dit gros le gains que token, t'as pu j'étais à faire? 5 dollars. Ah ouais, c'est fou. C'est fou, c'est fou. C'est ouf. Mais de ce que tu peux. Bah va sur Pancake Bunny. Je crois que Allez le voir. site entier c'est pancakebunny.finance, comme ça se prononce. Si je te dis pas de bêtises. Et Pancake ça c'est bah, Bunny, c'est comme AutoFarm et comme Bifi ouais, Finance. t'en avais T'es parlé, dessus? ouais, là c'est moi, j'y suis. Bunny, t'en avais parlé en début de live. Ouais, j'en ai parlé au début Ah de merde, live. Et ça, pareil, faut que je le connecte. c'est un très bon projet. Leur token, il a juste deux problèmes. Donc, je l'ai déjà dit, hein. C'est que le supply, pour l'instant, il est limité. Ouais, Donc, c'est il ça. pourra y avoir des bunnies. Il n'y a pas de À market chaque cap. bloc, ils en rajoutent. Et pour l'instant, ça n'a pas changé. En fait, il faut que la demande suive. Il faut qu'il y ait Ouais. vraiment un afflux de personnes qui Bah là, achètent tant qu'il y a de du l'engouement, en token. fait, ils continuent de faire ça. C'est Ouais. logique. Mais là, Mais. pour l'instant, il corrige, vu que Bitcoin corrige, non? Ou il arrive à Ouais, rester. il corrige, mais à mon avis, il corrige beaucoup plus que d'autres tokens. Mais ça, c'est à mon avis, c'est par rapport au fonctionnement des récompenses en Bunny qui sont censées être à un dixième de BNB. Donc, un Bunny, c'est censé valoir un dixième de BNB. Ou 10 Bunny, c'est censé valoir un BNB. D'accord. Ah oui. Or là, je crois que c'est un Bunny, ça vaut un quart de BNB. Ah oui. Donc, c'est pas. Il est un peu sous-coté quand même. Non, justement, il est là pour l'instant. Enfin, d'après Mais la attends, manière tu m'as dont il dit est codé pour donner les un récompenses, bunny, ça doit valoir un il est BNB. censé en donner trop. Là, 4 bunnies, ça vaut 1 BNB, alors Ouais. que selon comment c'est Ah fait pour les oui, récompenses, 10. c'est 10 bunnies qu'il faut. D'accord, j'ai mal compris. Ok. Ouais. Ah oui, mais c'est Donc ça comme. pose un peu problème. Ah oui, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure, ouais. D'accord. Mais après, s'il y a beaucoup de demandes d'un coup, comme ça s'est passé récemment, le token peut encore exploser. Et là, Ouais. il avait atteint les 200 dollars à un moment. Oh. Mais là, il est redescendu à combien? Il vaut Là, il est vers 50, je crois. 50. 50-60. Putain. Et toi, tu l'as connu à combien, lui, au début? 5 dollars. 5 dollars, non mais. À 5 dollars. C'est pas possible. 5,03 dollars. Putain, Et c'est. pareil, je peux retrouver la transaction, il n'y a pas de problème. Ah mais t'en as acheté en plus quand il était à 5 dollars. Oh là là. Et tu l'as Mais oui, encore. j'en ai acheté. J'en ai vendu un tout petit peu entre-temps pour me rembourser et j'en ai revendu quand il était vers 150 Mais dollars. t'as tellement bien fait parce que Mais tu sais, maintenant, j'en ai encore 70. t'as ultra bien fait parce que le fait d'en vendre pour récupérer ta mise de départ, c'est trop bien. Parce que moi, Ouais. tout ce qui reste, tu vois, c'est du bénéf, c'est gratos. Bah ça, je l'ai vendu comme ça parce que c'était après que j'ai connu les trucs comme avec Kebab Finance ou quoi, quand j'ai acheté très tôt et que j'ai revendu tout d'un coup. Ouais. Ah oui. Ça m'avait un peu appris le Du truc. coup, c'est vrai que ça c'est bien. Et t'as bien fait de garder parce que tu vois, au final, long terme, même si ça a corrigé, Mais tu vois quand même après, je les ai 50 gardés dollars, aussi c'est pour une énorme. autre raison. Pourquoi? C'est que sur la plateforme, tu peux staker tes bunnies et avoir des intérêts en BNB. Ah oui, et du coup, t'as combien d'intérêt par rapport à ça au niveau de du farming comme ça, quand tu les stack? Alors, moi, personnellement, j'ai 70 bunnies et tous les jours, j'ai 0,1 BNB, à peu près. 0,1 BNB, ça fait combien? Ça fait 30 Ça fait une vingtaine de 20 dollars dollars? en Ouais, ce d'accord. moment. À un moment, ça va être 30 dollars. D'accord. C'est pas non plus énorme en termes de pourcentage. Non, mais après, je me sers surtout de ces intérêts-là en BNB pour rembourser mes frais, parce que Ah je fais oui. beaucoup de transactions en ce moment. D'accord. Ah oui. Mais et tes bunnies, là, tu veux les garder au long terme? Mes bunnies, je les garde pas sur le long terme. J'attends qu'il y ait une autre vague de hausse et je vais presque tout vendre, je pense. D'accord. Ok, ouais.
Après, dans tous les cas, même si là, il peut partir à zéro, je m'en fiche, j'ai fait... Oui, de toute façon, t'as retiré ce que t'as gagné. Combien, j'ai fait beaucoup de plus-value. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est vrai que t'as... Franchement, t'as bien fait de t'intéresser dès le début à Binance Smart Chain, à creuser. Parce que ça prend du temps. Mais en vrai, quand tu fais ça, alors que personne s'y intéresse, bah, tu prends une grande longueur d'avance. Et du coup, t'es grave calé. J'avais été voir un tuto. Ah ouais, j'ai pas bien entendu. Du coup, je disais juste que t'es grave calé quoi, par rapport à la plupart des gens, et c'est là où tu peux faire de vrais bons projets. Parce que j'ai eu le temps de me renseigner sur les projets. Ouais. Du coup, contrairement aux autres. Ah ouais, c'est ça. Le mec qui arrive, du coup, pendant que c'est en train de péter, bah tu vois, il connaît absolument rien. Alors que toi, ça fait déjà un mois que t'es là et tu connais quasi tout quoi, donc ça c'est bien. Enfin, pas quasi tout, mais tu connais déjà les principes. Et tu disais que t'avais vu un tuto ? J'avais vu un tuto sur un truc sur la DeFi par rapport à Ethereum, et je me souviens que dans les commentaires j'avais dit un truc du style ah ok, vous préférez payer $50 de frais, et moi je préfère m'acheter un BNB avec ça. Voilà, et ça c'était il y a 2 mois, moi. Hmm? Ça c'était il y a quelques mois. Ouais, il y a genre 2 mois. T'étais en avance. T'imagines le mec qui a lu ton commentaire il y a 2 mois. $50, tu choisis, tu t'achètes un BNB ou tu fais une transaction sur Ethereum. Bah, c'est sûr que c'est abusé, mais maintenant c'est monté encore plus cher. Il y a des moments c'était monté à $100 et tout, c'est abusé. N'importe quoi. Mais c'est vrai qu'elle est pratique la Binance Smart Chain. Mais tu sais que la dernière fois, je t'avais parlé de mon problème au niveau de MetaMask, j'avais un petit problème où genre j'arrivais pas à transférer, je sais pas pourquoi. Je sais pas d'où ça vient ça. Ah, ça, j'en ai aucune idée, j'ai jamais fait. Faites gaffe aussi avec les gas fees, tu sais, parfois tu peux te mélanger. J'ai vu un mec qui avait payé $36,000 de frais là sur Uniswap. Et ça, faut y faire gaffe. Après, en soi, en laissant tout, tu sais, de manière automatique. Ouais, de base, par défaut. J'ai l'impression que c'est pas possible. Ouais, c'est impossible. Ah ouais, mais tu en as toujours les mots trafiqués. Ouais. C'est vrai qu'il faut le faire exprès. Il y a des paramètres avancés, je vais essayer de bidouiller. Ouais, c'est ça. Faut faire gaffe. Surtout si vous connaissez pas, parce que ça pardonne pas. En plus, tu sais, vu que c'est la blockchain, t'achètes, hop là, tu perds tout. Moi, j'ai un prof qui me disait ça quand j'étais à mon BTS. Si tu connais pas, tu touches pas. Voilà. Donc les gas fees, si vous connaissez pas, vous touchez pas. C'est pareil vous pour allez lire des articles, comment ça fonctionne et tout, et après vous pouvez y toucher. J'ai vu un mec dans le chat, il a dit j'ai posé 10K sur Dino. Ah non, quand même pas. Non, il rigole, t'es fou. Et tu poses 10K. On va voir, est-ce que la marque a augmenté. On va aller voir. Si tu poses 10K sur Dino. Imagine, ça explose. Merde, la market cap a augmenté, elle était à 50 000 quand on en a parlé. Elle a 67 000 maintenant. Non, tu mens. J'espère que le gars, il a vraiment pas fait ça, hein, parce que c'est un peu con de faire ça. Il y a eu 17 000 déposés. Si tu en achètes pour 10K, comme je t'ai expliqué, tu auras. Les gars, j'espère que c'est pas vous. Le glissement dont j'ai parlé. C'est-à-dire que tu veux les acheter pour plus cher que ce qu'ils valent, tes tokens. Oh, mais gros, mais. Si tu en achètes trop. Ouais, c'est bizarre que ce soit passé de 50K à 67K quand même. Après, j'espère que c'est pas par rapport au live. Hein. Je voulais surtout pas inciter les gens à en acheter. T'imagines, il y a 17 000 euros d'abonnés qui ont acheté. Pour lui, si ça pète à la hausse. Hein. Ah, mais si ça explose, franchement, c'est multimillionnaire. Mais il y a peut-être une chance sur 10 que ça arrive. Quoi. Il y a 9 chances sur 10 qu'ils perdent son argent. Donc faire gaffe. Exactement. Ça, on l'a martelé. Hein. Ouais. Ça ne retombe pas dessus. C'est sûr. Par contre, c'est passé de 50 000 à 67 000, c'est quand même bizarre. C'est vrai que c'est bizarre. Ouais. Mais ouais, c'est vrai que c'est ce que tu disais tout à l'heure. Si tu poses 10K, au final, tu vas payer le token bien plus cher que ce qu'il vaut vraiment, si j'ai bien compris. Exactement. Donc ça vaut pas. Après, ça dépend. Il y a énormément de liquidité dans les pools de liquidité. C'est ça. Mais là, avec 60K de market cap. Si tu mets 10K, t'as forcément. T'en achètes en fait 2K, tu vois. Enfin, c'est ça, c'est ça. Tu te fais plumer, c'est sûr. Donc faire gaffe. Faire gaffe. Faut faire attention. Ok. T'as d'autres choses à dire sur Binance Smart Chain ? Il y a plein de projets. Il y a plein de projets. Je peux en parler des heures. Des petits projets comme ça, comme le Dino Swap. Assez croustillant. Alors, il y a un projet. Par contre, c'est pas de. C'est pas des intérêts ou quoi qu'on peut faire dessus. C'est Certic. C'est un auditeur sur la Binance Smart Chain. Et ça, c'est un truc dont je vais pas parler. Tous les projets qui sont audités, c'est-à-dire qui ont été vérifiés par des organismes, on va dire, ça ajoute de la crédibilité à leur plateforme. Attends, tous les projets qui ont été quoi ? Audités. C'est-à-dire qui ont été vérifiés. Certic, c'est avec un K. Et il est listé sur Binance.
Attends, je vais voir, Certic avec un K, ok. Le analyse ticker, sur Binance. Il y a moins que tu trouves même sur TradingView, à mon avis. Ah oui, ah, je l'ai sur CoinMarketCap, je crois. Et ouais, il est. Et comment il fait du coup un token pour être certifié? En gros, ils doivent payer. Alors, je crois que c'est un truc comme 10 000 dollars à Certic. Pour Certic, je crois que c'est 10 000 dollars. Et en gros, Certic va vérifier le projet et ils vont faire un rapport. Et ensuite, les plateformes vont pouvoir mettre qu'ils ont été audités par Certic. Donc, ça rajoute de la crédibilité par rapport à un projet. D'accord. J'avais investi sur un truc et récemment, ils ont été audités et ça a fait pump leur cours. Je ne sais plus quel projet c'est. Mais c'est des trucs aussi. Quand il y a des projets qui sont audités, en général, après, il y a une augmentation derrière. Ouais, c'est sûr. Bah oui, c'est parce que ça apporte beaucoup de crédibilité. Le problème, c'est que investir sur des projets qui ne sont pas audités, comme DinoSwap, c'est dangereux. Ouais. C'est dangereux, mais tu as énormément de rendement si jamais ça marche. Voilà, exactement. Mais de toute façon, c'est toujours pareil, les gars. Hein. Les cryptos, vous avez beaucoup de rendement, mais c'est aussi plus risqué que, par exemple, l'immobilier ou la bourse. C'est pareil pour tout. Du coup, Certic, ils auditent des et ils ont leur token qui est listé sur Binance. Et sa market cap, elle est assez basse en vrai. Ça a beaucoup de potentiel. Parce que c'est hyper utile. Ouais, sa market cap, c'est 56 millions. D'accord. Oui, oui, c'est... C'est un projet. Attends, au niveau de quoi, 56 millions? Certic? 56 millions, non, c'est dollars, 56 millions de market cap. Ah oui, oui, je suis con, moi je suis sur... Oui, bien sûr. J'étais sur le... Je suis con, j'étais sur la supply, moi. Au niveau de Certic... Je crois le total supply, c'est 100 millions. Ouais, c'est 47 000... Ah non, mais attends. Mais là, tu parles de Certic? Maximum, pardon, pas le total. Ouais, Certic, toujours. Ouais, d'accord. Ah oui, ils ont... ah oui, c'est quand même en million, donc c'est quand même... Ah oui, mais ils sont 380, ils sont pas trop mal. Il est quand même assez connu, ce projet. Ouais, il est pas mal, ce projet. D'accord. Après, ça, c'est pour du long terme, pour le coup. Ouais, ça, c'est plus pour le long terme. Mais lui, tu mettrais... C'est aussi sur Ethereum, hein, si je dis pas de bêtises. Ah ouais ? D'accord. Ouais, il me semble. Ok. Lui, tu le mettrais plus comme un Vénus, un cake ou un auto-farm. Ouais. Enfin, je l'apparenterais plus à un truc comme Link ou quoi. C'est un truc très utile. D'accord. Par rapport à la blockchain, mais ça n'a pas de rapport avec tout ce qui est faire des intérêts ou quoi que ce soit. D'accord. Ça n'a pas de rapport avec la DeFi directement. Ok, ok. Ok. Ah, intéressant. Je le connaissais même pas, lui. C'est vrai qu'il n'est pas trop mal. Mais faut se renseigner, ouais. Je vous conseille de faire vos recherches sur ce projet. Oui, oui, c'est ça. Faut se renseigner, de toute façon. Il n'y a que ça qui compte. Et les gars, en vrai, quand vous voulez investir dans un token long terme, faites vos recherches et passez-y du temps pour être sûr que ça vous va. Vous voyez, par exemple, juste lire la... C'est, je sais qu'il y a plein de personnes, par exemple, qui ne lisent même pas, tu vois, qui lisent juste le token market cap. Ça ne suffit pas. Il faut... Le mieux, en vrai, c'est d'aller voir le white paper et tout. Après, c'est quand même assez complexe, mais bon. Au moins, tu sais tout. Ouais. Ah, ça marche avec les NFT. Aussi. D'accord. Ah, c'est intéressant. C'est vrai que c'est intéressant. En vrai, des projets comme ça, il y en a vraiment pas mal qui sont ultra intéressants. De toute façon, j'en suis persuadé que, tu vois, d'ici... Alors, peut-être pas la fin du bullrun, mais d'ici le prochain bullrun, il y aura plein de nouveaux projets dans le top 10, top 15, tu vois, top 20, qui seront excellents et qui n'existent pas encore aujourd'hui. Sûr. Ça, c'est sûr et certain. Parce que... Les projets qui sont là depuis plusieurs années, ils vont dégager. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Cash, ça fait du ménage. Tu sais, si tu regardes le top 10 des altcoins de 2014, t'en as plus aucun qui existe aujourd'hui. À part, ouais. Tu vois, le XRP, le Bitcoin, le Litecoin et ETH. Mais sinon, tout le reste, ça a dégagé. Et c'est pareil, tu vois, là, je sais pas si tu vois, mais durant le bullrun, actuellement, au niveau des anciens tokens, EOS, XLM, peut-être pas XLM, mais tu vois, genre EOS, enfin, tous les anciens tokens qui étaient là avant, Zcash, tout ça, ils font que dalle, tu vois, en ce moment. Ouais. Et je pense que ce sera la même chose pour le prochain bullrun. Tu vois, par exemple, pour le bullrun de 2024, tous les tokens actuels, tu vois, qui pumpent bien, comme Elrond, CHSB, tu vois, tous ceux qui ont bien la cote en ce moment, ça m'étonnerait qu'ils aient encore la cote dans 4 ans. Ça fait des rotations, en fait. Ouais, pour l'instant, le marché marche comme ça, en tout cas, j'ai l'impression aussi. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Après, ça peut changer aussi. Ouais. Ça fait que parler de dinos. C'est incroyable. Non, mais... c'est un truc. Non, mais c'est n'importe quoi. Regarde le truc, il vient de passer à 83K. 83K. Non, mais c'est pas possible. Les gars, arrêtez d'acheter Udino. Après, ils vont dire que j'en ai acheté exprès avant. Ah, au final, c'est toi qui as fait une manipulation de marché. Je l'ai acheté limite au prix où il est maintenant, moi.
Putain, c'est pas possible. Non mais il est à 50K quand on l'a montré au début du live, il montait 83K, c'est pas possible qu'il est monté tout seul. C'est forcément les abonnés du On live a qui ont quelqu'un qui acheté. a mis un tweet et que ça a fait le café. Tu penses? Ma conscience veut se coucher tranquille. Ils ont Twitter? Ouais, ils ont Twitter. Tous les plateformes comme ça, ils ont un Twitter et ils ont un compte Twitter et ils D'accord. alimentent. À chaque fois, ils ont. Ah, c'est bien ça. C'est vrai que c'est pas mal pour suivre les actus un peu. Et PancakeSwap et Bifi Finance, ils ont mieux qu'un Twitter. Ils ont un site où ils vendent des vêtements. Ah ouais? C'est pas une blague. J'ai mon pull PancakeSwap et mon pull Bifi Finance. J'en suis Non. fier. T'en as vraiment? Je porte mon pull PancakeSwap. Non, incroyable. Tu sais que j'ai un t-shirt Bitcoin quand même. Mais alors, pack and swap, faut Ah vraiment en vouloir. oui. En plus, c'est leur boutique à eux, quoi. C'est pas des Ouais, fans. truc de fou. Ouais, mais ils font, à mon avis, tu sais, ils passent par du print on demand et où ils mettent juste Ouais, ils passent un par logo. Teespring, les Ouais, c'est deux. ça. Ouais. Ah, c'est énorme. Après, Bifi Finance, je sais qu'ils font pas de marge sur ce qu'ils vendent, donc ça, c'est bien. C'est fair play. Ouais, ça par contre, c'est incroyable. Ça, c'est bien. Tapis. Non, mais les gars, arrêtez avec Dino. Dino Musk, tapis Il sur faut parler Dino. d'un autre truc. Il faut parler Non, d'autre truc. non. Les gars, non, s'il vous plaît. Vous êtes... Non, vraiment, les gars, faut vous dire que si vous investissez, il faut que vous partiez du Demain, il se principe fait hacker, vous que vous faites allez comment? perdre votre argent. Non, mais il y a un mec qui dit j'ai mis 2000. Les gars, ne mettez pas plus de 10 balles sur Dino. Faut vraiment que c'est. En vrai, ils sont en train de nous troller, tu vois. L'impression que leur mentalité, elle est à l'envers. Si tu leur dis de pas mettre 2000, ils vont mettre Faut 2000, tu vois. que je leur dise de mettre 2000 pour qu'ils mettent 0. Ils nous Après, si trollent. tu leur mets 2000, ils vont te sortir l'extrait, ils vont te dire que c'est de ta faute. Je suis mort. L'effet Elon Musk. On se sent Ah comme là des là. mini Elon Musk. Imagine si genre Elon Musk, il disait pas le Dogecoin, mais genre il tweetait genre Dino Swap ou un truc du genre. Ah, mais je peux dire Ah, le ce serait token. n'importe Ah, ce serait n'importe quoi. Ouais. quoi. Est-ce que t'imagines là juste avec un live, quand même le truc il passait de 50 000. Non mais en vrai, je sais pas, tu penses que ça vient du live ou. Je pense que ça vient du live quand même. Je sais Parce que pas. c'est quand même bizarre que Sincèrement, ça monte. Comme ça, en je n'ai seulement une aucune heure. idée. Alors ça fait combien de temps qu'il est là ce projet? Une semaine, je t'ai dit, le truc a littéralement une semaine. Putain, c'est fou. Les gars, faites gaffe, vraiment, c'est très très. Mon... il a dit mon héritage sur Dino. Les gars, vous avez perdu. Je suis sûr que dans une semaine, je vais refaire live et on va dire, ah bah Dino, ils sont fait exit scam. Où ça se trouve, on va tous devenir millionnaires. En vrai, ce serait beau, hein. T'imagines, genre, il explose et. En vrai, si là d'un coup ils commencent à avoir un peu de liquidité, de la market cap qui augmente, ils pourront sûrement commencer à être sur BSC Scan et Diapradar. Et à partir de Donc, c'est des combien à deux peu sites près t'arrives sur. qui C'est quoi répertorient tous les projets de la DeFi. les. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sur BTScan et tout ça? En vrai, ça, je sais pas. Je me suis pas renseigné sur comment les projets apparaissent dessus, mais je crois qu'il faut. Payer pour ça, si je dis pas de D'accord. bêtises. Il y a peut-être des gens qui le savent dans le chat. Moi perso, je me suis pas renseigné sur ce détail. Mais Et. je sais juste que des fois, quand ils sont listés sur des trucs comme ça, ils pumpent. D'accord. Oui, parce qu'en général, c'est très très bon, quoi. Et dès qu'un token arrive là-dessus, c'est que ça donne de la crédibilité en plus. Ça donne surtout de la visibilité. Ouais, de la visibilité, ouais, c'est surtout ça, ouais. C'est vrai. Parce que c'est vrai que en vrai, ce genre de projet, tu vois, je suis sûr, ça pourrait marcher, tu vois, tu le présentes à tout le monde. Mais sauf que vu que c'est très très peu connu, et t'as que des mecs comme toi, tu vois, qui vont chercher, tu vois, très très loin dans la Binance Smart Chain pour trouver ça, forcément, toi, t'as pas énormément de monde Si qui tu veux va voir. savoir comment je l'ai trouvé, Comment t'as fait? tu vas dire je suis fou, hein. Mais en gros, j'étais dans l'explorateur dans BSC Scan et j'étais regarder les mouvements de tokens. Et en gros, quand tu regardes les mouvements de tokens, tu peux voir quel token a été transféré. Mais genre, c'est tous les mouvements de toute la Binance Smart Chain. Et D'accord. dedans, des fois, tu vois des tokens que tu connais pas, qui sont très récents. Et c'est de là que tu peux trouver la plateforme sur laquelle ils ont une utilité. Alors, c'est très compliqué de faire ça, mais c'est comme ça que je l'ai trouvé. J'explique sûrement très mal, mais Et tu l'as c'est trouvé comme comme ça que je l'ai ça? trouvé le Et il avait ça fait projet. combien de temps qu'il était sorti? C'était à peine quelques jours du coup. À peine quelques jours. Je dis, Ah je l'ai ouais, trouvé hier. incroyable. Incroyable. Ah ouais, c'est incroyable. Mais et ça, tu l'as déjà fait pour. En vrai, toi, il y a combien de projets, par exemple, quand par exemple, tu trouves 10 projets, en général, tu en as combien qui marchent? C'est pas non plus énorme, tu vois, pas qui explose. Parce que tu as découvert des projets assez tôt, comme toi, tu disais Bunny, ou alors il y avait quoi d'autre? CakeSwap, tout ça. Parce que c'était aussi plus gros, mais en général, tu vois, sur peut-être 10 projets, tu en as peut-être un ou deux qui pètent.
Maintenant, ouais, à l'époque, À quasiment l'époque, il y tous a les... tout qui Si tu... pétait. S'il y a 2 mois, tu investissais sur n'importe quoi, aujourd'hui, tu revends, tu as fait x20. D'accord. Ouais. Oui, parce que tu as eu l'engouement, en alors que fait. maintenant, il y a tellement de projets, je t'ai dit, il y en a tous les jours, hein. Ouais, c'est compliqué. Compliqué. En fait, s'il y a un autre engouement, tu vois, et que ça répète au niveau de la Binance Smart Chain, là, par contre, ça risque de tout répéter, peu importe le projet. Le problème, c'est que là, il y a eu l'engouement, et le temps que l'engouement redescende, eh ben, c'est là que les projets sont mis arrivés tous les jours comme ça, arrivés d'un coup. Ah oui. Et c'est con, parce que les projets sont là, mais l'engouement, il est un peu moins là. Ouais. Et puis, le marché corrige, donc ça Oui, donne encore moins forcément, envie aux forcément. gens d'en acheter. Mais je perds pas espoir. Moi, je pense que si voilà, Bitcoin peut repartir légèrement au niveau de la hausse, ça devrait être plutôt bon aussi au niveau des Non, actions. pareil, Au je perds pas niveau espoir. de la Binance Smart Chain. Mais sur le court terme, pour l'instant, C'est c'est moyen, dur quoi. de voir Ouais. ça partir, quoi. D'accord. Ok. Non, c'est cool. Non, mais les gars, arrêtez de troller avec Dino. Non, c'est pas possible. Je vois que Sinon, pour ça. parler d'un projet plus sérieux, il y a Helmet. Ah Je crois oui, tu en as parlé tout à l'heure. j'ai vendu ma femme mes gosses pour dîner. Je crois que Ouais, le site c'est helmet.io. Donc Helmet comme un casque. ouais. Helmet. Je crois que c'est .io. Tu me dis si t'es dessus. Ouais, je l'avais vu sur CoinMarketCap. On l'avait même vu sur. Ah non, je sais pas si je l'avais vu sur. Ah mais attends, mais je crois que je Ah l'ai non, c'est passé en live, helmet.io. J'ai dit Helmet. des bêtises. Non, c'est pas ça. Changer. Bêtise. Oh, Helmet Finance. Ah bah, je pue. Oh, dommage. Attends, je vais sur CoinGecko. Je sais que sur CoinGecko, Oula, il y a ça les liens. bug. Je bug. Genre, sur CoinGecko, tu tapes Helmet et t'as le lien du site. Ouais. Ah, c'est point insure. Ok. Tiens, attends, je Ah, mais t'envoie le lien sur Discord je si tu l'ai, de veux. toute façon. Ok, tu l'as. Helmet Pointer. Ouais, c'est bon, je l'ai sur CoinMarketCap. Et Ouais, ça, sur ce site. c'est un token d'assurance. Donc, c'est un peu comme. Ah, intéressant ça. Comment ça s'appelle? Sur Ethereum, il y en a un. Comment ça s'appelle? Oui, j'ai oublié. Ah NUTL, putain, je j'ai crois. oublié. Comment? Nexus Mutual, je crois. Oui, c'est ça, Nexus Mutual, et t'as aussi t'en as un autre aussi, je Oui, crois. il y en a un autre, mais je sais plus. Faut que j'aille voir sur DeFi Pulse. Bon, s'il y a plus. Ah, ça, j'aime pas avoir des trucs comme ça. Ah oui, Synthetix. Ah, c'est pas lui que je pensais. Attends, Je sais attends, pas t'as. pourquoi. Non, c'est ça, c'est dans les Derivate. Synthetix, Nexus Mutual. Oui, Nexus Mutual, au niveau de l'assurance, il est assez connu. Et c'est à Nexus que moi je pensais. Et lui, Helmet, il est dans l'assurance, mais au niveau de la Binance Smart Chain. D'accord. Ah, intéressant. Mais il est quand même assez gros, lui. Ouais, il est assez gros par rapport à Dinoswap, hein, Oui, pour le reprendre. c'est sûr. Il est assez gros, hein. Je sais pas combien il pèse. Je sais pas s'il y a sa... Non, il n'y a pas sa market cap. Si, si, allez. 17 millions. Allez. Okay. Moi j'étais sur CoinGecko, je l'avais pas. Ouais, 17 millions, c'est pas beaucoup. Ouais. Oui, après, c'est 80 millions de ridicule. dollars. C'est énorme par rapport à un Pas dino, beaucoup. mais par rapport à d'autres, c'est vrai que c'est ridicule. Exactement. Et c'est pour. Après, là, il a bien corrigé en plus. Donc, Ouais. il commence à devenir intéressant, je pense. Intéressant, ouais. Après, j'ai déjà investi dessus il y a un moment. Mais tu sais que juste avant que tu viennes, je crois qu'il y a y a un abonné dans le chat, il m'a dit, regarde Helmet, au niveau de la Ah, c'est DeFi. pas impossible, hein. C'est pas Et du impossible. coup, je l'ai analysé, genre juste avant que tu viennes, mais sans savoir que tu connaissais ce projet, il me semble. Je suis pas sûr. Ah non, c'était un autre. C'était Hermès, je crois, c'était pas Helmet. C'était encore un autre. Ouais, je confonds. Mais et lui, Ah. depuis longtemps? T'as investi il y a longtemps, toi, dessus? Ça doit faire un mois, je crois. Ouais. Attends, je vais retrouver C'est vite fait. fin janvier. 14 janvier, ça fait un peu plus d'un mois. D'accord. Ah Je l'avais oui! acheté à 9 centimes. Ouais, d'accord. Tu t'es mis bien. C'était incroyable. C'est vrai que là, c'est incroyable. Après, je sais que j'en ai racheté vers 50 centimes, mais au début, j'en avais acheté à 9 centimes. En vrai, là, Binance Smart Chain, ça peut qui tout double, hein. Vraiment pour les prochaines semaines, Ouais, prochains parce mois. que si tout ce qu'il y a par rapport autour des layers 2 sur Ethereum, ça se développe de plus Ouais. en plus vite. Ça, c'est chaud. Pour Binance Smart Chain, ça va être chaud Si de se relancer, mais. ça sort en gros avant qu'il y ait la prochaine altcoin season, ça va être difficile pour Binance Smart Chain de Ouais. repartir. De repartir, ouais. Bah, ils vont forcément monter, tu sais, vu qu'on est en bull run. Mais ça va pas être Ouais, un peu. aussi Mais bien que, tu vois, les tokens de DeFi du côté des si c'était Ethereum. tout seul, quoi. Ouais. Par Enfin, contre, par tout seul, j'entends avoir des frais raisonnables. ouais, c'est ça. Par contre, si les layers, tu sais, ils mettent quelques temps à arriver, même genre, je pense, un mois, 2 mois, tu vois, le temps que l'Alcatel revienne, ça peut largement suffire à la Binance Smart Chain pour C'est pas repartir. tant, ouais. Ouais, c'est sûr. Mais ouais, aux gens qui veulent investir sur ça, je conseille vraiment de bien suivre tout ce qui est altcoin season, les layers 2 d'Ethereum.
pour voir où en est le marché et Ouais. pour voir vers où les gens pourraient se positionner. Ouais, grave. Et là, je vois, je suis sur les poules de farm au niveau de Dinoswap. T'en penses quoi, toi, de tout ça, tu sais, des farms, des poules, machin, sur ce genre de projet comme Dino? Parce que je vois des rendements, mais c'est n'importe quoi. Alors, les rendements, 1700%. ils sont en dino. Donc, c'est bien, mais c'est à l'instant T. C'est-à-dire que si dino, il est divisé par 2, bah, tes D'accord. rendements aussi. Ah ouais. Mais là, par exemple, Ah oui, d'accord. Donc là, par exemple, je vois que, par exemple, il y a ETH. Ouais, mais c'est n'importe Ouais. quoi. Là, je vois, par exemple, USDT, c'est 3000%. Donc si je mets de Alors, l'USDT dans la poule, 3000%, ça va. 3000%, ça va? Sur des projets comme ça va. Parce qu'en Mais c'est général, au énorme! début, les rendements sont très élevés. Après, ils descendent, mais ils restent parfois dans les centaines de pourcents. D'accord. Ah oui, c'est vrai que là, c'est vraiment que le début, quoi. En général, Mais ouais, si tu vas sur. je vois souvent Va, 500%, bah, 200, 300. retourne sur Bifty Finance. Ah oui, Bifi Et tu as Finance. des rendements qui sont bien au-dessus du million de pourcents, des fois. Des Non. fois au-dessus du milliard. Des fois au-dessus du billion. Non, tu C'est pas des rigoles. blagues. Mais Non, je rigole pas. alors, le risque, il doit être énorme. Le risque est énorme, mais en général, quand tu déposes sur Bifi Finance, tu as quand même un minimum de sécurité. D'accord. En fait, le risque, il est plus dans le fait que le prix du token, il peut s'approcher de zéro facilement. Oui. Ouais, c'est ça. Et tu vas où pour voir ça? Bah dans Ah, mais le problème, c'est qu'avec Bifi Finance, ça lag de ouf de ma connexion. Attends, je vais le fermer. C'est embêtant. Ouais, ça fait chier. C'est vu que j'ai une connexion de merde. Tu sais, genre, dès que tu ouvres Bifi Finance, genre, il y a tout qui charge. Attends, sinon il y a supra.finance. Peut-être tu peux le voir les intérêts sans connecter ton wallet. Je sais pas, attends, je vais Ouais, vérifier. je vais regarder. Ah bah Parce non, tu que peux pas. le problème, c'est que. Ouais, je sais pas pourquoi, Bifi Finance, là, tout à l'heure, ça faisait pareil. Ça buguait parce que ça faisait tout charger. Mais là, déjà, sur Dino, c'est quand même énorme en termes de pourcentage. T'as quoi comme risque? Le risque, c'est que le token Dino, il plonge, ou alors que, tout simplement, il y a un problème sur le protocole aussi. Ou Exactement, alors soit que t'as qu'il un se fasse hacker, soit qu'il plonge. exit scam, c'est possible aussi sur ce genre de plateforme. Bah, sachant qu'ils ont retiré le code dont j'ai parlé, je ne sais pas s'il y a d'autres manières pour eux Ah de oui, tu faire m'en un avais exit parlé, scam. ça. Ça, c'est pas mal. Le truc qui permet de retirer les fonds, quoi. Après, je sais pas s'il y a d'autres manières de retirer les fonds. Donc ça, c'est pas mal. Mais attends, mais 2000%, c'est sur quel time frame? Annuel. Ouais, annuel, ouais. Ok, Annuel. donc en un jour, au final. Attends, je vais regarder 3000. Après, tu as deux types d'intérêts. Tu as les APR et les APY. APY, c'est si tu prends en compte le fait que en anglais, ça se dit compound, mais en gros, c'est que tu réinvestis tes gains. Ah, d'accord. Donc APR, c'est quoi? C'est quand tu réinvestis pas tes gains. Voilà, c'est ça. C'est, par exemple, tu mets 1 000 $ et à la fin de l'année, si tu as 30% d'APR, bah, tu as gagné 300 $. Voilà. Ah ouais, d'accord. Donc c'est Après, moins intéressant, APR. les intérêts sur la Binance Smart Chain, ils bougent tout le temps. Ouais, c'est ça. Mais là, j'ai vu par exemple 3000%, ça fait 8% par jour. C'est énorme. Mais après, c'est pas tenable, quoi. À long terme, ça, t'es sûr que dans un an, ce sera plus là. T'as une grande chance. Ah oui, même dans un mois, je pense. Hein. Ah, dans un mois même. Ça, en vrai, tu vois. D'ici une semaine, ce sera déjà 400%, peut-être, même Ouais, moins. d'accord. Je Ouais. connais ce genre de projet. Et les premiers jours, c'est cool, mais après ça baisse D'accord. bien. Et je me souviens, il y a un truc sur lequel j'avais investi. Non, ça a bugué. Sur un agrégateur de yield. Ah, Donc, vas-y, attends, ça a comme bugué. Bifi Finance, j'avais tout Redis-nous. déposé. Ça bug? Ouais, ça a coupé de mon côté. T'avais dit, Bah, t'avais investi sur quoi? sur Brew, Ok. BREW. Donc, c'est le token de CafeSwap. CafeSwap, tu peux aller dessus. C'est pareil que DinoSwap. Ah oui, ça me dit un truc. J'en ai entendu parler dans le chat. Il est un peu connu, CafeSwap. Il est bien. Est le plus connu. Mais pareil, sur le long terme, je ne sais pas si ça va Ouais, faire c'est chaud. de belles performances. Ouais. Et c'est lui, j'ai dit qu'il avait pump récemment parce qu'il a été listé sur Bifi Ah Finance. oui. D'accord. Et toi, t'avais pu jouer un peu là-dessus? Bah ça, j'en ai acheté dès que j'ai connu le projet. Ok. Ah oui, donc au tout début, quoi. Et du coup, là, tu vois, si tu stacks tes Brew BUSD, par exemple, sur la plateforme, tu Ah as oui. 1 600% d'intérêt. Brew, c'est leur token. Ouais, c'est leur token.
Ouais, c'est en APL. Sauf que si tu vas sur un agrégateur, Ah, t'es encore mieux. tu as des meilleurs intérêts. Du coup, j'avais Ah. été sur Suprafinance. Attention, là, c'est compliqué. Suprafinance, c'est un fork de Bifi Finance. Oh non, ça veut dire Ok? que Bifi Finance, Du déjà c'est fork. chaud, mais alors là c'est un fork de... Oh, incroyable. Du coup, j'ai Et... quand même mis dessus, alors que c'est risqué. Un fork, c'est encore plus risqué déjà. Hein. Attention, il peut y avoir des exits scams du jour au lendemain. Ah ouais, Mais après, c'est je pense que sûr. le projet est sérieux finalement. Attends, mais Mais du du coup, coup, j'avais mis mes. c'est J'avais n'importe mis mes quoi. tokens dessus, sur Suprafinance. Et D'accord. j'avais au début 20% d'intérêt par jour. Mais c'est énorme. Oh, Et je crois que c'est je les ai laissés une 6000% semaine. peut-être. Et en plus de ça, le prix du token, il a augmenté. Non, Il a mais fait genre x4. what? Du coup, Mais j'ai fait des what? rendements. J'ai mis 50 dollars. Je crois que j'avais 500 dollars en 4 jours. Mais non, mais what? T'as fait 1000%, t'as fait 1 x 10 en 4 jours. Ça, c'est le genre de projet. C'est du pifomètre. Il y a plein de projets sur lesquels j'ai mis 50 dollars et soit Oui, j'ai tout perdu parce c'est ça. que exit scam, ou soit maintenant ça vaut 2 dollars. T'en as peut-être un Des sur fois, 10 il y a qui a des projets marché. qui me réussissent, mais là, je ne vous ai pas dit tous les projets sur lesquels je me suis couillé, quoi. Ouais, c'est sûr. Putain, mais incroyable. C'est incroyable. Mais attends, mais si je comprends bien, genre, CafeSwap, c'est un fork déjà. Et SupraSwap, c'était aussi un autre C'est fork, mais c'est aussi un un fork. agrégateur. Utiliser d'autres forks. Là, Et tu vois, d'ailleurs, là, donc. c'est encore sur CafeSwap, ils ont été audités par Certic. C'est eux. Mais c'est n'importe quoi. Toi, t'as investi sur un agrégateur qui est un fork, qui investit directement sur un fork, sur un autre fork du genre de CafeSwap. C'est n'importe Mais quoi. j'ai fait ça avec une petite somme. Hein. Je suis pas Ouais, c'est fou. sûr. C'est sûr. Ah, mais c'est Et intéressant en tout ouais. cas. Et si vous investissez sur des tokens et qui d'un coup, ils explosent, remboursez-vous. Ah ouais, Vous pouvez vraiment. en garder un petit peu, mais Parce que remboursez-vous au minimum. en général, ça dure C'est pas. que ça peut partir à zéro du jour au lendemain. C'est ça. Ouais, c'est ça. Faut se rembourser au minimum. Exactement. C'est exactement ça. Et au moins le reste, tu vois, Si c'est du bénéf. vous avez un, si Dino demain il a 3 dollars, je vous conseille au moins vendre pour rembourser ce que vous avez dépensé dessus. Non mais là, j'ai peur, Dino. J'ai vraiment peur qu'il y ait plein de gens qui se mettent dessus. J'ai même pas envie Mais... d'aller voir, j'ai pas envie d'aller voir. Non mais c'est Je sais pas n'importe combien quoi. il Sa market cap, elle est à 120 milliards. 120, 120 000. y Non mais les gars! Les gars, a. arrêtez avec Dino, putain de merde. Non mais vraiment, il y a plein de gens qui en sortent plus bés là, je le sens. Ah, Les je viendrai pas gars! pleurer, hein. Non mais les Je gars, viendrai pas non mais, pleurer. on vous aura prévenu. Dino, 10 dollars ce soir. Non les gars, s'il vous plaît, arrêtez vos conneries. Mais on a présenté Dino, depuis qu'on l'a présenté, il a fait x2 sur ce market cap. Ouais. Au moins, tu vois, tu... J'espère pour vous que ça va marcher, hein. J'espère pour vous que le projet est vraiment sérieux et qu'il va prendre de Putain. l'ampleur, hein. Il était combien avant? Bah, le market cap est à 50 000. Il est passé à 114 000. Non Les mais les gars, c'est 50 000, pas il est possible. tranquille. Mais ce qui me fait peur, c'est que je me dis qu'il y a peut-être 60 000 dollars qui ont été mis de la part des abonnés. Non, J'ose mais c'est espérer n'importe qu'il quoi. y a un facteur externe Ah, j'espère. à J'espère. De cette hausse. toute façon, on peut pas Bah empêcher les là, gens, sur là. leur dernier tweet, il y a écrit qu'ils sont listés sur CoinCodex. Je connais pas, mais si ça se trouve, ça a aidé. Hein, voilà. Et c'était quand leur dernier tweet? Je crois que c'était il y a une heure. Ouais, Ah, c'était il y a peut-être. une heure. Bon, on sait jamais. C'est peut-être ça. Ouais, on va dire que c'est ça. Mais au moins, ouais, de toute façon, on peut pas empêcher les gens de le faire, donc s'ils veulent, ils le font. Non, bah non, je vais Ouais, pas c'est sortir ma sûr. tête de leur écran et leur filer l'or. N'investissez pas. Regarde, je me suis abonné à leur Twitter. On va leur faire un gros raid. Allez, Le liker leur moule. post. Ah, c'est vrai qu'il y a une heure, ils ont mis ça, ouais. We are listed Congex. Je connais même pas, ouais. On est pas très connu, mais. Oh, Pas non Coinbase plus. sur Twitter, ils ont quand même 16 000 abonnés. Ah, c'est pas mal. Oh, mais Coinbase, ça me dit un truc. Ah, mais c'est peut-être Moi, pour ça me ça dit rien du tout. alors. C'est peut-être pour ça qu'ils ont leur. Oui, c'est peut-être pour. Ouais. Mais j'espère, parce que s'il y a 60 000 euros qui ont été mis de la part des abonnés là en une heure, franchement, je Le pète un fou. câble. Je me dis, putain, mais c'est pas possible. Cette puissance de frappe. Je vais voir sur Coin. Parce que c'est même pas du coup à combien il est leur prix. Le token, tu peux pas le savoir? Tu le vois où? Si, bah, il n'y a que sur leur site que tu as le prix. Ah oui, tout en Sur bas! DinoSwap, tu as le prix Ah oui, tout en bas. il a 60. Oh, Il est désolé à pour le micro, 61 il est à centimes. 60 On a trucs. commencé le live, il était à 26. Non! Si. Mais non! Mais Si. what? Mais en même temps, sa market cap, elle a doublé. Oui, sa market cap elle est tellement basse qu'il peut faire un x10 tranquille. Mais il peut surtout se faire hacker, encore une C'est fois. ça. Ah, j'aurais pas dû Il dire peut se qu'il faire pouvait faire un pomper. x10, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont le mettre Les dedans. gars, il peut faire un x10, mais il peut faire moins 100%. Il peut redescendre à zéro. Mais oui. C'est incroyable en vrai.
Choqué. Ok, bah c'est cool. Et si tu veux, par exemple, mettre, tu vois, la farm, parce que j'ai déjà essayé sur du côté d'Ethereum, mais Binance, j'ai pas encore eu le temps d'essayer, mais ça pourrait être pareil. Tu vois, quand tu mets, par exemple, dans une pool, tu vois, dans le farm, et par exemple, toi, tu veux mettre dans la pool de USDT, et ben tu poses des USDT avec ton MetaMask, et ils sont bloqués dans la pool, en fait. C'est ça. Et ça te génère Par les contre, pour rendements. tout ce qui est ce genre de pool là, je crois que sur DinoSwap, c'est pas écrit, mais comme c'est un fork de, je crois que c'est GooseDeFi, si je dis pas de bêtises, peu importe. Il me semble que tu as 4% de frais quand tu déposes. Ah ouais, quand même. Sauf sur le token Dino, parce que c'est le token de la plateforme, il y a 0% de frais. Mais va sur GooseDeFi, GOOSE, DeFi, et je sais pas c'est quoi la fin, le point quoi. Attends, c'est Mais GooseDeFi.com. ok, bon, comme je regardais, je suis en train de voir un truc. Tu vois, sur Dino, Ouais. tout à l'heure, la poule de USDT, elle était à 3000%. Est-ce que c'est normal que Ouais, c'est descendu 3000. à 800? Ça a descendu là? C'est descendu? À 800. J'ai peur que les abonnés ils soient allés dans la poule. Ah, c'est pas Putain, impossible. mais c'est des fous en vrai, ils ont fait ça. Après, Fais en gaffe, soi, fais c'est pas gaffe. plus mal qu'à la place, ils déposent des USDT plutôt C'est qu'ils vrai. achètent des dinos, C'est tu moins vois. risqué. Non, quoique. Bah si, parce que du coup, tu farmes gratuitement le dino. Ouais, voilà, enfin gratuitement. Comme j'ai dit, regarde, si tu vas sur GooseDeFi et que tu vas dans Nest, tu vois, c'est écrit en gros, il y a 4% de frais. Attends, Nest, où est-ce que tu le vois? C'est à gauche, comme c'est le même logo que Pool de DinoSwap. Ah oui, je suis con. Je ne vois pas. C'est pas grave. Ah oui, t'as 4%. Et sur Dino, t'as Voilà, donc combien? c'était pas... si tu Dino, t'as déposes 100 zéro? dollars, en fait, tu déposes que 96, ils vont Ah prendre oui. 4 dollars. Goose. Après, c'est pas non plus énorme, 4%. Enfin, quoique, C'est pas énorme, mais tu c'est quand prends même le temps à beaucoup. les Si, si. rembourser. Hein. C'est vrai, t'as raison. C'est vrai, Avec t'as des raison. intérêts à 100%, tu prends au Ouais. moins une semaine à les rembourser, Ah c'est ouais, pas plus. Hein. ça pique. Mais sur Dino, t'as des intérêts? Bah, des intérêts ou des frais? Des frais, je veux dire. Qu'est-ce que tu racontes? Ouais, des frais. Bah, c'est pas écrit, c'est pas explicité. Du coup, moi, j'ai pas déposé, j'ai pas vérifié. Peut-être il y a Ouais. des gens qui peuvent le dire dans le chat, Ouais, mais. s'il y en a qui ont essayé, si vous voulez dire. Mais Peut-être, je pense que c'est si c'est comme sûr. GooseDeFi, ils ont 4% Ouais, de frais. ça pique quand même. Toutes les plateformes comme ça qui proposent ça, ils ont 4% de frais. Donc je vois D'accord. pas pourquoi Ouais. ils auraient 0%. Après, quand t'as 7000% de rendement, tu rembourses plus vite quand même. En quelques Oui, c'est heures, sûr. en même pas une journée, ouais. Après, tu rembourses plus vite, mais je te rappelle que les intérêts sont en dino. Donc si dino, C'est vrai, c'est vrai, demain, c'est il est vrai. à 0$, là, tu rembourses rien du tout. Mais attends, mais du coup, si par exemple toi tu mets dans la poule là de USDT et que tu vois le dino il s'effondre, tu peux quand même récupérer tes USDT. Oui, tu peux les récupérer, tes USDT, bien sûr. D'accord. Donc en fait, quand tu mets dans une poule, tu risques rien. Le seul, enfin, si, le risque c'est que la plateforme ferme par exemple. Exactement. Enfin, même si tu peux plus accéder au site, la pool, elle peut encore être accessible. Alors, c'est très, 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 très dur d'accéder à une pool comme ça. Oui, Je ne vais d'accord. pas rentrer dans les détails, mais c'est pas impossible. D'accord. Ok. Ah, c'est intéressant. Mais après, ce qui est cool, c'est que tu vois, par exemple, si tu te déposes dans un pool USDT et tu crées du. Enfin, C'est un tu. chouïa moins risqué. Ouais. Et par exemple, tu as des intérêts de Dino. Après, Dino, tu peux les remettre dans la pool de Dino. Exactement. Ah, ça, c'est bien. Ça, c'est En pas mal. fait, ça, ce genre de truc, c'est cool, c'est si le dino il prend de la valeur. Ouais, c'est ça. Ça, c'est bien. Mais en fait, ce genre de. Les intérêts, je faisais beaucoup ça en janvier. Mais maintenant, je le fais presque plus C'est parce plus que rentable. dès qu'il y a un projet qui est listé, le lendemain, tu sais qu'il a fait un moins 60%, hein, si c'est pas D'accord. plus. Enfin, D'accord. moins, du coup. Ouais, ça peut faire pareil pour le dino, quoi. Il peut se prendre à moins 60% Pareil, il y en a un deux ans. projet que j'ai découvert récemment, ça s'appelle Salt Swap. Je vous conseille surtout pas d'aller dessus, c'est un des pires. Le token, quand j'ai découvert le projet, il était à 300$ et maintenant, je crois, il est à 5$. Donc, il a perdu presque Attends, il est 100% à ce passé de niveau-là. 300 à 5 dollars? Oui. Donc D'accord. c'est pour ça, ce genre de projet, Dites-vous, dites que les gars, que Dino, ça peut faire largement faut faire pareil. hyper attention. Il y en a un Ouais. sur 10 qui fonctionne, C'est ça, c'est ça. maximum. C'est Ouais, parce c'est qu'il y en a ça. trop, en fait. Maintenant, il y a Ouais. beaucoup trop. Il y a plus d'offres que de demandes C'est maintenant. ça, C'est aussi simple que ça. il y en a un qui sort du lot, mais c'est rare. Du Très coup, moi, rare. je vous conseille vraiment d'aller sur les plus grosses plateformes, déjà parce que c'est moins risqué. Ouais. Donc Pancake Bunny, AutoFarm, Ouais. Bifi Finance, PancakeSwap. PancakeSwap, ouais, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme grosse plateforme?
C'est pas une grosse plateforme, mais Panda Yield et Café Swap, c'est pas mal aussi. Ouais. Parce qu'ils ont été audités. Mais c'est vrai que les dinoswaps, tout ça, faut faire gaffe, les gars. Mais c'est quoi le multiplicateur, là, en violet, à droite, juste en dessous? Par exemple, Dino, je vois qu'il y a x10, 10 fois. En gros, les récompenses, elles sont 10 fois plus élevées que le taux de base. Il y a ça aussi sur PancakeSwap, sur toutes les plateformes. C'est que, par exemple, imagine que la récompense, c'est 1 à chaque bloc. Et ben là, sur Dino, ce sera 10. Mais ça change pas le rendement. Non, ça change pas le rendement. Enfin, okay. Sauf si le multiplicateur il change. Si le multiplicateur il change, le rendement il change. Ok, ouais, d'accord. Et sur AutoFarm, les rendements changent de temps en temps. Et tu vois quand ils changent. Là, si tu vas sur AutoFarm, je crois qu'il y a des changements qui a écrit, ça, ils changent dans genre 20 heures ou un truc comme ça. Ah oui, d'accord. Ils bougent. C'est bizarre que sur DinoSwap, tu peux pas stacker du BNB. Enfin. Si, tu peux stacker du WBNB. Wrapped BNB. Ah, je l'avais pas vu. Ah oui, exactement. Ouais. Eh oui. Je l'avais pas vu. Ah oui, ça reste. Mais cool. Moi, je vous conseille de garder vos BNB et de pas les mettre là. Hein. Ah non, n'allez pas mettre vos BNB là-dedans. Surtout s'il y a 4% de frais, s'il y a 4% de trucs, perdez 4% de vos BNB. Eh moi, oui, je vous dis tout de suite. Hein. Les gars, faites gaffe, vraiment. Depuis tout à l'heure, on est dessus là, mais faites gaffe, vraiment. J'ai juste envie de voir un truc. Oui, regarde. Si vous avez envie de faire des sous, c'est parfait, Token, hein. Il est passé à 70 centimes. Ça apporte quoi? Il y a 135 000. En vrai, les gars, faites gaffe, vraiment. Belle chute ce soir, mais oui, je suis sûr. Demain j'irai voir, mais je suis persuadé que le market cap va légèrement... Demain, il est à 10 centimes. Demain, il est à 10 centimes. Ouais. Non, mais... Oh, il y a comme ça, troll dans le chat, ça me tue. Je veux un NFT Dino. J'ai vu un mec qui disait... 2055, Dino, c'est la future, future monnaie. Après, il y a plein de projets comme ça qui vont se lancer dans les NFT. Je crois qu'il y a CaféSwap, je suis pas sûr, qui va se lancer dans les NFT. Il y a déjà BakeSwap. Bakery Swap qui ont le token Bake, il y a des NFT dessus. Ah oui, il y a moyen. Ouais. Ah, ça c'est aussi, c'est en train de se développer. On peut acheter des NFT dessus. Ouais. Ah, il y a moyen. Là, c'est donc, pas mal. Les NFT ça se développe aussi au niveau de la Binance Smart Chain. C'est pas terrible pour l'instant, mais c'est là, ça a le mérite d'exister. Ouais. Mais ça peut se développer pas mal. Enfin, ça tout dépend aussi ouais, de la Binance Smart Chain aussi. C'est vrai que ouais. Là en fait, là c'est une niche, d'une niche. Ouais, exactement. Sur une niche d'une niche, c'est chaud. C'est ça. C'est chaud, ouais. C'est assez chaud. On peut... Les gars, faites gaffe avec Dino. Je vois que des commentaires là-dessus. Mais non, arrêtez. Dites pas au Dino. Non, vraiment. Ça troll dans tous les sens. Faites gaffe, les gars. Faites gaffe. J'ai vu un mec qui a dit « Attention, Crypto Future, regarde sur Internet, ils ont repris les logos des dinosaures. » Ah, mais ça, c'est pas bien grave. De toute façon, Dino, oui. Dino Swap... C'est, de toute façon, les gars, faut vous dire qu'ils ont fait ça en peut-être une journée. Ils ont fait un fork. Exactement. Ils ont fait un fork, DinoSwap, de toute façon. Bien sûr, si quand ils auront les moyens, ils paieront un graphiste au pire si leur projet est sérieux. Ouais, c'est ça. Dino égale Lambo. Pour un projet, je mets une toute petite partie de mon capital. Je mets un petit billet dedans. Et s'il marche, tant mieux pour moi. S'il marche pas, tant pis pour moi. C'est ça. Les gars, comment je vois des trucs. Dino égale Lambo, je vends ma voiture pour Dino. Les gars, mettez 5 balles, même pas 10 balles sur Dino, pas plus. Les gars, faites gaffe, vraiment. J'ai trop peur qu'il y ait des gens qui se plantent. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Mais ce que j'aime bien, l'avantage de Dino par rapport aux autres plateformes, enfin le petit avantage qui peut être pas mal, c'est que ce que tu disais au début, c'est que vu qu'il n'y a pas le code pour qu'il y ait un exit scam, ça c'est pas mal. Mais après, il est pas le projet, il est pas audité par exemple, donc oui, il a pas été vérifié par quelqu'un de sérieux. C'est ça. Ouais, il faut dire que les gars, le projet, c'est audité. Ouais. Pancake Bunny, c'est du sérieux quoi. Et vous avez quand même des intérêts à 400%. Ouais. Ça déconne pas. Ouais. Grave. T'es si sûr. Vous avez du cake, d'ailleurs, je vous invite à aller les staker sur Pancake Bunny et pas sur Pancake Swap. Déjà, parce que sur PancakeSwap, ils peuvent partir du jour au lendemain. Bon, ils font pas ça, mais il y a très peu de chance. Le code y est. Ouais. Donc ça, c'est déjà assez chaud. Ouais. On sait jamais. Parce que regarde, tu vois, il y a des trucs comme Bitfinex qui étaient... que je raconte, BitConnect, tu vois, qui étaient énormes. Tu vois, ils avaient plusieurs milliards et au final, ils sont tous partis. Donc PancakeSwap, c'est peu probable, mais il y a toujours le risque. Donc c'est vrai que passer par Bunny, c'est mieux. Après, toi, dans tous les cas, s'ils font ça, leur token il va dégringoler. Donc, je dis ça, mais ils ont aucun intérêt à faire ça, PancakeSwap. Ouais, oui, c'est sûr. Ah bah oui, mais ce serait débile de leur part. Oui.
C'est comme si Uniswap partait avec tous les fonds. Et juste par rapport aux intérêts, je vous conseille vraiment de mettre vos cakes sur Pancake Bunny. Parce que vous allez gagner du cake et du bunny. Ouais. Et ça, c'est un agrégateur, c'est ça? Exactement, je m'hydratais, désolé. Pas de soucis. C'est un agrégateur, t'as dit comment déjà tout à l'heure? Un agrégateur. Tu sais que ça, je savais même pas. Compliqué. Ouais, je connaissais même pas agrégateur tout à l'heure. Tu m'as pris pas mal de trucs. Et Autofarm, c'en est un aussi. Ah oui. Ah oui, Autofarm, après, oui, Autofarm, ouais. Et je savais pas le terme de agrégateur. Ouais. C'est vrai que c'est intéressant. Très intéressant. Bon, on va se quitter. Je crois qu'on va se quitter là-dessus parce que ça fait quand même longtemps qu'on stream. Deux heures. Ouais. 2h15. C'est vrai que c'est ultra cool. Hein. Ultra intéressant. Franchement, j'ai kiffé. Parce que t'es calé quand même. Ça se voit, genre, t'es calé. T'as appris plein de trucs. ça se voit que t'as passé du temps. T'y passes combien de temps à peu près tu regardes tous les jours? Je regarde quasiment tous les jours chercher des nouveaux projets ou quoi. Ouais. Ouais. Ça prend du temps quand même. Après, des fois je regarde les projets et je les suis pendant quelques jours et je regarde s'il y a des nouveaux trucs qui arrivent dessus ou pas. D'accord. Je regarde le prix des tokens, comment ils bougent. Ouais, tu mets une petite routine où tu regardes un peu. Ouais. En général, les projets avant d'investir dessus, des fois je les regarde pendant une petite semaine et si le token il a fait genre à moins 90%, des fois je rentre à ce moment-là. Ah ouais, ah c'est bien ça. Ah, c'est bien. Après. Des fois, j'ai eu des cas où le token il fait moins 90%, je rentre et il refait moins 90%. C'est pas impossible. C'est pas incroyable. Ça, c'est incroyable. les tokens de la Binance Smart Chain, des fois, ils sont forts pour descendre. Hein. Ça va dans les deux sens. T'sais, ça peut monter très vite, mais ça peut aussi descendre très fort. Très fort. C'est sûr, c'est sûr. Mais là, je ferai plus de coups où je ferai des fois 40, comme quand je suis rentré en janvier. Ça, je pense que ça. C'est possible hein, si ça reprend de l'engouement, mais ça va être quand même chaud. Même si ça reprend de l'engouement, il y a tellement de projets maintenant que je pense pas que ce soit possible encore d'avoir des énormes rendements comme ça. Ouais, c'est sûr. Et si jamais, tu vois, genre la Binance Smart Chain, tu vois, elle est un peu mise de côté là, parce que tu sais, t'as la Layer 2 qui arrive et tout au niveau d'Ethereum, tout ça. Toi, tu vas te pencher plus sur quoi du coup? Tu vas continuer sur Binance Smart Chain ou tu vas essayer de découvrir de nouveaux trucs? Enfin, de nouveaux secteurs. Bah là, je me suis un peu aventuré sur la UOB Echo Chain. Ah oui, oui, tout à fait. Je pense pas l'utiliser, je pense j'ai juste acheté un peu de tokens qui sont utiles dessus et je les garde. D'accord, ouais. Ouais, ça peut avoir le coup. Et au niveau de Polkadot, tout ça, tu t'es intéressé un peu? Polkadot, ça m'intéresse pas tant que ça. J'ai acheté du DOT quand il était à 5$ et je les ai gardés, c'est tout. Moi, exactement pareil, tu vois, j'en ai acheté au début et au final, tu vois, je m'intéresse pas trop à leur blockchain et tout, à l'écosystème. J'ai dit, c'est sympa, on peut connecter les blockchains, ok, cool. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que je trouve pas que c'est révolutionnaire. Ouais. Mais je sais pas, sur le long terme, je sais pas ce que ça peut donner. Ouais, on verra. Hein. Mais en vrai, je pense que c'est mieux de trouver un domaine, se spécialiser dedans. C'est ça. Parce que c'est là aussi où vous allez être. En fait, quand t'es spécialisé dans un domaine, t'es irremplaçable. Performant. Tu vois, et genre, c'est là où tu fais le plus de plus-value, entre guillemets. Ouais. C'est là où t'es le plus. Après, c'est bien de regarder un peu ce qu'il y a à côté, mais vraiment, spécialisez-vous dans un truc. Et tu vois, ça, c'est un problème de l'école aussi. À l'école, il t'apprend à être moyen de partout. Et au final, c'est très mauvais. Il faut mettre très bon dans un seul domaine. Exactement. Que être moyen de partout, tu vois. Bon, exactement. C'est comme ça. Bon, bah ok. On va se quitter là-dessus. Je pense que tu pourras repasser, je pense. Je sais pas, peut-être on refera là. Parce qu'il y a beaucoup de monde sur la liste. Mais c'est vrai que c'était vraiment cool. On a appris plein de choses. Je pense que le chat, on a appris aussi plein de choses. Oh, j'espère qu'on va tous faire fortune avec Dino, on verra. On repassera. Ce sera drôle si on refait un live ensemble dans quelques mois. On pourra voir Dino où il en sera. Ça se trouve, il sera super haut. Ou alors super bas, à zéro. Pour Dino, ceux qui ont mis des toutes petites sommes, gardez-les longtemps, on sait jamais. Ouais, gardez-les long terme. Mais mettez vraiment des petites sommes, les gars. N'allez pas mettre votre livret sur Dino. Vous avez plus de chances de perdre. Ok. Et sinon, ouais, bah, je pense pas peut-être tout de suite, mais pourquoi pas d'ici quelques mois refaire un point sur Binance Smart Chain si ça a bougé, etc. Ouais, ça peut être vraiment cool. Ou alors là aussi, on pourrait parler pourquoi pas aussi de la UOB Chain, je sais pas comment ça s'appelle exactement. Ouais, si ça a beaucoup bougé, Echo, pour faire rapide. Ouais, c'est ça, si tu t'y intéresses tout, ça pourrait être cool. Ok, bon, bah on va se quitter là-dessus alors. Et celle de crypto.com aussi. Ah, oui, il y a aussi. Tu vas t'y intéresser de ce côté? Je vais regarder un petit peu quand elle sera lancée et. On pourra toujours en reparler. Ouais, ce sera intéressant. Bon, bah, nickel. Nickel. Bon, allez, je te laisse là-dessus. Je te dis merci pour tout ce que tu nous as apporté, tout le contenu que tu nous as apporté. C'était vraiment cool. Problème. Merci bien. Ça m'a fait plaisir. Et bonne nuit. Et peut-être à une prochaine fois, alors. Ouais, à la prochaine, j'espère. Salut. Merci.
Faut que je boive, les gars, j'ai trop soif. Petit coup de verre d'eau. Ah, déshydrate. Comme c'était intéressant. Vous avez kiffé ou pas? C'était trop bien, je trouve. Il était vraiment calé, hein. Très sympa en plus. Hop, je vais baisser ça. Très sympa en plus. De toute façon, c'est un truc de fou, hein. De tous les abonnés qu'on a eu depuis le début, tous les abonnés étaient cool, hein. Il n'y a jamais eu un abonné ou une abonnée depuis le début qui était désagréable. Franchement, ils étaient tous super cool. C'est un truc de fou. Tant mieux, hein. Fini les femmes, bonjour. Non, les gars, mais arrêtez avec Dino. Oh, c'est pas possible. Vous, depuis le début, vous me trollez avec Dino. Après, j'ai vu des messages, mais comme ils m'ont fait rire. Non, les gars, vraiment, faites gaffe avec Dino. Ça fait 10 fois que je vous le répète, mais. Les gars, faites gaffe. Ça peut descendre à tout moment, vraiment. En tout cas, c'était super cool. J'ai appris pas mal de choses. Vous aussi, j'espère. On pourra mettre la rediff du coup sur YouTube, sur la chaîne secondaire, pour ceux qui veulent voir. On la mettra sur YouTube, ça sera cool. Moi, je vais surveiller leur Twitter quand même, au cas où s'ils mettent des trucs. Non mais les gars, il a 100... Non mais wesh, il a un dollar! Il a un dollar! Non mais c'est pas possible! Les gars, arrêtez, 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 arrêtez. J'ai peur vraiment, parce que je me dis, le truc qui a monté, plein d'abonnés vont investir, parce que vous montez la tête entre vous, et là, il va chuter d'un coup, et tout le monde va perdre. C'est ce qui va arriver. Ou alors, le truc, il explose, et on fait le meilleur truc. Dino, le Twitter créé en 2018, les premiers tweets, il y a 5 jours, chelou. Ouais, bah, à mon avis, le mec, tu vois, genre, il s'est créé un compte Twitter en 2018, et quand tu as créé son projet, bah, il a pris son Twitter qui existait déjà. Qui existait déjà. Non mais les gars, Dino, il vous l'a juste présenté en mode c'est un projet très très peu connu, qui a énormément de risques, mais voilà, qui pour lui, ça peut être un bon projet, mais il a énormément de risques, donc il faut en prendre en compte, vraiment. Regardez le market cap quand il bouge. Non mais c'est n'importe quoi, on est passé à 200 milliards de market cap, on l'a montré, il était à 50 000. Je sais pas quoi vous dire, j'espère que c'est pas vous, c'est n'importe quoi. Il est passé à 1$ en token, c'est n'importe quoi. Les gars, faites gaffe, vraiment, 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 vraiment. Dites-vous que des projets comme ça, il y en a tous les jours qui arrivent. Dino, la rue. Ah, les gars, arrêtez avec Dino. Oh là 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 là. En vrai, comme j'aimerais que ce soit un token qui explose et qui devienne avec un market cap de plusieurs millions, plusieurs dizaines de millions, je sais pas si vous vous rendez compte. Ce serait incroyable, en vrai. J'ai même pas regardé comment il est en market cap, etc. C'est quoi déjà leur... j'ai oublié. Comment je vois ce que je like? J'aime. Combien ils ont en... Mais c'est sûr que ça a monté grâce à Con Codex. Je sais très bien qu'on est quand même puissant. On est 900 sur live, mais quand même... Vous n'avez pas 200 000 euros à mettre sur Dino. Et surtout, mais les gars, vraiment, ne mettez pas plus de 100 balles. Enfin, ça dépend de votre capital, mais mettez 0,001% de votre capital. Si vous avez 100 euros de capital, mettez 1 euro, même pas. 10 centimes. J'allais voir... est-ce qu'il y a des détails? Ouais, il n'y a rien pratiquement. Whitelist, portfolio. Ouais. J'ai l'impression d'être Elon Musk. Le Elon Musk du Dino. Comment on y accède? Non, mais les gars, arrêtez. Faut que j'arrête d'en parler de toute façon. Allez-y avec 1$, même pas. J'ai mis 19, mais voilà, c'est très bien, 19$, c'est bien. Faut que vous partez du principe que vous allez le perdre. Mais le problème, c'est... si on a 10 millions de capital. Si t'as 10 millions de capital, t'as intérêt à faire un don de minimum 100$ sur la chaîne.
T'as 10 millions de capital. Bah, si t'as 10 millions de capital. On va voir. 10 millions. Si tu mets, on va dire, pas 1%, mais 0,1%. Attends, 10, 1, ouais, c'est ça. Ça fait 10 000 euros. Si vous avez 10 millions de capital, vous pouvez mettre 10 000 euros sur Dino. Et si vous avez 100 euros de capital, mettez 1 centime. Je vais faire prêt chez Cofidis et faire all-in sur Dino. Hypothéquer ça. Vous faites trop rire. Vous êtes des trollers. Ça descend déjà. Mais oui, ça, dans la nuit, on risque de se prendre à moins 80% sur ce token, les gars. C'est sûr. Faites gaffe. Oh, le marché est bien rouge. Oh. Oui, dès que Bitcoin commence à le descendre, ça fait mal. En daily, ouais, ça reste correct. Mais par contre, en H4, vous voyez, on revient tester une deuxième fois. Si on perce, là, du coup, à divergence baissière, les gars, c'est annulé. Et c'est direction les 42K. Si on perce, donc ça va être vraiment à surveiller. C'est quelle heure là? C'est 1h? Ah non, c'est que 23h. Ok. Les gars, ce soir, il va falloir vraiment, vraiment, vraiment surveiller. Oh, un petit point. Hop. Il va falloir vraiment surveiller la clôture des lits là. Faut pas qu'on clôture des lits en dessous des 45 000. Non, 44 500. Donc on va surveiller, on va surveiller. Viens voir sur Femex. J'ai mis mon ordre d'achat, les gars, pile à 42 000. Il y en a juste là, juste en dessous. J'ai mis 0,28 BTC. Je sais pas comment ça fait. Ça fait 10 000 à peu près. Pile à 42 000. Moi, si je pourrais descendre, paf. Et même s'il descend pas, c'est pas grave. En tout cas, je vous conseille de mettre des ordres d'achat entre 42 000 et 40 000. C'est peut-être intéressant. Bon, on va se quitter là-dessus. Hein. C'était un long live. Oh, je vous promets, je sais pas pourquoi le live, ça me fatigue. Ça me fatigue. Pourtant, il y a rien de fatigant. Hein. Il y avait Ternoa, je crois, qui était en live tout à l'heure, mais ils sont plus. On va aller à host notre ami Supral. Oh, il a 100 personnes, c'est bien. CHSB, ouais, CHSB, il est très, 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 très bon, là, il consolide, c'est très bien. Avec levier, j'ai pris un levier x2. Levier x2, tu vois, au moins, si mon ordre d'achat, il se fait prendre à 42 000 $, et ben, il faudrait que le Bitcoin, il fasse encore moins 50%. Donc, vu qu'il a déjà fait un moins 30%, tu vois, c'est quasi impossible qu'il refasse un moins 50 par suite. Très peu probable. Ah, Crypto Future, je viens d'examiner leur token. Tu parles de Dino? Code source sur GitHub, plus sur site web. Le script Java pue vraiment fort. Leur livre blanc est vide. Leur token vient d'un upload. Nous n'avons aucune confirmation antérieure. Faites attention à vous. Exactement. Exactement, les gars. Exactement. Regardez le message de Oxidix. C'est exactement ça. Faites gaffe. Alors, moi, j'y connais rien. Hein. GitHub, ça me dit un truc. Mais alors, le code source de je sais pas quoi, Java, j'y connais rien du tout. Mais voilà, faites gaffe, les gars. C'est. Il a 50 000 de market cap, autant vous dire qu'il y a, je sais pas, il y a peut-être 49 chances sur 50 que ça plante. Il y a peut-être une chance sur 50 que ça marche. Donc allez-y avec 10 euros, quoi. Allez-y comme si de base vous voulez. Non, arrêtez avec Dino. Non, vraiment, faites gaffe, les gars, faites gaffe, faites gaffe, faites gaffe. Vous allez vous faire plumer. Bon, après, je l'ai tellement répété en live que vous pouvez, voilà, vous pouvez pas être pas au courant, mais en gros, faites gaffe. Merci en tout cas pour la précision. As-tu déjà fait une vidéo sur ton parcours? J'ai 20 ans, donc si tu veux, j'ai pas mal de trucs à dire, mais j'ai pas non plus. J'ai pas non plus énormément de trucs à dire, quoi. Mais c'est vrai que c'est intéressant, ça peut être intéressant, parce que j'ai vécu pas mal de choses au niveau de l'école, tout ça, au niveau des trucs que j'ai construits à côté, et qui ont marché, qui ont parfois pas marché. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Mais je pense que je le ferai sûrement à la fin du bullrun. Si tout fonctionne bien. Ça peut être intéressant. Je suis développeur, ah bah voilà, je comprends. Je comprends mieux. Parce que c'est vrai que les codes Java, code source, code GitHub, tout ça, ça me parle pas du tout. Mais ça doit être cool en tout cas d'être développeur, parce que tu peux aller creuser dans les projets comme ça et tout, ça va être grave cool. Je suis Dino. On peut le short, mais non, tu peux pas le short Dino. Non, mais les gars, vous faites exprès. Arrêtez.
Dino égale Lambo. En vrai, elle est trop drôle celle-là. Je dors Dino. Si t'as 30 ans, tu as pas de Bitcoin, t'as raté ta vie. Ouais, je pense pas. Même si tu vois, t'achètes du Bitcoin dans 10 ans, je pense que ce sera toujours rentable, tu vois. Et ce sera pas. Dino, je pars Dino. Ce sera pas. désolé, je suis fatigué, je dis n'importe quoi. Même dans 10 ans, je pense que les cryptos, ce sera encore un bon truc. Si bien sûr, c'est encore debout. Mais genre, ce sera encore rentable de rentrer sur crypto. Levier x3, ça peut se faire. Mais alors, levier x3, faut vraiment que tu le mettes aux 40 000 $, quoi. 40 000 $, ça peut se faire, mais faut. Ouais, c'est ça, faut vraiment que tu le mettes le plus bas possible, quoi. Faut déjà qu'on se prenne à moins 30% sur Bitcoin. Levier x3, c'est quand même assez risqué, hein. Je conseille de rester sur du levier x2. Non, t'as mis 500 $ sur Dino. Non, faites gaffe. Faut que tu. De toute façon, je te mets au courant, mais t'as plus de chances de les perdre. Ouais, je pense que je vais les prendre. Bah, je vais aller prendre un petit bac de Dino. Ah non, mais je sais pas si je peux le faire en live. Et la dernière fois, j'ai regardé mon MetaMask qui buguait, c'est trop chiant. Je vais aller voir. Ah merde, c'est pas ça. C'est pas ça non plus. Regardez, en plus leur image, ils l'ont pris sur internet. Après, ils vont sûrement changer si le projet prend plus d'importance, mais pour l'instant. On a fait une fixette sur Dino durant ce live. Comme ce serait drôle en vrai que ce soit le. Vous imaginez si un jour Dino il arrive à dépasser Bitcoin. Ce serait. Maman, j'ai raté Dino. J'en peux plus. Terre Noire pour une petite somme à investir. Mais Terre Noire, en fait, c'est pas pour investir. Terre Noire, c'est si tu veux mettre une capsule temporelle. Et si par exemple, tu veux donner. Si par exemple, t'as ton enfant qui naît. Je te donne un exemple. Par exemple, t'as ton enfant qui naît. Et tu veux lui donner un. Par exemple, un truc à ses 18 ans. Bah, tu mets une capsule temporelle qui est pour ouvrir uniquement quand elle aura 18 ans. Sur la blockchain avec les smart contracts, etc. Et tu mets par exemple 0,1 Bitcoin. Et ça se trouve, plus tard, ça vaudra hyper cher, tu vois. Donc ça, c'est pas mal. Et aussi, ça marche par exemple si demain tu meurs. Enfin, je suis un peu radical, mais si par exemple demain il t'arrive un truc et je sais pas, t'arrêtes de vivre, et ben, tu peux faire une capsule où en fait tu donnes des bitcoins. Parce qu'aujourd'hui, si par exemple tu décèdes, bah, ta famille, comment ils vont récupérer des bitcoins? Surtout s'ils savent pas comment ça marche, tu vois. Donc ça, c'est pas mal. Qu'est-ce que je vais faire? Ah oui, allez voir. Non, mais en fait, je pense pas acheter du Dino. Je sais même pas s'ils vont en prendre, les gars. Franchement, il a explosé là. Il y a peut-être 90% de chance. Vous avez vu Oxydix qui a dit dans le chat. Oxydix qui a dit dans le chat que tout simplement au niveau du code, c'était assez chaud quoi. Il y avait pas grand chose derrière. Donc faites gaffe. Si t'arrêtes de vivre, je suis mort. Ouais. Il disait un peu comme si c'était normal. Je sais même pas si sur ce MetaMask j'ai du BNB. Ah si, j'ai un peu de TH. Est-ce que j'ai le réseau? J'ai même pas le réseau BNB sur ce profil. Parce qu'en fait j'ai plusieurs ledgers. Ça c'est ma ledger S. Faut que j'aille sur la ledger X. Alors profil 2. Bon, regardez, j'étais déjà sur Pack and Swap. Et je sais pas pourquoi la dernière fois ça marchait pas, j'arrivais pas. C'est chiant, ils mettent pas le site en premier. J'ai mis $1, c'est pas exprès. Bon, tant pis, on va aller sur Twitter. Normalement, on peut direct accéder à leur site. Au pire, je suis con, je sais faire ça. Ah mais là ça peut peut-être pas me le mettre. Voilà, c'est .org. Est-ce que j'ai... Alors... Je sais pas si j'ai des fonds sur ce MetaMask. Normalement oui. Oui, 13 ETH. Ah mais il faut des BNB, je suis con.
Ah oui, c'est bon, j'ai des BNB, j'en ai 13. Ok, c'est bon. Du coup, je pourrais en prendre. Alors, je vais pas prendre 13 BNB, ça fait un peu beaucoup quand même. Je sais pas combien il est le BNB en ce moment. Attrape-moi. Ah, arrêtez avec Dino, les gars. Nier BTC, c'est pas mal. Ouais, on ira voir. À partir de 1 000 $, je pense, de capital, tu peux prendre une major, ça peut être pas mal. Mais là, il y a un nouveau hardware wallet que je vous présentais, vous allez voir, elle est vraiment pas mal. Faut vraiment que je le fasse. Je sais même pas combien ça fait 13 BNB. 2005. Je vais pas acheter 2005 de dino, je vous le dis d'avance. C'est trop. Exchange, je crois. Bon, je sais même plus. Je suis fatigué, je dis n'importe quoi. Je suis ralenti. Ouais, c'est pas tard, hein. D'habitude, je me couche plus vers 3-4 heures. Mais genre, je sais pas pourquoi les lives, c'est un truc de fou. Ça pompe l'énergie. ETH qui traîne, ouais, je savais même pas qu'il y avait 13 ETH ici, mais c'est vrai que ça fait quand même une bonne somme, hein, 13 ETH. Je suis en train de me dire, mais non, je sais même pas si c'était 13 ETH vu que c'était en BNB, j'en sais rien. Ouais, ça fait quand même 18 000, mais après, tu vois, ces ETH, je les ai achetés pour la plupart à 100 ou 200 $, donc tu vois, au final, à l'époque, c'était pas énorme comparé à maintenant. Alors, attends, ah, mettez toujours en je vous conseille de toujours mettre en sombre parce que déjà, ça fait moins mal aux yeux. Et deuxième avantage, c'est que ça pollue moins. Je vous promets que le mettre de mettre en sombre, ça pollue beaucoup moins au niveau des données. Enfin, pas des données, mais au niveau de l'électricité par rapport au serveur qui maintient par exemple ce site. Je sais pas si ça a marché la transaction. Cette dernière fois, j'ai essayé. Regardez, j'ai un peu d'auto. J'en ai pour 0,6 des autos. Ça fait, je sais pas combien c'est. Mais qu'est-ce que je vais faire? Ah bah oui, acheter du dino, je crois. Les gars, faites pas pareil que moi. Vraiment, mettez une petite somme. Je vais mettre que dalle. BNB, ouais. Ah non, pas ça. BNB euro. Combien je mets, les gars? Dites-moi combien je mets en dino. Ouais, c'est ça, je dois avoir 0,67 auto, je sais pas combien ça fait. 4 000 à peu près? Il a combien l'auto? Il a 4 000? Il montait à 10 000 à un moment, c'était pas mal. Combien je mets? 10, 100, 1000? 100, en vrai, ça me paraît pas mal, je pense que je vais mettre 100. Les gars, c'est hyper risqué, hein. Mettez vraiment un tout petit pourcentage de votre capital. Mettez 0,1%, 0,01%. Vas-y, je prends un Ledger X, je verse 100 000 euros sur le dino. Non, je rigole. 100, en vrai, 100, ça me paraît pas mal. 100K. Non, 100 $. 0,5 BNB, 100 $. Ouais, ça doit être simple, ouais. J'espère que tu me racontes pas de conneries. Oui, parce qu'il y a 200 $ pour le BNB. C'est ça, 0,5 BG. 0,54, 1,055 m. Je sais même pas si ça marchait, parce que la dernière fois, ça me fait combien? 146 dinos. Mais en fait, je suis con, je devrais plutôt les farm, les dinos. Mais oui, je devrais les farm. Bon, et tant pis, on va en prendre. On va même pas en prendre, je vais en prendre 50 balles. Pour 50 balles, allez. Je sais même pas si ça marchait, cette dernière fois, j'ai essayé, ça marchait pas. Alors, normalement, c'est ça. Ok, connecté. Je vais faire une transaction en plein live, si ça marche. Bah non, Smart Chain, ça c'est ok. Là, normalement, on est connecté. Connecté, c'est ici. J'ai été connecté à Vénus, CakeSwap, et là c'est bon, Dino. Dino Swap. Donc là, logiquement, j'ai juste à swap. Oh putain, faut que je prenne ma Ledger. Comme j'ai la flemme. Confirme swap. Ouais, faut que je mette ma Ledger. Ça, heureusement, elle est pas très loin. Non, non, je suis loin d'être une baleine, les gars. Une baleine, c'est 1 000 bitcoins. 1 000 bitcoins, ça fait quoi? Ça fait 40 millions. Je suis loin d'avoir 40 millions. J'ai même pas 1 million. Donc avant d'être une baleine, il y a de la marge. Mais à l'époque, je m'en souviens, quand on parlait de baleines, les baleines, c'était 2 millions 5. Donc c'est beaucoup, hein, 2 millions, c'est énorme. Mais je veux dire, c'était quand même plus accessible que 40 millions. Largement plus. Bon, on va brancher ça. C'est chiant le. Attends. Hop. Ce qui est chiant, c'est que je sais pas si vous avez une Ledger, mais j'ai la X et la S.
Et la S, le câble, il est super long, donc c'est grave bien. Mais la X, c'est tout petit, c'est trop chiant. Il y a le Bluetooth, mais c'est galère pour le PC. Bien sûr, ça va marcher. La dernière fois que j'ai testé, ça n'a pas marché, je sais pas pourquoi. Faudrait que je règle ce problème aussi, mais c'est pour du temps. Bon. Là, je suis connecté. Je vais voir ça rapidement, ouais. Swap. Regardez, la dernière fois, donc là, il y a les fees. Changez pas les fees, les gaz, tout ça, parce que vous pouvez vous faire plumer. Là, oui, je paye ça en termes de fees. C'est rien du tout. Hein. C'est en BNB, les gars. Donc, c'est que dalle, vraiment. C'est à peine quelques centimes. Là, normalement, je confirme. Là, ce qui se passe, c'est que vous recevez direct votre transaction depuis votre ledger. Et là, le problème, c'est que ça me fait pareil. Ça marche pas. Je sais pas pourquoi. Et j'ai rien sur mes ledgers. J'ai absolument rien. Normalement, sur votre ledger, vous avez... S'il y en a qui savent, parce que au moins, si ça peut me débloquer, ce serait bien. Parce que j'avoue que la dernière fois, je voulais faire une transaction sur la Binance Smart Chain et j'ai pas pu, parce que ça marche pas. Je sais pas pourquoi. Et j'en ai déjà fait des transactions hein, avec cette ledger. Mais là, ça marche plus depuis près d'une semaine. Et je sais pas d'où ça vient. Parce que sur, normalement, là, je devrais recevoir la signature à signer sur la ledger. Mais j'ai rien du tout. Et je sais pas pourquoi. Si tes fonds sont sur ta ledger, tu peux quand même faire des mouvements. Oui, bien sûr. Bah, c'est avec MetaMask. La diff entre la ledger S et X, bah S, t'as que 3 cryptos, tu peux mettre plus les tokens, alors que la X, tu peux mettre autant de cryptos que tu veux dessus. Ouais, dans un mois, on en reparlera du Dino, c'est pas drôle. Il faut que t'actives le mode dev sur ta ledger. Ah ouais? Tu vas où pour faire ça? Parce que je sais que dans ETH, par exemple, j'avais un problème, il fallait que j'aille dans settings et mettre not allowed, un truc comme ça. Il faut que t'actives le mode dev, mais pourtant... Il y a une semaine, j'ai fait cette transaction, ça marchait. Et j'ai déjà fait une mise à jour aussi sur Ledger. Comment tu fais pour aller dans le mode dev? Ouais, MetaMask, c'est vraiment pas mal. Je vous conseille de vous former un peu là-dessus. Après, il faut faire gaffe aussi. Valide sur ton ledger. Mais oui, mais le problème, c'est que j'ai pas de signature sur ledger. Sur ledger, je reçois rien du tout. Avant, ça marchait, mais là, depuis une semaine, après, depuis 5 jours, je reçois aucune signature sur ledger. Je sais pas pourquoi, je sais pas d'où ça vient. Ou alors, t'as pas de BNB pour les fees dessus, Mathéo. Mais c'est ce que je regardais aussi avec la... Antonin. Mais c'est pas l'Antonin, d'ailleurs. Je vais même pas appeler Antonin. Antonin qui est venu tout à l'heure. Il m'a dit qu'il fallait peut-être augmenter les fees ou un truc du genre. Tu regardes quand je swap. Donc là, j'ai ça, et là, je peux augmenter les fees. On va mettre par exemple à 100. C'est... Ouais. Je pense beaucoup, sans... on va mettre à 30. Faites gaffe au niveau des fees. Hein. Là, 30, je pense que c'est bon. Et. Ah tu... Si, mais tu vois, genre, j'ai les BNB, donc normalement, ça me paye les fees. Et là, je reçois absolument rien sur ma ledger. Alors que normalement, je devrais recevoir la signature. Donc, je sais pas d'où ça vient. Désactive, bouclier. En haut peut-être. Ah, ça, je l'ai déjà essayé aussi. Tu parles de ça, là? J'ai déjà essayé, ça change rien. On va quand même essayer. Airdrop de Dino. Mais normalement, les BNB, ça suffit. Ce que j'ai de mon wallet, là, les 13, ça devrait suffire, quoi, les fils. BNB sur ta... Ah, c'est peut-être pour... Mais non, mais... Attends. Non, mais j'ai des BNB... En fait, j'ai envoyé des BNB sur mon adresse MetaMask. Mais j'ai pas de BNB sur ma ledger. Tu penses que c'est pour ça? Mais c'est pas possible parce que la dernière fois, j'avais pas de BNB aussi sur ma ledger, mais j'en avais sur MetaMask et ça avait marché. Passe par Chrome. C'est vrai qu'il faudrait peut-être que j'essaie par Chrome. Il faudrait peut-être marcher. Bon, je vais réessayer sans le code de sécurité à voir ce que ça donne. On va essayer que 20 fees. Et là, je reçois rien du tout sur Ledger. Avec un autre navigateur. Ouais, bah, au pire, j'essaierai que. J'ai essayé sur Chrome. Hein. Je vais pas le faire maintenant. Augmente le ciplage, pas les fees. Qu'est-ce que c'est que le ciplage? Là, je lui dis, les gars, moi je suis un...
je suis pas un trader, enfin je suis un investisseur trader, analyse technique, mais alors tout ce qui est technique blockchain et tout, j'y connais un peu, mais pas tout. Les slippages, ça je sens que c'est un truc pour que je paye 36 000 $ de transactions. C'est quoi les slippages? Ah c'était de ça, non? Non, c'est rien. Pas faire de conneries. Ouais, après j'ai essayé avec Chrome au pire. Vraiment bizarre, ouais c'est bizarre. C'est fait via Ledger, tu devrais avoir le BNB pour le gaz directement sur la clé, non? Ah c'est peut-être ça, t'as peut-être raison, KemKS4. D'ailleurs je te remercie, c'était tout le temps présent sur les lives, c'est cool. Va dans la molette à droite. Comment ça la molette? Où est-ce que tu veux? Ah ici! Putain mais qu'est-ce que vous êtes fort! Ah c'est ça non? Ah c'est ça le slippage, mais oui. Mais vous êtes trop chaud. Sa différence entre le prix actuel et celui que tu acceptes max. Les vrais détectives. Toujours là, modo ou pas. Et les autres ont plus le pâté. C'est sûr. Olivier Vent, toi aussi je te vois tout le temps. Super cool. Mais de toute façon, toutes les personnes. Vos pseudos, de toute façon, pour la plupart, je les connais. Je les vois tout le temps, Kems4. Par contre, il y en a beaucoup, j'arrive pas à dire. Olivier Vamp. Il y en a plein, hein, Geoffrey91, tout ça, Alex, etc. Pour la plupart, je vous revois souvent en fait en live, je vois vos pseudos. Après, je vous connais pas qui c'est derrière, mais c'est, parfois je revois des pseudos que je vois en commentaire YouTube et que je revois sur Twitch. Ça, c'est cool. Du coup, je mets quoi les gars en slippage? Mais 2? 0? Non, les gars, je mets combien en vrai? Allez, je mets 100. Je peux mettre 90. Je vois. 2, c'est bien. Ok. J'espère que vous me faites pas de conneries, les gars. Transaction deadline. Ouais, ça, on s'en fout. Et j'ai peur. En vrai, imaginez, je paye 10 000 $ de transaction. Non, normalement, ça va le faire. Bon, on va tester comme ça. Est-ce que je laisse les gaz comme ça? Pas de bullrun sans dino. Ça rend le papa, bah ouais. Papa, je suis le papa à 20 ans. Je vous montre le droit chemin. Ah, il y a le lien Telegram, intéressant. C'est bien, là, on n'est pas trop nombreux. Il y a moins de messages, c'est cool. Bientôt l'article dans Crypto. Ah bah je peux te dire, c'est ici. Si Crypto, s'il faut un article, ça va être fort. C'est quoi DinoSwap? C'est une plateforme, une nouvelle plateforme qui est là depuis une semaine, qui nous a montré Antonin qui est venu tout à l'heure pour me parler de Binance Smart Chain, il nous a dit que c'est un token qui est très 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 risqué, mais il peut exploser si ça marche. Mais ouais, c'est très risqué, donc faire très attention. Du coup, je mets une toute petite somme dessus. Touche pas au gaz, ok. Je pense pas que ça marchait, hein, ça m'étonnerait. Mais bon, on sait jamais. Oula, ça met du temps. Je vais peut-être le refaire. Là, c'est bien 2% encore. Ouais, c'est bon. Oh. Attends, je suis connecté. Ok. Ok. Ouais, je reçois rien encore. Je reçois rien. À mon avis, je sais d'où ça vient, les gars. Je sais d'où ça vient. C'est peut-être... Ah, je sais pas, en fait. C'est peut-être parce que j'ai pas de BNB sur ma Ledger, ou alors c'est peut-être parce que je suis sur Brave, il faut que j'aille sur Chrome, peut-être ça change quelque chose. Ou alors... Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Je sais pas. Peut-être que je change de Ledger, au pire. Je comprends plus rien. Ah ouais, c'est vrai que là c'est complexe. 1 $ le dino. Ah ouais, il a combien? Il a 83 centimes, ouais, ça bouge pas. Faites gaffe les gars, je vous jure. On risque de prendre une grosse correction là durant la nuit, j'en suis sûr. Non mais le market cap, c'est n'importe quoi. Il est passé de 50 000 à 182 000. Et après, je sais plus s'il nous a dit ça, Antonin ou pas, mais je crois que c'est sur cette crypto. Il a dit, si par exemple tu te poses... Oui, c'est ça. Si vous déposez par exemple 10 000 $ sur dino, bah vous allez en acheter que pour 3 000 en fait. Parce qu'il n'y a pas assez de liquidité. Donc faire super gaffe à ça, pas mettre de grosses sommes.
mettez 50 balles max. Non, ça bah tu peux en acheter, mais c'est peut-être une chance sur 50 que ça marche, quoi. Non, Brave, ouais, normalement Brave il marche. Je sais pas, non, c'est pas la connexion. Par contre, oui, j'ai bien une connexion pétée, mais c'est même pas de la connexion. T'as posé 3 euros dessus, bah c'est parfait, t'as bien fait. Et ton 50 balles peut devenir combien? Mais j'en sais rien. Ça, c'est à savoir, j'ai pas une boule de cristal. Ça peut devenir 0, comme ça peut devenir 1 million. Non, je rigole. Oh, c'est possible. Non, peut-être pas 1 million. C'est de la merde. Mais là, quand même, attends, le token il vaut 1$, alors qu'il y a 200 000 de market cap. C'est que dalle. Je suis nul en calcul, mais je vais tester un truc. Imaginez les trucs qui montent à 20 millions de market cap. C'est impossible, hein, je vous le dis, c'est impossible. Imaginons. On a le droit de rêver quand même. 187 000. Ça fait un x106. Ouais, c'est ça. Donc, ça fait un token à 106$. Si j'en ai 750, ça fait 5300. Sauf que le truc, il faut qu'il monte à 20 millions. C'est impossible. Je vous le dis, c'est impossible. MetaMax fonctionne mieux sur Chrome. Ouais, faut que j'aille voir sur Chrome. Faut que j'aille voir sur Chrome. Du coup, j'ai oublié de vous remercier en plus, mais il y a eu un host de Cocteau. Je sais même pas qui c'est, on va aller voir qui c'est rapidement. Je suis pas sur le bon truc. Ouais, là, ici. Bon, tant pis, hein. Le dino, je vous dirai prochain live si j'en ai acheté ou pas. On ira voir. J'ai essayé de réguler tout ça, mais bon, c'est pas une priorité. D'autres trucs à faire. Comment il s'appelait déjà? Coq TV. Je sais pas du tout qui c'est, les gars. À mon avis, c'est pas un mec de la crypto, sinon je connaîtrais. Cocteau, c'est lui. 274 000! C'est énorme. Incroyable. Incroyable, les gars. Vous connaissez? C'est un mec qui te regarde. À mon avis, c'est un abonné. À mon avis, c'est une personne qui regarde mes vidéos sur YouTube. Et que du coup, c'est un streamer de base. Parce que, truc de fou, hein, je sais pas si je vous ai dit, mais il y a David Lafarge Pokémon qui est abonné à la chaîne YouTube. Genre, j'ai regardé dans les... Tu peux regarder les personnes qui sont abonnées à ta chaîne. Et il y a David Lafarge Pokémon qui est abonné à la chaîne. Et il y a aussi d'autres personnes, je crois, il y a 3 personnes qui ont plus d'un million d'abonnés qui sont abonnés à la chaîne YouTube. C'est fou. Genre David Lafarge Pokémon, ça fait bizarre. Je crois qu'il a 2 millions et quelques. Oh, mais en plus, il l'héberge. Il nous héberge, c'est cool. Mais je sais même pas qui c'est, les gars. Je sais même pas qui c'est. Il fait Fortnite. Mais je le follow, hein. Le follow, moi je vais pouvoir voir ce qu'il fait. Je crois qu'il fait. Ouais, il fait du Fortnite. Et je suis abonné. Il est en tourloupe. 1,20$ le dino. Arrêtez de parler de dino, les gars. Ah, oh, mais il se trouve à la fin du live, on le voit, host. Ah oui, je regarde en x2. Attendez, je vais enlever son son. On va se faire vraiment à la fin. Ah bah c'est bon, il est à la fin. C'est bizarre à faire ça. Bah non, on verra demain, les gars. Comment il nous a trouvé? Je sais pas si c'est sur Slide. Bref, moi je vais laisser, les gars, je vais rester comme ça. Je suis fatigué, hein. Je suis quand même fatigué, j'ai pas beaucoup dormi encore une fois. J'ai l'impression de jamais dormir en ce moment. Bref, je sais pas qu'est-ce que je peux voir. Ah! Bonne soirée à vous, reposez-vous bien, merci pour le stream. Je vous dis à demain. Ah, il follow alors. Il follow. Pour ceux qui veulent acheter de la crypto-monnaie, etc., allez vous renseigner sur ce mec qui connaît beaucoup de choses. Ciao, ciao, bisous. Trop cool. C'est cool. Je sais pas si vous le connaissez avant, mais personnellement, je connaissais pas.
En tout cas, c'est cool. C'est cool de sa part. Mais du coup, il y a eu plein de personnes. Il y a eu plein de subs. Vapeur34, Psychatraz, Antibal13. C'est pseudo, ça fait peur. Smokey, Yaza, Choppy Chopper. Joli. Macouille. Ah, j'en fais plus. Oh, la première fois que j'ai vu ton pseudo, tu m'as tué. Macouille. Dino. Dino Rotou Inca. Je suis obsédé là par Dino. Il donne quoi? Il est 1,20$. Abusez pas, les gars, vraiment, n'allez pas acheter cette merde. Je vais vous faire plumer. Il a passé 200 000. Je suis sûr, demain, je vais me réveiller, il sera 1 million de market cap. Ou alors, il sera à zéro. Faites gaffe, vraiment. Oh, 3 heures de live, ça a quand même bien tenu. Merci pour ton sub, ZT8, qui vient de sub. Bon, allez, je vous laisse là-dessus. Merci d'être resté jusqu'au bout, parce que les 600 là qui sont restés. Vous êtes les derniers des derniers. Vous êtes chaud. Vous êtes les vrais qui restent. Je vais vous mettre sur Supral. À lui donner de la force, il en a besoin. Il stream 20, 15 heures par jour. Il a besoin de force. Parlez-lui un peu de crypto. Parlez. Oh, parlez-lui de Dino. Dites-lui les gars. Dino the moon. Dino to the moon. Dites-lui ça. Parlez-lui que Dino, il va péter un câble, il va pas comprendre. Dites-lui Dino to the moon, Dino. Dites-lui. Dites-lui Dino égale Lambo ou des trucs dangereux. Dino égale Matteo, Dino je sais pas quoi. Il va rigoler. Bon allez, je vous laisse là-dessus. Ciao. Bonne nuit à tous et à demain. Je vous ferai une vidéo plus tôt, je pense. Parce que j'ai une soirée le soir. Merci pour le sub, Iliomix. Bon allez. Bonne nuit à tous les dinos et passez-lui bonjour de ma part à Supral. Parlez-lui de dino vraiment. Ciao à tous.